Bonjour à toutes et tous. Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons trois fois par mois pour vous faire le débrief de tout ce qui se passe d'intéressant, de croustillant, de stupéfiant dans le monde des comics et donc de leurs adaptations. Et bien sûr, cette émission, elle n'est pas faite toute seule puisque en ma compagnie, il y a qui eh bien, il y a Corentin. Salut. Bonjour, Corentin. Bonjour, Arnaud. Comment vas-tu, Corentin Je suis fatigué. <laughs> c'est ta réponse un petit peu automatique, je crois. Euh, quel que soit le À cause de Skepta. Mais, mais, mais quelque part, c'est peut-être bien d'avoir des constantes. Euh, en fait, c'est que toi, tout, à toute période de l'année, à toute saison, euh, qu'il vente ou qu'il pleuve, tu es fatigué. Voilà. Bah oui. Eh bien, c'est très bien. Voilà. Ce sera un peu ton ton modus operandi. Euh, du coup, je vais pas essayé de te euh, tirer la parole plus que ça pour l'introduction, hein, puisque je vois bien que... la... la... Non, mais je vérifie le, si on n'a pas oublié une news dans le programme, surtout. Mais ne t'inquiète pas de toute façon, si on en oublie une, elle pourra toujours être rattrapée par la suite. C'est ça la beauté de ces émissions, c'est qu'on peut continuer d'en faire ad vitam aeternam, mais seulement, seulement si on a nos soutiens. Donc c'est bien sûr le moment de remercier euh, premièrement notre partenaire sur ces émissions, notre sponsor, Pulps. Euh, donc PulpsComics.fr, enfin c'est Pulps.fr pour la boutique en ligne. Euh, trois boutiques sur Paris, vous le savez. Euh, deux, il euh, y a aussi une boutique à Bordeaux euh, que l'on salue bien bas. Et surtout, donc voilà. Le site en ligne sur lequel vous pouvez faire des commandes de comics en VF et en VO. Et vous le savez, si Pubs nous sponsorise cette année, c'est surtout parce que euh, on fait une chronique spéciale qui est le Focus Pubs où c'est euh, chaque mois euh, des euh, comics en VO à prix de lancement on a déjà fait le Focus pub pour ce mois de mai 2024 donc qui concerne des titres qui vont arriver en juillet prochain il y a du Avengers vs Aliens euh, il y a du Spider-Man Reign 2 euh, il y a Hello Darkness My Old Friend une anthologie d'horreur et il y a le grand reloge des Tortues Ninja vous pouvez retrouver euh, le, le, le complet la pastille complète à part sur euh, les ondes de ce podcast et bien entendu notre autre grand remerciement il va à vous celles et ceux qui nous écoutent et qui euh, pouvaient euh, nous soutenir sur notre tipi. Euh, on vous rappelle que c'est grâce à ça qu'on peut euh, voir euh, le, le futur sur le long terme. Enfin, c'est comme ça qu'on peut, ouais, <laughs> peut voir, voir, voir venir. Voilà. On peut voir l'avenir. Voilà, euh, hein. Et donc, merci. Actuellement, vous êtes 142 à l'heure où on enregistre ce. Podcast. Euh, merci à euh, Rod, à Slashbook, à Dim et à Mona Kramer 87 pour vos euh, soutiens. Euh, vous êtes les dernières personnes à avoir contribué et en plus, euh, voilà, je, je ne je peux le dévoiler, vous l'avez fait avec un, un type récurrent. C'est ce qui nous permet vraiment le, le plus euh, de voir l'avenir sur le long terme. Donc merci à toutes celles et ceux euh, qui participent et vous pouvez encore les rejoindre chaque mois. C'est euh, voilà, c'est open, c'est open, c'est ouvert à tout le monde. Open AI, ça. <laughs> non, bah non, non, c'est pas Open AI, putain. <laughs> Euh, grand Dieu euh, merci d'ailleurs d'ailleurs une, une IA serait incapable euh, de, euh, de euh, comment dire de s'aborder toutes les expressions que j'ai tu vois Exactement. que, que, que j'invente donc euh, voilà on vous rappelle aussi qu'il y a toujours une enquête en ligne euh, first print et vous que vous pouvez répondre je remets le lien dans la description de ce podcast vous êtes déjà plus de 650 à, la, à y avoir répondu euh, je sais que vous êtes un, encore plus nombreux à nous écouter donc si jamais vous n'avez pas encore pris le temps de faire on va laisser court de toute façon sur le mois de mai euh, en gros puis bien entendu on se retrouvera très prochainement pour débriefer de tout cela euh, ensemble, wink wink, c'est-à-dire, a priori, pas en euh, podcast. Euh, voilà, ou le petit teasing. Euh, et on a pas mal de choses d'ailleurs qui se préparent pour, pour l'année en cours, donc euh, restez à l'affût. Corentin, on va pouvoir Commencé. C'était tout le temps à l'affût. Oui, tout le temps. Dans la, dans la rue, t es, t es, t es, sur regard. Voilà. C'est ça. Mais t'imagines, bah tu te balades dans la rue, là, ouais. dans ta ville, là, où que ce soit. Et là, paf, je surgis. Et je fais, paf, hey, soirée first print qui arrive. Et voilà. Et, voilà, et, voilà et, bah es, hey, et tu vois, que étais à l'affût, actuelle, tu aurais fait un arrêt cardiaque car Arnaud reluissant sur les mains. Voilà. Donc, euh, <laughs> donc il faut rester à l'affût. Pour m'éviter la prison, rester à l'affût. Exactement. Donc, je voulais commencer par la partie comics. Hein, C'est toujours la partie la plus longue de ce podcast. Même si, effectivement, dans ce front page, on verra que du côté des écrans, c'était pas mal chargé depuis la dernière fois qu'on a enregistré. Alors d'abord, une note pour un petit peu parler de l'événementiel. Il y a pas mal de choses qui se préparent en France et ça fait plaisir, en vrai, ça fait vraiment plaisir de voir bah, des libraires, des salons, plein de personnes passionnées qui essayent de mettre les comics en avant. Voilà, c'est un peu de toute façon notre... Comment dire notre notre leitmotiv hein, c'est de mettre en avant bah voilà tout ce qui se passe pour pour montrer que c'est une culture qui est bien vivante et pour laquelle il y a plein de choses sur lesquelles on peut se réjouir plutôt que euh, voilà alors il y a plein de choses qui vont mal aussi dans le monde de façon générale de... dans le monde des comics il y a aussi non, des trucs pas, pas forcément ouf et nous on choisit simplement en fait de regarder euh, les gens bah, qui qui font des choses euh, tout simplement. Donc à euh, alors on enregistre ce podcast ça va être très très rapide et ça concernera que les parisiens et je pense en plus que les séances sont complètes pour les deux mais sachez que les 24 et 26 mai euh, 2024 là euh, sur Album Comics à Paris il y aura Bill Sinkiewicz et euh, Terry Dodson alors Terry c'est vrai qu'il qu était déjà venu l'an dernier je crois ouais, de, de, de mémoire ouais. euh, mais Bill Sinkiewicz, qui est de passage à Paris c'est euh, c'est un, un événement, événement. c'est oui. un putain d'événement donc euh, très grand tardi je sais pas si tu veux faire un live sur, sur Bill Sienkiewicz oh, bah, que toi tu que... appelles Dieu en général je l'appelle pas forcément Dieu parce que cette place est occupée par un autre homme, un Frank autre Miller, homme. Alan Moore. Bah oui, Frank Miller, il est ouf. Frank Miller s'est terminé depuis longtemps. Il euh, faut, faut regarder les réalités en face. Non, Billingsley, bah voilà, c'est un artiste fondateur, révolutionnaire qui a connu un peu ses heures de gloire dans les années 80, avec notamment Electra Lives Again en compagnie de Frank Miller, du coup décrit par Moebius comme un artiste virtuose, dont le coup de crayon assez anarchique, désordonné et très particulier en fait a formé une génération de de, de descendants, de successeurs, parmi lesquels on peut citer John Person, Martin Simmons, Anand Derka. Il voilà, il est connu pour tout un tas de projets. Mais c'est est-ce qu'il y a besoin en fait de décrire euh, Bill Sienkiewicz Je suis pas persuadé. C'est un peu une référence obligatoire quand ah, on ah, aime les comics. Bien sûr, mais on est toujours le, le découvreur euh, à un moment donné de, de quelque chose qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, euh, du coup, c'est toi qui me l'avais appris euh, l'artiste de euh, de Joker, euh, ah, de Riddler pardon, one de euh, Paul Dano et Stjepan Subic ah, Stepan Subic euh, Su non, je sais même, voilà. <laughs> c'est pas Stepan Sejic parce que ça c'est encore un je crois, autre. Je crois un. que c'est Stévan, Subic. Stéban Su voilà, ouais. donc ça va dire là. Et en fait donc, je croyais était un, un descendant indirect direct de Sienkiewicz en fait non, c'est un pote à lui apparemment, mm. d'où la proximité toute crayon et d'ailleurs c'est pour ça que Sienkiewicz signe les couvertures de cet excellent album sorti chez Urban, voilà, comme ça tout le monde sait ce qu'il faut lire en ce moment. Très bien donc voilà ils seront ils sont en deux, deux passages alors bon il y a des j'ai quand même vu les, les conditions de dédicace sur la page d'album qui était un petit peu abusée euh, je trouve puisqu'ils avaient payé 30 balles la signature et euh, 180 balles la remarque donc euh, ouais c'est 180 balles Ouais pour la pour la, un, un petit croquis quoi. Donc bon c'est c'est réservé j'imagine aux personnes les, les plus fortunées mais euh, voilà. C'est pas lui qui fixe ses prix bah j'imagine que si si de toute façon c'est lui qui fixe ses conditions à on avis quelqu'un c'est que comme... vraiment une resta hein, oui oui non non euh, quelqu'un comme Sienkiewicz avec sa carrière et son statut je pense effectivement il fixe ses conditions pour faire une dédicace ouais. et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il fait pas une tournée dans toute la France mais en tout cas voilà faut vous que Terry Dodson et Sienkiewicz étaient de passage euh, enfin étaient récemment au Lake Como Festival Comic Art Festival donc un festival euh, de bande dessinée Ah, euh... tu dis au Lake Como Lake Lake ouais c'est parce que c'est à la c'est l'italienne en fait Lake Como <laughs> c'est pour ça Lake Como Comic Art Festival euh, si tu veux justement qui est, qui est organisé d'ailleurs par nos, nos nos bons amis de, de chez Pulps euh, donc euh, qu'est-ce que je veux dire mais c'est un festival qui est euh, c'est la version premium en fait c'est il faut voir c'est la version au euh, tirage de tête euh, des des festivals de de bande dessinée puisque bah c'est une entrée qui est assez qui est assez élevée mais c'est dans un cadre là voilà, où c'est place limitée où les artistes sont en mode chill et détente dans dans le cadre en plus idyllique du du lac de Combes euh, voilà, mais en tout cas ils n'étaient pas de passage là et donc forcément après ben bah, ils peuvent se trouver une petite date pour faire un passage en France. Donc là ils seront de passage donc, chez, chez Album euh, cette semaine, alors on met le podcast en ligne. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que Sean Murphy était de passage à Paris aussi tout récemment avant d'aller justement le week-end dernier euh, au, au, au lac de Combe. Euh, Sean Murphy d'ailleurs, qu'on a pu réinterviewer pour euh, Zoro. Euh, on a même eu quelques, petits, mmh. euh, quelques petites nouvelles euh, qu'il qui a bien voulu lâcher dans le, dans le podcast. Le podcast arrivera un tout petit peu plus tard, euh, au mois de juin, en fait, pour accompagner la sortie du Zoro euh, d'Entre la marche Urbaine, puisque, bah, vu qu'on parle quand même beaucoup du projet euh, à l'intérieur euh, bah en fait on, enfin c'est pas qu'on spoil mais voilà on, on aborde vraiment le fond du ciel donc euh, ça sert à rien de le sortir maintenant alors que une grande majorité des lecteurs je pense n'ont pas encore pu euh, lire euh, le récit mais donc ça arrive Sean Murphy de retour sur First Print en 2024 année complètement folle avec tous les autres artistes d'ailleurs que vous allez pouvoir retrouver tout bientôt euh, puisque là je me mets un gros coup de motif pour euh, tout retranscrire et donc euh, ça va ça va euh, fuser euh, dans vos oreilles ensuite Corentin quand même aussi une très très grosse annonce euh, voilà alors euh, c'était euh, Déjà su un petit peu euh, depuis euh, en, en loose day depuis euh, depuis quelques depuis quelques semaines euh, si, si tu discutais avec euh, les, les bonnes personnes mais maintenant euh, Japan Expo a voulu euh, communiquer dessus euh, officiellement euh, c'est donc Alan Davis euh, qui est l'invité d'honneur de la de Japan Expo 2024 euh, donc pour leur partie amazing donc la partie amazing elle a été introduite en 2022 euh, faut savoir qu'il y a un historique hein, entre les comics et la Japan Expo euh, même si le le nom ne ne, ne 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 fait pas forcément euh, écho au, au, au départ, il hein, y avait une partie Comic-Con d'ailleurs qui était présente à Japan Expo pendant de très longues années. C'était voilà, il y a, y a plus de dix ans maintenant, euh, et avant que. Reed Exhibitions euh, enfin Reed France viennent avec la marque Comic Con Paris à partir de 2015. Donc avant en fait, vous aviez deux rendez-vous pour les pour les comics, il y avait la partie Comic Con à Japan Expo, il y avait la le, la Paris Comics Expo. Donc ensuite euh, donc c'est la Comic Con est devenue la Comic Con Paris. En 2020 après le Covid, Reed a décidé de ne plus exploiter la marque en, en France et depuis cette année, ben en fait, il y a les Belges de Comic Con bruxelles qui ont fait le Comic Con France. Euh mais euh, à part ça bah il y a quand même cette partie Amazing qui est revenue aussi en 2022 avec l'ambition de mettre en avant alors la culture américaine mais aussi en fait toutes les pop cultures autres que japonaises euh, et en fait bah, les deux dernières années faut quand même le dire c'était pas non plus ultra concluant bah, parce qu'il y avait pas beaucoup d'éditeurs qui jouaient le jeu alors euh, c'est vrai qu'il y avait Comics Initiative qui était venu, il y avait 404 qui était venu la première année avec et Black River aussi. Euh, il y avait quand même quelques des artistes aussi de BD euh, franco enfin, enfin européenne et tout et tout qui étaient qui étaient présents mais dans dans l'ensemble c'était pas non plus euh, euh, une partie qui, on va dire, était forcément méga soutenue, en tout cas en apparence. Hein. Je sais pas comment ça se passe en atteinte de Mais en tout cas, là, ils invitent Alan Davis, donc ouais. euh, immense, immense euh, auteur illustrateur euh, des années 80, 90, et qui continue de toute façon d'être actif euh, encore et toujours. Il y a encore euh, cinq ans, hein, il sortait euh, le, le très chouette... Euh, Avengers Defender Tarot, illustré par Paul Renault, qui est un, en plus un projet rêvé pour Paul Renault, qui est peut-être, je ne sais pas, <laughs> je ne peux pas parler à sa place, mais l'un des plus grands fans d'Alan Davis euh, en, en France. Euh, donc, il sera présent les 4 jours de, de la oh. Japan Expo, oui. Bah, Alan Davis. Quoi bah, Alan Davis, qu'est-ce qu'il a dessiné, Arnaud Excalibur. Oui, mais par surtout. Euh... Justice League The Nail. Non, avant ça. Vas-y, bah, dis-moi le. Parce bah, Captain Britain. Oui, Captain Marie Britain d'abord, c'est quand même, oui. Ainsi que Miracle Man. Oui, oui, oui c'est vrai qu'il a fait les six, les six premiers numéros avec Oui, oui, enfin, non, Il a remplacé Gary Leach euh, et il a fait une bonne partie de la série. C'est un euh, artiste génial, effectivement, et d'ailleurs qui est plutôt jeune par rapport à l'année où il a commencé parce que. Oui, oui, il a que 60 et Il a été révélé euh... dans les années 80 par Deskin à l'époque justement où Marvel UK était vraiment un bastion euh, autonome du groupe Marvel. Et enfin, ouais, ouais, c'est vraiment un mec qui a, qui a voilà, fait des grands projets aussi. Euh, avant de devenir, entre guillemets, un auteur mainstream, il avait déjà participé à la révolution des super-héros dans les années 80 au Royaume-Uni. ça Il a que 67 ans, techniquement, il est encore. Ouais, euh... puis il a dû commencer à un pige, quoi. Oui, 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 très, très très, très tôt. Quoi. Vrai, oui, c'est vrai qu'il y a quand même, oui, oui. Le, le miracle man chez Warrior de l'époque, quoi. D'ailleurs, qui a mmh. été réédité en omnibus chez Panini, je crois, l'année la, dernière de mémoire. Je sais pas s'il est encore réédité, s'il est encore disponible, ou si tout est parti. Mais en tout cas, ça fait quand même plaisir de l'avoir. La dernière fois qu'il était venu, c'était en... En tout cas, euh, de mémoire, c'était en 2019 à Toulouse euh, pour le Salon Super Héros. Et avant ça, c'était à Paris Comics Expo en 2014. Donc, vous voyez le pattern. Tous les cinq ans, Alan Davis revient. Exactement. J'ai l'impression. Euh, si on a loupé une, un, un passage, euh, voilà, on, on s'excuse de, de l'avoir loupé. Mais euh, j'aime bien le pattern que ça que ça permet de, de déceler. Très bien donc ça c'est euh, grand rendez-vous en juillet juste avant les JO donc si vous êtes euh, de passage à Paris que vous voulez monter sur la capitale je pense qu'il sera encore temps avant que ce soit euh, l'enfer sur terre avec euh, les jeux olympiques. Et... Et mais attends ça se passe en même temps Bah oui bien sûr. Oui, ils ont pas décalé la date Non non mais c'est non pardon, c'est en juillet, c'est avant j'ai ah dit oui, c'est avant les JO, donc okay, vous pouvez venir non non non. non, 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 c'est du 11 au 14. C'est si ça. Ça un peu risqué de les mettre en face des JO. Bah, ils n'auraient pas pu, de toute façon, ils pas, avec le, le bordel que ça aurait été, ils n'auraient pas ouais, eu le droit. Ils, ils, ils les pas. transports en commun pour aller jusqu'à Villepinte. Euh... Il faut aller à Villepinte, ça aussi, c'est vrai que c'est euh, le problème. Que vu que si, si les prix doublent pour le RER aussi, ça va être. Euh, ouais. Ah oui, c'est vrai, je sais plus à partir de quand c'est que ça, que ça augmente. Je ne sais pas, je sais pas ça a été annoncé Je sais plus. J'ai peur qu'ils ne l'annoncent pas pour, que, pour éviter que les gens fassent des stocks de, de, tickets. Bah ils avaient, des stocks de tickets. Mais justement, ils avaient dit qu'il fallait faire, ils avaient dit ouais, aux ouais, franciliens bah, faites le des, des, des le stocks. C'est de... truc bien qu'ils ont dit, effectivement. Mm, mm, mm. Ce qui est, bref, ce sera, ce sera sûrement un sujet pour un, pour un, autre, <laughs> po un autre podcast, mais ouais on, on s'en reparlera sûrement euh, au cours de, de l'été, bah, quand ce sera les JO pour voir comment, comment on vit euh, ou comment on survit euh, à, à, ces, à ce grand événement. Euh, Corentin, oui autre événement plus proche et euh, on va du côté de Lyon euh, puisqu'il y aura une, une exposition euh, un peu éphémère parce qu'elle aura lieu du 7 au 9 juin euh, donc à la galerie 41 à, à Lyon. Alors faut savoir que euh, sur le même créneau il y aura le festival de BD, euh, le Lyon BD Festival. Alors je ne sais plus s'il si si, si, si s'appelle exactement comme ça, mais en gros c'est voilà, le Lyon BD Festival. Euh, et en fait déjà il y a déjà un an ou deux en fait il y avait bah, toute une petite bande qui s'était organisée parce que à Lyon, faut savoir, il y a plein de libraires, et d'artistes, de, de passionnés de bande dessinée qui, qui vivent et donc qui essaient de faire, qui de faire pas mal de choses. Donc déjà l'année dernière, ils avaient organisé leur propre mini festival comics. Alors il y a, il y a plus la Lyon Comic Gun, mais en gros c'était pensé un petit peu comme ça. Et donc là, c'est les éditions Black and White qui s'associent avec, avec la galerie 41 pour faire une expo dédiée aux éditions Lug, donc maison d'édition lyonnaise, qui a permis pendant les années. Euh, pff, maintenant, c'était il y a longtemps, 70-80 en fait, de faire découvrir bah les comics Marvel tout simplement c'est des revues comme Strange Nova Spidey euh, vraiment euh, toute cette période là qui a aussi vu aussi Spidey, Net, Spidey ouais tu 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 dis comme, <laughs> comme tu veux bah, je dis pas Strange donc euh, voilà si on dit Strange euh, tu peux dire ouais, Spidey mais... aussi tu vois mais... Mais... mais oui je sais bien mais bon euh, mais, mais donc aussi des revues qui ont permis qui ont vu naître ben pas mal de super héros français donc Photonique de Sirotota Micros de Jean-Yves Mitton euh, pas mal d'autres d'ailleurs dont on reparlera un petit peu euh, plus tard et donc euh, voilà c'est une exposition qui est euh, vise à mettre en avant ben, euh, les... Euh le travail des éditions Lug par les dessinateurs de l'époque, donc il y aura des dessins de Tota de de Yves Bordelais. Il y a aussi même une, une, une exposition en fait dédiée spécifiquement à, à Photonique et, et en fait aux reprises de Photonique parce que c'est un personnage voilà que sur lequel Tota laisse laisse d'autres artistes faire faire des dessins, notamment Paul Renaud, puisqu'on avait parlé de, de la reprise de, de Photonique par Paul renault, justement qui sortira aux éditions Black and White. Et il y aura un ouvrage d'ailleurs qui sera présenté en avant-première qui s'appelle Luge les archives. C'est écrit par Michel Montaillet qui qui est, qui est auteur, euh, donc voilà, qui va permettre de retracer, euh, j'imagine, ben, l'histoire euh, de, de cette maison d'édition. Alors, non, tout n'était pas parfait, hein, puisque ben, on sait notamment qu'il devait beaucoup, beaucoup se censurer, euh, ce que soit d'ailleurs pas juste en retouchant, enfin, parfois même en retouchant des planches, hein, en rajoutant par exemple un, une, genre un, par exemple, transformer un bikini en robe, par exemple, tu vois, ou, ou en maillot de bain, euh, oui, une normal. pièce ce genre de choses là en, re en retouchant des, des phrases et tout ça donc euh, voilà il y avait quand même des, des saloperies qui étaient faites mais c'était parce que tu avais la loi sur la publication pour pour la jeunesse et que bah il fallait éviter euh, c'est un peu le comics code <laughs> de, oui, fait, hein. de notre pays mais donc voilà tout ça a l'air euh, plutôt chouette et voilà c'est un mois après un mois et quelques après le la, le lancement de la première biennale du comics bah on voit que Lyon c'est toujours quand même une place forte du comics en France et donc bah on, on envoie un gros big up à toutes les personnes qui sont impliquées dans dans ça dans cet événement et on espère que si vous êtes dans le coin bah vous passerait euh, parce que c'est plutôt chouette surtout qu'il y aura des euh, des séances de dédicace avec euh, bah avec euh il euh, y aura bah, Syro Tota, Olivier Vatine, euh, Michel Montaigne, mais aussi Thierry Mornay qui sera qui sera de passage et que l'on euh, salue euh, ensuite Corentin une petite note aussi pour parler juste de titres euh, sortis qui viennent de sortir alors on a un petit peu loupé l'annonce pourquoi bah, parce que euh, chez Aguiné-Menin en fait il bah, y a en ce moment il euh, bah, y, y a plus personne en fait qui s'occupe forcément du, du du relationnel presse en tant que tel euh, donc il n'y a pas de y a plus de communiqué de presse qu'on pouvait en avoir euh, ces, ces derniers temps les annonces sont un peu moins nombreuses mais Pourtant, il y a toujours des comics qui sortent, ça n'a pas été abandonné. Donc, moi, je vais juste faire un point pour dire que euh, il y a trois séries euh, d'horreur euh, qui sont euh, de retour euh, à savoir, donc, Killadelphia, Ice Cream Man et Silver Coin, euh, dont on vous a déjà parlé. De hein, toute façon, à chaque fois pour la sortie du premier euh, des premiers et des seconds tomes, donc là, c'est les troisièmes. C'est le dernier tome pour The Silver Coin, donc une anthologie d'horreur euh, entièrement illustrée par Michael Walsh, euh, dont euh, le concept en fait c'est qu'il se met au service euh, de différents scénaristes euh, et ça tourne autour d'une pièce d'art. Argent maudite pour à chaque fois des petites histoires qui vont brasser différents genres de l'horreur et avec en plus ben quand même une petite histoire en fil rouge où on découvre quand même les origines et par quoi est passé et par la pièce au fil des histoires c'était plutôt cool Corentin toi il me semble que tu, tu trouves ça sympa. Là, quand même, pour moi dans les trois c'est la moins intéressante et bien je me trompe complètement sur <laughs> j'ai très mauvais j'ai très mauvais souvenir après l'avantage c'est que, que j'ai des bonnes histoires dans le temps mais je vous motivé à continuer ensuite. Ouais. Après, c'est. Euh, L'avantage, c'est que c'est la série courte des trois. Donc, c'est-à-dire que si vous aviez apprécié les deux premiers tomes, a priori, bah, voilà, faut prendre le troisième et mais vous aurez. C'est gros, histoires créative, bon, Vous aurez terminé. Oui, oui, oui. Bon oui, oui. Oui premier pas... tome, il y avait quoi Il y avait du euh, Kelly Thompson, Chipsarsky. Chipsarsky, il y avait du Jeff Lemur aussi. Il y avait du Jeff Lemur. Il y avait du Jeff Lemur. Enfin, il y avait voilà, des, des auteurs talentueux et en fait, tout n'était pas. Enfin, il y avait des bonnes histoires, des histoires qui étaient moins bonnes, mais je trouve que le concept de la pièce était un peu moins. Fédérateur que pour d'autres anthologies horrifiques. Après, c'est le concept aussi. Hein. Oui, c'est la dure loi de, de l'anthologie. Mais là, il y a Pantsack Pichette Shot. Ah, il aime bien, D'une fidèle. Il euh, y a James Tynan Four, grand spécialiste de, de l'horreur aussi. Euh, Stéphanie Phillips, qui d'ailleurs fait. Euh, oui, une annonce de projet qu'on a. Oui, euh, Red Before Black. Ouais, mais euh, je pensais pas à ça. Stéphanie Phillips, elle a justement elle a fait aussi chez Guinée Elle a fait euh, Grimm. Ah, ouais. ah oui, Grimm, tout à fait, ouais, absolument. <laughs> Et Johnny Christmas, qui, que je ne connais pas, euh, par contre. Mais donc, ça, c'est les euh, auteurs qui sont présents. Donc, les deux autres tomes, bah, c'est Ice Cream Man, donc de euh, W. Maxwell Prince et euh, Martin Morazzo. Donc, là aussi, euh, grande série euh, d'horreur euh, qui a connu un, un énorme succès aux États-Unis. C'est le troisième tome qui sort. Donc, on continue de s'aventurer dans cette petite ville perdue des États-Unis où euh, cette figure de. Euh, du marchand de glace. Du marchand de glace en fait, bah, amène des quantités de malheur euh, aux habitants tout en étant confronté à son à sa propre à sa propre némésis et bah moi je suis enfin j'apprécie cette série euh, pour la suivre en veuf mais le truc c'est à chaque fois je m'interroge c'est pourquoi ils font pas des tomes plus épais puisque à chaque fois c'est que quatre numéros et euh, que bah pour l'instant la série en VO elle en est à son 39e je crois enfin elle approche elle approche les 4... oh, plus que ça, non? non non, elle approche le 40e, j'avais okay. vérifié. Elle approche le 40e numéro donc à à même dire, si on est là, on est quand même à un tome par an, j'ai l'impression. Oui, tout en cas... plus, il y a un narratif qui est suivi, quoi. Là, pour le coup, c'est pas juste une anthologie que tu peux, mmh. que tu peux attraper au vol. Il y a quand même une, une vraie histoire à suivre sur le, le temps long. Donc oui, c'est curieux, effectivement. Peut-être en... va falloir faire des tomes de 6 euh, numéros, plutôt. Bah non, mais euh, vu que c'est par, euh, je pense qu'ils reprennent juste les TPB de, de, Image, qui doivent aussi être par quatre numéros, euh, j'imagine. Euh, je suis pas allé vérifier ce, ce, ce truc-là. Euh, mais mais faudra en faire dans double, en fait, par 8, directement, en fait. Après, si c'est les auteurs de Image qui imposent leurs conditions. Oui, oui, non, bien sûr, euh, on n'a enfin, pas. On parlé... sait que chez Delcourt, par exemple, le format des tomes de Bobekor phillips est, il est voulu par Bobekor phillips aussi pour la VF, tu vois. Donc, enfin, ce format comique, tu sais, tout petit. Mm. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas le choix, mais effectivement, avec peut-être bah, Image, j'ai envie de capitaliser sur. Enfin, Image ou les auteurs ont envie de capitaliser de capitaliser sur le succès de la série. j'aurais pu à parler, mais euh, oui, bah après, on... je suis pas sûr que ça ira jusqu'au bout, moi personnellement. Bah, faut, faut voir. Je <coughs> J'ai pas les chiffres de vente, mais en tout cas c'est... Ah oui, je suis relativement certain que le succès en France, en tout cas que les chiffres en France ne sont pas du tout ceux de, euh, ceux de, de ce qu'on a aux états unis euh, mais oui, oui, à voir si la série pourra avoir euh, pour avoir son cours jusqu'au bout. Euh, effectivement, personnellement, j'ai aussi des euh, j'ai aussi des doutes, mais en, en même temps, bah, si vous avez apprécié, que vous souhaitez la soutenir, bah, c'est c'est comme ça qu'il qu faut le manifester. Euh, sinon, bah sinon, bah faut, faut le lire en VO, hein, bien entendu. Il y a des euh, libraires, je pense, euh, qui l'ont en euh, VO. Mais en tout cas, euh, le dernier titre, c'est Quel tome 3 ce qui est personnellement ma préférée des trois, je trouve ouais, quand même. Carrément donc de Rodney Barnes et de Jason Sean Alexander. Tout à fait. Cette cette aventure vampirique dans la ville de, de de Philadelphie où en fait ben il y a un projet social qui 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 Absolument. est politique et donc des vampires qui veulent prendre l'ascendant sur le reste de de la population et donc mm -hmm. en fait c'est un flic qui vient d'abord enquêter sur la mort de son père qui découvre l'étendue de ce complot vampirique et donc dans ce troisième tome il y a eu pas mal de changements importants pour le personnage euh, en VO, la série, elle est toujours en cours aussi, elle n'est pas, pas encore terminée. Euh, donc il y a un peu de la marge pour rattraper, même si, mine de rien, là, c'est des tomes qui sont plus épais. Donc peut-être que ça va aller un petit peu plus rapidement. Et surtout qu'il y a quand même bah, l'arc en cours euh, qui est chez Image, là, euh, qui a... qui qui fait parler de lui puisque bah il y avait pas mal d'autres personnages de Image comics eh oui. en fait qui finissaient par arriver dedans et donc c'était c'est ouais. curieux ça d'ailleurs c'est assez curieux mais en tout cas voilà c'est c'est 192 pages 24 95 euh, donc on vous en reparlera euh, peut-être euh, pour un prochain back issues ou moi juste à l'écrit quand quand je les aurai rattrapés mais voilà c'était juste pour vous dire que donc c'est disponible en librairie là depuis le début euh, du mois de mai donc euh, si vous les aviez loupé n'attendez pas parce que c'est le genre de bouquin qui à mon avis s'ils si sont pas pris dans les euh, quelques premières semaines sortent assez rapidement euh, des rayons. Maintenant, alors, Corentin, voilà. On va pouvoir passer <laughs> au, à la euh, partie euh, anticipation, c'est-à-dire vraiment là, c'est les sorties qui arrivent. Euh, un premier mot pour parler juste de Bliss Edition qui a communiqué euh, son programme. Pour 2024, en tout cas pour le reste de l'année, euh, on va se concentrer là sur deux euh, annonces qui sont les prochains titres de Bad ID, forcément, euh, ce qui peut être un peu ce qui nous excite le plus, euh, puisque après le lancement de euh, L'œil d'Odin et de euh, Pirate Queen euh, en début d'année, donc il y en a deux autres qui vont arriver euh, cet été. Euh, D'abord Tankers, qu'on avait déjà un petit peu abordé, euh, et ENIAC euh, ensuite. Donc Tankers, qu'est-ce que c'est? Donc c'est Robert Venditti et Juan Roserip. Euh, c'est en gros euh, une entreprise euh, style Total. Euh, qui... Euh constate bien qu'il y a plus trop de pétrole là et qu'ils risquent d'être d'être en banqueroute et qu'ils se disent que plutôt que d'essayer d'investir dans les énergies durables et tout ça agissent comme les gros cons capitalistes qu'ils sont c'est-à-dire qu'ils vont envoyer des soldats dans le futur <laughs> sur <laughs> sur, <laughs> sur armés sur entraîner avec des robots pour euh, en fait essayer de dévier euh, la trajectoire de l'astéroïde qui a mis fin aux, aux dinosaures sachant que euh, l'idée c'est que ah oui c'est celle-là ok c'est ouais. le 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 calcul c'est de dire que de cette façon là en fait dans le futur il y aura un impact sur le fait qu'il y aura de quoi tenir plus d'années avec toute la Sédimentation voilà. et, et. Parce que c'est quand et... les dinosaures ont été ensevelis que leur. Euh, la dégradation de leur corps et la fossilisation euh, parmi l'apparition du pétrole. Voilà. En fait, quand oui. les dinosaures quand vous avez un dinosaure en plastique, en fait, c'est vraiment un dinosaure. Que ça. le pétrole est fait de plastique enfin, le plastique est fait de pétrole voilà donc euh, plus aura, a, si on laisse plus de dinosaures plus longtemps bah il y aura plus de pétrole à la fin c'est un <laughs> peu le, quand même le pitch le plus con de la terre pour justifier de dessiner des dinosaures ouais et en attendant <laughs> voilà du coup c'est des marines versus des dinosaures ça a l'air effectivement complètement con et Barré ça sera sûrement très généreux donc ça arrive en juillet moi je suis je suis vraiment chaud donc faut savoir faut pour rappel juste que c'est Bliss qui a le, 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 qui a réussi à ramener Bad Idea en France donc cette maison d'édition assez particulière qui aux États-Unis bah fait que du single issue euh, en tout cas dans les fait euh, pas de digital pas de numérique et qui proposent leur, leur, leur titre que dans certains comic shops alors c'est vrai que depuis, euh, depuis maintenant un an et quelques ils ont aussi euh, un axe Kickstarter qui permet quand même une meilleure accessibilité de leur, de leur ils bouquin ils ont commencé à faire de l'offre en numérique aussi hum? ils ont commencé ah à ouais? proposer une offre il y a bah, Enyaq, justement est dispo en numérique Ok, pardon, bah, j'ai même pas suivi ce, ce ouais, dernier. j'ai découvert en prenant le métro là ce matin. Ce dernier, ce dernier développement, mais justement, Eniac, c'était le titre de lancement euh, de Bad ID il y a maintenant trois euh, ans. Euh, c'était en 2021. Donc ça, par contre, c'est euh, Matt Madkind et euh, Doug Braithwaite qui ont déjà travaillé ensemble chez Valiant. D'ailleurs, euh, vu que Bad ID ça a été monté par des anciens de la du grand Valiant de 2012-2016, euh, donc Dinesh Dhanzani et Warren Simons. Warren Simons n'est plus là, mais il y a toujours Dinesh qui est qui est aux commandes. Euh, en fait, il a ramené tous ses potes euh, de Valiant euh, d'avant, euh, donc Matt Kint, qui était là sur Exo war, sur Ninjak, sur euh, Divinity, du Wade, qui avait fait du Ninjak avec, euh, avec mmh, Matt. Absolument. Et du, du Exo aussi, d'ailleurs, je crois. Euh, donc... Ça ressemble beaucoup à un comics Valiant, de toute façon. Oui, enfin, oui, dire, un comics un peu auteur de chez Valiant. Ouais, vrai. ouais. Donc, et donc, à en fait, de quoi ça parle, Corentin bah, C'est une, une sorte de parabole sur euh, et la développe le développement de le, du projet Manhattan et de l'invention de la bombe atomique, et en parallèle de la, bombe, la, la, la machine de Turing pardon, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on imagine que ces deux projets-là vont se croiser, donc euh, l'humain qui invente le premier ordinateur et l'humain qui invente la bombe atomique font un peu euh, cause commune, et en fait, du coup, bah, l'ordinateur qui, euh, qui naît est la première IA, en fait. Donc, on lui demande de bombarder euh, Hiroshima, elle le fait. Ensuite, après, de façon autonome, elle décide de bombarder Nagasaki alors qu'on lui a rien demandé. Et donc, ensuite, bah, on réalise vite que la machine, elle a un plan. <laughs> euh, elle a un plan pour l'humanité, on va dire. Et bah, les, les humains vont essayer de la stopper en... avant que ce plan ne soit mis à exécution. Donc, c'est vraiment, en fait, le... Une série où Matkin ma réfléchit à qu ce qui se serait passé si on avait créé les IA très longtemps euh, en arrière, à l'époque du complexe militaro-industriel et de la Seconde Guerre mondiale. Euh, c'est plutôt pas mal, c'est un thriller euh, techno-thriller, on va dire, parce que mécaniquement, ça fait que ça fait techno, mais euh, c'est quand même assez angoissant, et c'est bien, bah, est un, dans un contexte moderne où justement on se pose la question des IA. J'ai failli t'interrompre au début, mais pareil, si vous voulez signer une pétition, il y en a une qui traîne sur... Sur le web pour, enfin, de la part des comédiens de doublage comédiens de doublage, ouais. euh, Qui demandent à ce qu'on les soutienne dans, dans un monde où, en fait, on peut maintenant numériser leur voix et ne plus jamais avoir à les payer, quoi que ce soit. Sans les, et en plus, en les utilisant sans leur consentement sur cette même thématique, hein, c'est Scarlett Johansson qui est en train d'intenter un, un procès à bah, Open Year, je crois que c'est. Tout à fait. Ils ont, ils ont voulu créer, enfin, recréer la machine de Her, le film de Spack Jonze, où euh, t'as, euh, comment il s'appelle, oui. tu sais que je ne l'ai pas vu? Sérieux? Ouais. <laughs> dans ce film, en fait, t'as un Franklin Phoenix qui euh, joue un mec qui vient de se séparer de sa copine et qui écrit des lettres d'amour euh, à la demande, on va dire. Et en fait, bah, il tombe amoureux d'un logiciel de, de chatbox euh, qui, <laughs> qui est doublé par <laughs> Scarlett Johansson. Ouais. Et les mecs qui font les IA, dont le, en fait, le rêve secret, c'est de créer toutes les technos euh, affreuses qu'on a vues dans, euh, dans le au cinéma euh, ont voulu recréer, en fait, euh, ça avec GPT 4 euh, créer en fait un logiciel de discussion interactive qui aurait la voix de Scarlett Johnson pour se faire ce kiff de ouais j'ai créé le truc qu'on m'a dit de pas créer dans le film. Euh, c'est vraiment euh... le truc genre auteur de dystopie euh, putain ce truc là si ça existe c'est la fin du monde ouais, et le, le mec de tech qui fait eh hey, hey, regardez j'ai euh... réussi à créer le truc ça, <laughs> ce qui ça va provoquer la fin du monde. C'est ça c est, c est... <laughs> et tu sais. Le Terminator il est en, il est en route hein, je suis quasiment sûr que ça va finir par arriver. Mais donc voilà, il y a cette. cette J'ai créé la machine X. Tiré du roman, ne créez pas la machine X. Exactement. <laughs> ouais, mais il y a un tweet comme ça qui. En... Oui, je le reprends. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc du coup voilà, cette pétition existe avec tous les, toutes les grandes boîtes françaises, et c'est important de se rappeler effectivement que les IAM et la Socie, le travail des artistes. Voilà, fin, fin de cette petite digression. Mais en tout cas, bah, voilà, Kint qui fait effectivement un comics qui fait très euh, valiante qui fait très euh, un peu comment dirais-je. Ce côté de, c'est très dépouillé des comics Valiant qui, en fait, s'en foutent de l'empathie et qui veulent juste brutaliser un peu le cerveau. C'est un peu, voilà, ce, ce, genre de truc. Alors, graphiquement, ça reste aussi, bah, voilà, un peu du valiant dans l'esprit. Je euh, je sais pas la série la plus recherchée au niveau esthétique de, euh, Bad Idea, Mais voilà, moi, ça se lit bien, ça se lit vite. Euh, c'est un bon comics de Madkin. Ouais, de toute façon, ces deux sorties estivales, qui, à mon avis, sont pas, sont, euh, sont pas trop prises de tête en fait et euh, augure un peu d'un de, de, espace détente euh, chez Bliss éditions euh, sachant qu'on reviendra peut-être dans, dans le prochain front juste sur les deux titres jeunesse qu'ils qu ont annoncé mais sache aussi qu'il y aura une réédition de l'œil d'Odine euh, on a eu Thomas Durélo en podcast pour en parler euh, une édition qui sera un tout petit peu plus chère je crois qu'elle prend deux euros mais parce que en fait euh, quand Thomas est arrivé au FIBD euh, alors qu'ils étaient en train de, de de lancer en fait il leur a il leur a il a montré à Bliss euh, plein de travaux de recherche euh, qu'il avait fait euh, plein d'études de personnages et tout ça et en fait bah, ils ont rajouté des pages de bonus en fait à la fin ouais, c'est cool donc euh, plutôt plutôt cool alors c'est vrai que pour ceux qui ont soutenu dès le départ tu peux dire ah mais j'ai pas les pages de bonus elles étaient pas disponibles et tout ça personne enfin n'allait pas racheter une BD euh, pour, pour pour ça euh, c'est juste histoire à la limite d'avoir un bonbon en plus pour ceux qui ont loupé le, le, le premier coche euh, mais voilà c'est toujours bien de, de... ce qui est bien aussi ça veut dire que le premier tome est en rupture donc c'est dire qu'à priori il a trouvé son public et ça c'est plutôt cool parce que Bliss, euh, il a, je suis pas très ils en ont besoin et ils le méritent largement surtout avec euh, voilà ces les, ces beaux albums qui sont très grands qui sont dans un très beau format et tout ça qui font vraiment vraiment plaisir à voir. tas t il parlé d'une suite éventuelle non, non 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 bah tu n'as pas écouté euh, non j'ai pas, ah, pas tout écouté mec non non bah non parce bah, de toute façon ça, Thomas ne, ne s'en remet qu'à euh, Qu'à Joshua Hazard, donc c'est plutôt à lui qu'il faudrait poser la question, mais euh, mais oui, il y a, cette question peut se poser euh, techniquement, mais pour l'instant. Pour moi, elle se pose en tout cas. Oui, oui, non, mais je, je suis d'accord, mais pour l'instant, c'est pas forcément quelque chose qui qui est dans, dans 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 les tuyaux, et je crois que même en off, il a pas voulu me dire. De euh, toute façon, je le dirai pas <laughs> dans, dans le podcast, <laughs> hein, mais mais de mémoire, non, 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 je, pour l'instant, c'est. Euh, mais je doute, je doute qu'il ne finisse pas par y revenir à un moment bah donné oui, enfin, la page est quand même ouverte. En tout cas, bravo à Bliss pour ce beau succès. Élisée enfin, Odin, enfin euh, l'œil d'Odin, c'est bien. Ouais, il faudra qu'on reparle voilà. de, de Pirates Révision du c'est bien. Ouais. Allez, Corentin, euh, autre nouvelle. Alors, il y a eu les Eisner euh, les Awards qui sont tombés, les nominations aux Eisner Awards. Donc, on fera un débrief plus complet euh, dans le prochain front-page pour la simple raison que moi, je, je veux toujours faire un article euh, pour lister tout ce qui est disponible déjà en VF ou ce qui doit arriver en VF. Euh, et je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc, je n'ai pas eu le temps de me pencher sur toutes les nominations. Donc, euh, je voudrais simplement qu'on attende euh, le prochain front-page pour euh, juste débriefer un petit peu. Euh, mais en tout cas, il y a quand même pas mal euh, de choses qui sont déjà disponibles et surtout qui vont arriver, euh, soit d'ici la fin de l'année, soit en 2025, puisqu'il y a plusieurs éditeurs qui ont profité, et ça je trouve ça aussi que c'est une bonne initiative en fait, pour montrer que euh, en VF aussi c'est un secteur qui est vivant ils ont profité des nominations aux Eisner qui sont donc, pour rappel, juste l'équivalent des Oscars pour la bande dessinée américaine en, en gros, ouais. euh, et donc euh, pour annoncer euh, certains titres qui sont en sélection euh, et dire qu'ils arrivent dans leur catalogue. Alors on commence euh, par Mon Chouchou Forcément, euh, c'est Zoe Thorogood qui donc euh, après ses cinq nominations aux Eisner l'année dernière a de nouveau une nomination euh, cette année. Donc pour le pour, c'est dans le cadre de meilleur meilleur auteur euh, auteur artiste meilleur autrice artiste complet. Euh, donc c'est Best Artist Writer en général que oui, c est, c est autrice dessinatrice en hein, l'occurrence. Bah du coup autrice dessinatrice ouais. Euh Mais donc c'est pour Hack and Slash Back to School donc une mini série qu'elle a faite en reprenant l'univers de Hack and Slash donc une création vieille de 20 ans euh, maintenant de Tim Seeley. Euh, donc le concept c'est assez, assez simple, c'est Cassie Hack en fait, qui est une chasseuse de euh, slashers. et les slashers, ben, c'est euh, que le tel que l'on a dit, ce sont ces fameux tueurs en série très iconiques, très caractérisés dans, dans leur dizaine qui ont la fâcheuse tendance de ne jamais mourir. C'est comme dans les films du slashers, comme dans les vendredi 13 et tout ça. Tu crois qu'il est mort, ben il revient tout le temps à la ah ben vie. Non. Et donc elle, elle est vraiment vraiment experte dans le fait d'aller trouver euh, ces slashers là et de les tuer pour de vrai. Et euh, bah tout le tout, tout le ce qui fait le sel aussi de de, de ce personnage de cette héroïne c'est que bah sa propre mère était une, une slash art. Et donc, bah, Back to School, <laughs> euh, c'est en fait un, un préquel de la série d'origine, et ça, en fait, va vous raconter ben, un petit peu, par, alors pas les origines de Cassie, parce que quand, quand on débarque dans le premier numéro, elle est déjà en activité, mais comment, en fait, elle va être formée dans une école, euh, justement, pour euh, parfaire euh, son, son art de la chasse, avec tout un tas de personnages délurés. Donc, c'est écrit et dessiné par Zoé Sorogood. C'est pas son univers, mais euh, c'est une autrice qui est fan euh, de films d'horreur, c'est une, une autrice qui est fan de jeux vidéo, et euh, ça se retrouve complètement euh, là-dedans c'est euh, très violent par moment euh, ça peut être un petit peu effrayant mais c'est surtout super drôle et euh, ça profite bah de son savoir-faire dans la narration euh, où ça part dans, dans tous les sens il y a des euh, voilà il y a des beaucoup beaucoup d'hommages aux jeux vidéo euh, ne serait-ce que même avec un personnage de, qui s'appelle Boo qui est euh, complètement l'héroïne de Lollipop Chainsaw ouais, euh, trop bien ouais et donc euh, c'est hyper bien moi j'en dis du bien depuis bah depuis que ça avait commencé à apparaître en fin d'année dernière euh, chez chez Image Comics donc pour moi je trouve que c'est parfait en fait parce que c'est vraiment le la parfaite ré réinterprétation en fait d'un univers qui n'est pas le tien, mais avec euh, ton propre univers. Donc tu sais que c'est du zoé parce que c'est vraiment ce qu'elle fait. Euh, mais en même temps, bah c'est pas forcément euh, ses personnages et euh, bah, c'est super rafraîchissant. Donc ça a été annoncé pour novembre 2024 euh, chez iComics, donc disclaimer, oui, j'aurai le plaisir euh, de relire la traduction de Maxime Ledain euh, là-dessus, donc ça, ça me fait juste plaisir, euh, parce que bah, c'est vraiment bah, une autrice, vous savez très bien, euh, dont j'adore le, le travail, euh, et donc, euh, a priori, sur leur site, c'est déjà aussi annoncé, donc, pour 24,95€, donc ça sera forcément le prix, euh, le, le point de détail qui fâche, ça sera encartonné, euh, très certainement sous la belle graphique parce que je vois pas pourquoi ils le passeraient, euh, pour moi, c'est plus du iComics en tant que tel, vu que c'est très pop, mais en même temps, vu que c'est un truc, à mon avis, ils vont le faire en one Shot, non, il n'y aura comics, pas de suite dehors, ah. oui oui non mais c'est ça non mais je pense que ça, ça passera dans, dans ce label là ça, ça pourra faire un, le, le pendant plus vénère de It's Lonely, quoi, on est quand même sur, un, sur une autre thématique et euh, oui et, bah, et, et comme pour It's Lonely, bah c'est 3 euros trop cher facile quoi je pense que 22 euros c'était bien non, je sais pas 25 balles là ça me choque pas trop. c'est que 4 bien. numéros donc euh, bon tu vois oui, c'est pas... du 24 balles chaque fois bah oui parce euh, que je dois avoir le, les, les premiers numéros ici mais euh, oui oui c'est une pagination euh, stand, stand, standard quoi ouais donc voilà, ça sera pas tout. Peut ce... faire. Hein? Uh -huh. non, je dis pas mieux faire. Non, mais c'est juste chiant parce que ce sera encore un frein euh, que je peux comprendre pour une partie des, des acteurs mais qui, euh, qui, qui, qui voudront pas. s'est vendu ou? Bah, il est bien, mais je pense qu'ils auraient pu se vendre mieux. J'en sais rien, j'ai pas les chiffres, j'ai pas là, j'ai pas eu accès oui, le de. le mieux, il a mis du bien, du coup, ça, c'est mieux. Ouais, mais c'est con parce que je pense que c'est une autrice risque qui le mérite vraiment. Je pense que voilà, mais bon. Après, moi, je suis biaisé. Hein, ça fait <laughs> trois ans, trois ans que je suis en boucle <laughs> sur, oui, sur, oui, sur, sur 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 Good. Donc euh, voilà. Euh, mais en tout cas, ça arrive en novembre. Donc c'était pas prévu. À la base, ils avaient annoncé que euh, bah, It's Lonely, Kali et Downrunner. Runner. Bah, petite touche, euh, petit bonus pour la fin d'année. Hack and Slash, Back to School. Oui. Et euh, bah j'imagine. kali aussi. Hein. Oui, oui, Kali qui arrive là en ce mois de mai euh, par ailleurs. On vous en reparlera aussi euh, certainement. Mais euh, j'imagine que peut-être que Zoé repassera en France euh, refaire une tournée vu qu'elle est pas si loin, si loin que ça normalement. Euh, et puis, bah, je l'avais promis dans le podcast hein, que la prochaine fois on pourrait nerdiser sur les films d'horreur, les jeux vidéo et les meufs sexy. Euh, voilà, <laughs> j'ai très hâte de cette discussion. Du côté de Delcourt, autre annonce aussi. Euh, pareillement, qui me font. Du coup, attends, moi, je donne pas mon avis là-dessus. Si tu peux, l'as bah, pas, tu l'as lu <laughs> ou pas et comme en fait je vais faire zéro réplique pour ce podcast. Mais tu l'as Mais euh... je croyais, je ne me semblais pas que tu l'avais lu, c'est pour ça. Non non, je l'ai pas lu. Bah voilà, okay. voilà. Mais je trouve ça quand même choquant que tu me demandent pas si je l'ai lu. Tu l'as lu ou pas Non, je ne l'ai pas lu. Ah bah. Ah bon <laughs> mais Il y a une réédition de lollipop chanson qui arrive cette année. Euh... C'est un remake ouais, ou ouais, remaster ouais, Non c'est un remaster, c'est pas un remake. En fait ils voulaient faire un remake et les fans du premier ont dit non non, Nick Taras on veut le même jeu et tout. Et du coup le développeur il a fait ah bon Bon bah, bah, ok très bien on un remaster. Ok on va très bien. bien. Et donc, ça arrive, ça va trop bien, c'est un super jeu vidéo. Ouais, que j'ai jamais fini en plus à l'époque sur ma PS3. Je l'ai ah toujours, oui. hein, j'ai toujours la, la, j la boîte là, elle doit, elle doit, elle doit être, franchement, en plus, ça doit être juste sur ma pile sur ma de, de jeux PS3 à finir. Que la la PS4 que tu m'as vendue, elle est rétrocompatible compatible ou... Euh, non, justement, non, non PS3, PS4. -ce non, c'est pas, c'est pour ça que j'ai gardé ma PS3. C'est parce que justement, bien joué. La, la PS4 était pas rétro-compatible. Donc, chez Delcourt, Arnaud. Yes, chez Delcourt, ils ont fait la même chose. Donc, avec deux titres, notamment pour mettre une artiste, euh, doublement nommée. Mais les deux titres, euh, en question, ont été nommés aux Eisner. Donc, c'est d'une part Somna de Becky Clunan et Tula Lotei, euh, qui est une des para... une des premières parutions de la Deuxième ou troisième après Gun ouais, de, de Jock, la deuxième, euh, dont moi aussi je vous ai dit déjà du bien à l'écrit sur, sur ComicsBlog.fr, euh, j'adore ce, ce titre. Euh, histoire de sorcellerie, euh, mélange d'horreur, de folk horror et d'érotisme avec euh, donc Becky Cloonan et Toulaloté qui se partagent la tâche du dessin, c'est incroyablement beau, euh, c'est trop bien. <laughs> vraiment, je, je, je pense que ce sera mon, mon forcing de l'an prochain, vraiment, mais euh, j'anticipe déjà, mais Somna c'est vraiment hyper, hyper bien. Et euh, de l'autre côté, Barnstormers, donc de Scott Snyder, avec lotée également. Euh, ça, je sais pas si tu tu en parler un petit peu, parce que je ne l'ai pas, euh, oui. pas lu. Mais j'en avais déjà entendu dire du, du plus grand bien parmi les titres, justement, euh, Comixology Originals, qui avait été signé euh, de, de par Scott Snyder. Un euh, Barnstormer, <coughs> en fait... Un, un Stormer c'est quoi Je suis désolé, je l'avoue un peu, un peu cassé aujourd'hui. Euh, un Barnstormer, c'est quoi C'est en fait un pilote, euh, un pilote de spectacle. C'est-à-dire que dans les années euh, 20, à l'aune du début de l'aviation, enfin les années 20-30 plutôt, euh, ouais, à l'aune du début de l'aviation, et des fêtes de villages, en fait, des festivals... des des espèces de trucs qui arrivaient aux États-Unis, où il y avait des troupes de cirque qui se baladaient de ville en ville et tout, on avait des brainstormers, cest à des gens qui prenaient des, des avions, avions et ouais. qui faisaient quitter des cabrioles dans les airs, qui manquaient de se casser la gueule, qui avaient des acrobates avec eux, c'était très dangereux. Les as de la voltige. Exactement, c'était très dangereux, très très populaire. Et bah, Scott Snyder, qui a sûrement vu un documentaire sur le sujet, comme à chaque fois qu'il écrit une BD, euh, a décidé de s'intéresser à ce truc-là, en transformant aussi l'histoire en une romance un peu Bonnie et Clyde. Pour correspondre au contexte de l'époque, puisque c'est aussi cette dernière génération un peu du Far West, cette dernière génération des gangsters, cette dernière génération un peu de l'esprit libre américain avant la seconde guerre mondiale. Donc voilà, là, c'est l'histoire d'un pilote qui effectivement euh, va rencontrer une jeune femme, qui va s'enfuir avec lui, ils vont monter un numéro à deux, et puis rapidement, l'intrigue se met en place, euh, des, des gens l'archivalent après, etc., etc. Voilà. Euh, J'ai pas grand chose à dire, moi, sur ni sur Somna, ni sur Burnstormers, parce que malheureusement, je ne suis pas un grand fan du. Coup de crayon de tout la que je trouve très ah, artificiel. Hérétique. Il et, est fou, euh, pas il du est tout euh, séquentiel. Oh et par exemple, Samna, malgré ce que, as, ce que je l'ai lu, parce que tu en, tu en as dit du bien, euh, parce que moi je ne comptais pas aller dessus, et je trouve vraiment ça pas terrible. Oh là, là t'es un malade, <laughs> t'es un grand grand malade. Quoi. Je suis désolé, mais après, si ça a des sélections aux ex c'est que c'est moi qui ai tort, et que c'est. Ah là, oui, raisons, bah, ouais. pour le coup, quand même, parce que les. C'est très quand même très, part... ouais. quand même très particulier. Hein. Sachez dans quoi. Vous vous embarquez en tout cas en termes d'utilisation de la couleur, c'est vraiment pour moi presque illisible en fait. Ah non, mais tu as vu en numérique, c'est pour ça. Encore une fois. Bah oui. Mais je te passerai mes Mais tu as travaillé en numérique, Ouais, mais c'est pas c'est pas ta ta t'as travaillé en numérique et t'as lire en numérique c'est oh, pas oui, la même expérience non plus forcément quoi bien mais, sûr. Euh, mais ne, ne m'écoutez pas voilà écoutez Arnaud il a toujours raison pauvre ouais. péon je mais non je vais, <laughs> pauvre je... Péon. je vais te <laughs> je vais je vais faire homon et te te prêter mes singles comme ça tu comprendras pourquoi après pourquoi, la fable du single, single de Somna que j'ai vu passer en librairie ah, ah, ils sont incroyables hein. ah, mais tous mais, mais tous ceux de Distillerie, je trouve vraiment enfin j'ai pas d'action chez eux quoi contrairement à Delcourt d'ailleurs mais j'allais dire mais parce que Delcourt a financé a participé au financement au lancement de la boîte et que c'est pour ça qu'ils ont un contrat cadre qui leur permet d'avoir leur titre euh, c'était ils ont un contrat cadre avec euh, Scott Snyder et Comicsology. pour euh... aussi, ouais, tout à fait d'ailleurs. Euh, qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs et le, le 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 point commun c'était Chip Mosher euh, qui était donc euh, voilà dans chez Comicsology avant et euh, maintenant chez Diageo Distillery qui, qui qui a négocié ces, ces contrats ils se connaissent depuis très longtemps. Euh, ça c'est pour les petits rouages de, de l'industrie euh, mais donc ce que je voulais dire c'est que ouais ouais non vraiment à chaque fois que je passe euh, chez Pops du coup euh, pour récupérer euh, les comics, euh, ben je tombe sur les euh, bah, sur ceux de Distori à chaque fois. Euh... Alors je les prends je pas tout sur eux bah je tombe dessus je Faire fais gaffe, comme ça je m'écarte et et je me je relève et voilà il ouais, y a des singles de sous mon nez quoi c'est à <laughs> bah, chaque fois je les vois et je fais mais putain vraiment c'est en fait c'est c'est con parce que ouais effectivement ils sont ils doivent être à, à 10 balles quoi pour le coup hein, ou neuf mais par rapport à la pagination donc qui est plus c'est du 60 pages en fait par rapport bah vu que c'est un dos un dos carré et bah que c'est assez semi-rigide et tout ça bah en gros euh, en termes de pagination, c'est plus qu'un album de franco-belge. C'est aussi dans un grand format, donc ça s'en rapproche un petit peu. Donc, enfin, il y a vraiment un truc avec l'objet qu'ils qu ont réussi à éditer. Je trouve que c'est, oh, c'est très, très bien joué parce que ça, ça donne envie vraiment de, 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 les avoir, quoi. Et presque rien à voir et je veux foutre personne dans la sauce, mais l'autre jour, moi, je suis passé chez, chez, dans une boutique. J'ai vu le Bloodhunt Red Band, là, donc le numéro. Ah, oui. censuré, etc, oui, mais etc. qui était vendu à un prix, excessif ça, ça. Ça. Voilà, je me suis dit, bon, je vais l'acheter quand même pour voir un peu de quoi ça parle. Je croyais que ce serait le classique 6, 7 balles de chez Marvel. J'arrive en caisse, c'était 30 balles le truc. Donc il y, y, y a de la spéculation quand même. Ça... Un ouais nouveau, ouais a mais ça mais, follon, mais ça c'est ça c'est propre à oui, non c'est pas Marvel qui est en cause hein, on est d'accord non non ça c'est là c'est la boutique qui décide de fixer ses propres prix parce que j'imagine qu'ils ont pas pu en avoir un très grand nombre mais qu'ils oui. ont voilà euh, mais normalement aux États-Unis c'est un dollar de plus euh, donc oui, euh, ouais. voilà il faut et comme il est sous blister, je pourrais pas vous dire du coup ce qui non mais, mais de, le Cool a fait un article en, en mettant les cases euh, en, en comparant c'est effectivement plus gore il euh, y a des pages où parfois c'est vraiment euh, vraiment de l'ordre du gimmick parce qu'en fait simplement que bah, sur une même scène où tu aurais trois cadavres bah, la version Red Band en fait bah, as une marre de sang en plus, quoi. Par contre, euh, par rapport à la conclusion du premier numéro, donc il y a un gros cliffhanger avec un personnage qui se fait, qui se fait quand même bien bolosser, il euh, y a une C'est pas la même case, c'est pas le même dessin. Et surtout, ce que ça implique, euh, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que. Je sais pas si je peux en parler, je vais pas vous dire qui, mais en gros t'as quand même un personnage qui dans un cas se fait juste euh, transpercer et dans l'autre il se fait couper en deux, ce qui est quand même très différent en termes de est-ce que tu peux survivre au cliffhanger ou pas, tu ouais, vois, parce sûr. que quand voilà. Mais bon, à euh, voir donc euh, ce qui ce qui ce qui lancera. En tout cas c'est un label qui, qui se développe de plus en plus, on en reparlera un petit peu un petit peu après, mais. Oui. Mais voilà, euh, et autre sortie, alors pas en rapport avec les Eisner, mais c'est euh, 404 Graphique qui a décidé de prendre les devants déjà. On est à peine au mois de mai, ils annoncent déjà leur premier titre pour 2025. Euh, c'est peut-être un peu tôt quand même, mais bon, voilà, il, puisque c'est annoncé, parlons-en, c'est Anzuelo euh, qui a été annoncé, donc qui, seront, qui sera le de Emmarios, qui sera le premier album en 2025 de 404 Graphics, Corentin Il bah, n'y a pas grand-chose à dire en fait, parce que, euh, on n'en sait rien. En fait, le truc n'est pas encore sorti non plus en VO. Euh, l'album en question donc c'est une, une création euh, euh, originale donc au format roman graphique de emarius effectivement qui a donc qui est connu pour son travail sur euh, ex mirror et pretty deadly pretty deadly ouais surtout pretty deadly qui est un peu son plus gros succès qui était super beau, était, je me rappelle mmh. que c'était un de mes premiers single issues que j'avais pris en, en indé euh, comme ça j'avais vu la couverture et tout j'ai euh, ouais ça m'avait tapé dans l'œil à l'époque voilà J'allais encore prendre une une expression pour la mettre au premier degré le bouquin t'a frappé dans l'œil c'est ça il m'a fait paf comme ça j'ai fait ah pour je te ça, prends t'avais un coq à l'époque je ah me c'était c'était délit Euh donc ouais euh, ça fait trois ans qu'elle travaille dessus et elle explique elle qu'en fait c'est une sorte de pari parce qu'elle a investi beaucoup de temps et d'argent dans la, le développement de ce bouquin d'argent dans le sens où elle, elle, a, elle a pas travaillé pour d'autres maisons bah ouais c'est ça entre temps donc elle a dû se payer enfin, j'espère euh, qu'elle a quand même fait une couverture ou des commissions de temps en temps quoi. oui certainement enfin trois ans quand même je sais pas combien elle avait de côté mais c'est pas mal parce que, ouais. euh, surtout aux États-Unis euh, donc voilà, enfin ça, ça va arriver. C'est l'histoire a priori de d'enfants de, qui ont été euh, qui ont été frappés ou affectés par un déluge, un déluge qui donc d'origine maritime en l'occurrence et qui aurait balayé éventuellement une partie de l'humanité. C'est très flou, c'est très obscur. On sait pas encore du tout de quoi ça parle. Même la couverture ne renseigne pas vraiment sur euh, l'intrigue du projet. Nous, on savait grosso modo parce qu'on avait eu euh, du coup 404 qui nous avait expliqué que ça allait sortir euh, et qu'il l'avait signé avant même que ce soit prévu et annoncé aux États-Unis. Mmh. Euh, donc, il va aller, il va assez, enfin, ils vont assez vite dessus. On voit que c'est un projet qui les engage, qui les intéresse. La FAB a déjà l'air assez incroyable. Euh, moi, pour l'instant, je, je connais assez peu Emma Rios, j'aurais du mal à vous dire de foncer. Mais, voilà, on, on peut commencer à faire, à faire, un peu confiance euh, au travail de 404, vu la belle sélection qui a été faite depuis quelques années. Voilà, au dedans, à m'augmenter, Arca, ces ces cette là... année particulièrement, tu, tu sens qu'il y a quand mouflet, même un, déjà, un, tu un niveau. Euh, bon, t'as les derniers jours de Lovecraft qui concluait très bien l'année dernière, mais c'est vrai que t'avais everything dès le départ. Avais, euh, à partir du moment où ils ont vraiment commencé à, à tout penser en termes de roman graphique, c'est vrai que t'as quand même euh, as eu que des, que ouais, des belles choses. Salamandre aussi, parfait. Bah, en Au, Au début, final, je me, euh... je me retrouve à avoir traduit le titre le moins bon. <laughs> je suis trop non, c'est pas le moins bon. Mais on sent justement que Big Girl, c'est effectivement une façon de se dire. Allons chercher la pop culture. Et en fait, maintenant, non, c'est une collection qui ressemble, qui ressemble vraiment à son directeur créatif. Ouais, c'est ça, c'est. Donc voilà, il n'y a plus d'envie de, de faire du geek pour le geek, etc. C'est vraiment juste une. Voilà. Bah, j'espère qu qu'il qu y a quand même, j'espère que. Ouais, que Mondoos reviendra quand même. Normalement, je crois que Mundus, il aura, aura droit à son tome 2 et que c'est quand même aussi un titre qui est très pop euh, dans, dans l'esprit. Donc euh, au moins, mmh, il y aura toujours vrai. ça, quoi. Mais c'est vrai que sinon. Euh, si on devait faire des cases ou je sais pas quoi, on se dirige, oui, vers, vers une autre forme, euh, voilà, vers un autre ouais, registre ouais, ouais, de la BD américaine. Hein. Mais les BD sur Judas, effectivement, c'est pas comme les meufs géantes qui se tabassent avec des gros... Ah oui, non, c'est sûr. Voilà, c'est une autre approche, mais ce qui est bien, c'est... Il, son... il sort quand, d'ailleurs, celui-là Judas, Judas, ça arrive cette année. Je sais plus, j'ai plus la date en tête, mais... Euh, OK. Bientôt. Bah, on verra, c'était pas... Voilà. Il, faut, il faudra le lire, c'est bien, Judas. Ouais, Moi, ouais, j'aime ça... bien Judas. Judas...

c'est génial ce podcast il se passe rien du tout à l'audio euh, alors voilà que 17, octobre, mangé 17 octobre 17 octobre voilà. de, de ce que je vois pour l'instant sur un site qui mettait le, le prix à 2200 euros donc j'imagine qu'ils ont quelques données qui est, <rire> <rire> qu ils ont, ils ont ils ont quelques données qui sont pas qui Eux, sont pas les, correctes c'est des pièces d'argent de Judas Iscariot c'est ah, pour ça <laughs> euh, voilà donc ça voilà ça donc on a terminé pour la partie euh, V le collecteur arrive avec une, cour une couronne de épines euh, c'est ça <laughs> ah, ouais, en fait as le directeur de tu as, as Nicolas qui vient en Jésus <laughs> crucifié dans ta maison <laughs> Oh, quelle belle image! Voilà. <laughs> Allez, euh, donc, Corentin, on, on passe à la partie VO. Euh, pas mal de choses aussi. Euh, J'avais juste envie de mettre l'accent la, euh, sur Remote Space, une petite mini-série de science-fiction qui arrivera cet été chez Image Comics. C'est écrit et dessiné par Cliff Rathburn, que vous ne connaissez peut-être pas forcément en tant que tel, mais que vous avez forcément vu, puisque déjà, bah, il a fait l'ancrage de Ryan Notley sur quasiment toute la série Invincible. Il s'occupe aussi de toute la mise en couleur, entre guillemets couleurs, les lavis de gris, notamment, sur les dessins de Charlie Adlard sur, sur The Walking Dead. Et grand collaborateur, en fait, de Robert Kirkman, puisqu'il a aussi fait du Super Dinosaur avec Jason Award. Il a Jason Award là-dessus. Il a fait Reaper, qui était une co-création avec Robert Kirkman, et il a fait une suite euh, qu'il a écrite et illustrée à lui-même. C'est juste un one-shot, Reaper 2. Euh, donc voilà. C'est donc Britt aussi, non hein? Et Britt, Brit. oui, bien sûr, Britt, pardon. C'est ouais. euh, une signu... de euh, Invincible. Voilà, donc c'est de cette galaxie. C'est un pote de Robert Kirkman, c'est un grand pote de Ryan Oatley, et C'est ouais. un dessinateur Skybound euh... Ouais, c'est un dessinateur Skybound Et justement, si vous aimez Ryan Ottley. Si vous aimez James Harron aussi, euh, je pense que ça peut vous intéresser. Alors, Remote Space, c'est un titre de SF, donc euh, l'action se déroule en 2450 euh, sur une planète Terre qui, vous l'avez deviné, euh, et euh, schlasse complètement euh, et euh, bah pour faire face euh, au changement climatique bien entendu l'humanité n'a pas su éviter euh, bah, en fait les êtres humains sont partis dans deux directions il euh, y en a certains qui sont allés vers euh, le transhumanisme par euh, l'augmentation cybernétique donc en se mettant des, des greffes robotiques et tout ça et d'autres qui ont plutôt opté pour les modifications génétiques euh, voilà et donc euh, dans ce contexte là certains pour s'adapter au changement climatique d'autres pour pour faire, se, à, se à, casser pour se casser la vie dans l'espace les riches et les pauvres oui, peut-être. Même si je doute. <laughs> même, ouais, ouais, Mais même si je doute que que, que ce soit forcément très accessible de la modification génétique, quand même quoi. Bah, ça dépend parce que là, apparemment, ils en ont fait aussi des spectacles, donc on peut imaginer. C'est ça. Que, bah, voilà. À la ultra méga, il y aura un côté un peu gladiateur du futur bah c'est ça parce qu'en gros l'idée c'est que les, civilis les civilisations vont devoir s'affronter pour que la Terre survive euh, ça on ça dit pas trop euh, voilà ça on dit juste que les humains se sont déclinés en deux factions a priori est-ce est, est que c'est ces deux là qui vont devoir s'affronter ou est-ce qu'il y en a d'autres euh, qui seront en jeu mais en tout cas dans les planches de preview on est clairement sur euh, une arène euh, c'est le tournoi des feu de Dragon Ball euh, avec par contre bah voilà des, des êtres qui sont soit modifiés génétiquement soit euh, robotiquement euh, donc beaucoup beaucoup de bastons et vraiment vraiment dans le dessin dans l'allure effectivement voilà ce que je dis c'est il y a du Ryan Otley il euh, y a même dans euh, euh, je trouve dans la couverture d'ailleurs variante que Ryan Otley fait il euh, y a il euh, y a du James Aaron en fait dans le 13 c'est trop bizarre oui, euh, d... les premières planches hein. oh ouais mais au début j'ai vraiment cru enfin vraiment cette cette couverture là je me suis dit c'est pas c'est pas Ryan c'est c'est James Aaron. euh mais faut, faut se rappeler que Ça ra proche au niveau graphique oui, euh, oui. les trois euh... Oui, oui, non, mais c'est pour ça que c'est la, la même école, mais voilà, faut, on se rappelle que Ryan Notla avait fait justement des couvertures variantes pour euh, Ultra Mega. Euh, donc voilà, forcément, moi, ça me parle, c'est mon école graphique, euh, c'est mon délire, ça a l'air assez bête, hein, clairement, ça va sûrement pas être transcendant euh, sur, sur ces thématiques, mais je pense que ça peut être bien généreux, bien violent, bien, bien fun. Euh, donc voilà, je sais pas si toi, toi, toi tu ce quelque chose qui bah, Non, à? mais je voulais juste dire même des Ultra, des ultra Mega 1, avant de savoir qui était vraiment James Aren, mm -hmm. on avait spontanément, nous, fait la comparaison avec Invincible et et ça son, son degré de violence euh, très très anormal donc oui c'est dans la continuité ça s'adresse clairement à la même, la même catégorie de fans on va dire coucou euh, moi je sais pas Oui, ça, ça ça me ça me paraît très cool effectivement j'ai bien aimé Ultra Mega j'ai bien aimé j'aime beaucoup Invincible moi c'est plutôt ce qui me fait rire en fait c'est la façon dont le changement climatique est est en fait devenu tellement une une donnée évidente pour tout le monde qui justifie tout et rien en termes de scénario tu vois c'est y en a qui vont en faire un truc hein, un polar social, ça a tout le changement climatique. D'autres, il dit, moi, je veux que des gros mecs ils se tabassent sur la gueule avec des, des robots et des mutants. Et c'est le changement climatique qui justifie ce truc-là aussi. Donc, c'est assez amusant de voir comment ça fait une sorte de, de nouvelle unité artistique euh, assez générale. Sinon, oui, graphiquement, c'est très beau. Je vous conseille d'aller voir les premières planches. C'est effectivement, voilà, c'est un, un peu influencé asiatique aussi. Un peu Sentai dans, dans l'esprit ouais, esthétique. Ouais, t'as raison. Euh, à voir, moi je suis content. Enfin, le problème que j'ai avec Ultra Mega c'est que je trouve que ça manque en fait de structure. Il n'y a pas justement as pas l'impression que le mec veut te raconter une grande histoire, mais qu'il veut tout emmener au point suivant où les gens vont se taper sur la gueule. Et ça, c'est un problème que j'avais avec la BD, parce que Invincible, justement, c'est exactement l'inverse. Il n'y a pas la, le la même baston. nombre de numéros, quoi. Non, c'est sûr, mais la, la baston, si tu veux, c'est un plaisir que se fait euh, Kirkman qui dit à, à Ryan Oakley, et maintenant, amuse-toi. Voilà, je te crée cette, cet, espace de respiration. Tu leur fais ce s'entretuer si tu veux, etc. Donc voilà, moi, c'est plus ce côté toujours que j'ai un peu de méfiance avec les séries d'artistes qui sont généralement aussi un peu des caprices et qui, je trouve, parfois manquent un peu de structure. C'est pas grave forcément parce qu'on vient pas, on rentre pas dedans pour ça. Quand un peu Zoro, enfin d'entre les morts, c'est pas une série que tu vas lire pour le scénario, à mon avis. Oui, qui est assez, qui est assez voilà. simple. Si tu vas la lire parce que tu veux voir Sean Murphy qui dessine des épées et, ouais, et des voitures. Ouais. Du côté des DC Comics, nouvelle surprenante, euh, on ne s'y attendait pas forcément avec un, un retour en quelque sorte de, de l'univers Wildstorm puisqu'il y a une série de Jenny Spark annoncée dans le Black Label par Tom King Corentin. <laughs> c'est vu, là il s'arrête de parler très, très vite parce qu'il faut que je passe en mode, hey, c'est quoi Wildstorm c'est qui Jenny Spark, c'est tout euh, c'est trop bien rodé comme mécanique c'est incroyable donc <laughs> Jenny Sparks no. c'est un c'est pour ça que ça marche présente-moi Jenny Sparks bah non je peux pas <laughs> alors Jenny Sparks donc en plus t'es chier parce que j'ai lu The Authority et tout ça mais c'était il y a euh, très longtemps oh, et et puis donc, elle, elle arrive pas tout à fait au début hein, après c'est pas c'est pas anodin puisque enfin c'est pas innocent comme choix puisque Jenny Sparks sera euh... non mais en fait non j'allais dire elle sera représente dans The Authority mais c'est ici si, c'est non c'est un génie c'est un génie c'est en génie mais non c'est pas innocent dans le sens où DC Comics va remettre la marque Authority en avant à l'aune de l'éventuel film Superman and The Authority qui arrivera enfin, euh, probablement ouais. un jour, ou en tout cas il voilà, y a Authority qui est en développement chez euh, James Gunn de toute façon il enfin, y a des personnages de The Authority dans le film Superman 2, de toute façon, donc, mais voilà. ils sont canoniques voilà. c'est maintenant, on, on, il faut s'y habituer, moi qui vous ai bassiné pendant un moment avec ça, The Authority, maintenant il faudra l'avoir lu, c'est tout, et il n'y a plus de discussion possible, et les New 52 qui ont eu la très mauvaise idée de vouloir mélanger ça avec le reste de l'univers finalement, ont eu gain de cause même si ça a voulu dire aussi que bah, <laughs> pendant 10 ans on n'a pas vraiment eu de comics euh, Wall known ah, si, au début, il y avait Gen 13. Euh... Non, pas Gen 13. Non, euh... teams, Team 7. Ouais. Il, euh... il y avait Fairchild dans les Ravagers, il y avait Storm, Stormwatch, et c'est tout. Grifter ouais. Il y avait Grifter euh, avec qui est vraiment de, euh, lui revenu en grâce et euh, devenu le chouchou de Matthew Rosenberg, qu'il faut un peu, un peu partout. Cela dit, il y avait toujours la série, euh, bah, je crois qu'elle est restée inédite en France, mais The Wild Storm de Ellis avec ouais. euh, John Davison. Ouais, C'était ouais, incroyable, quoi. Bah, sorte... Et il y avait Jenny Sparks dedans, justement, qui était. Ouais, non, oui, ouais. mais c'est une autre Jenny Sparks, mmh. du coup, C'est une, une sorte de reboot, plus ou moins. Réinterprétation. Réinterprétation. Ouais, enfin, c'est compliqué de la lire sans avoir lu l'ancienne, mais voilà. Euh, bah, D'ailleurs, en son fait, Warren Ellis, c'est un peu le vrai grand architecte de l'univers Wildstorm, hein, on va pas se mentir. Mark Millar a fait très bonnes choses dessus, mais enfin, je passe sur un monologue là. Donc, Jenny Sparks et The Bard. Déjà, Stormwatch, donc la première équipe de super-héros de l'univers Wildstorm. Enfin, pas la première équipe, ce qui serait Prime, du coup, mais. Euh, comment faire ça dans, en résumé. Donc, au départ, on va dire qu'il y a Stormwatch, qui est une équipe sanctionnée par le gouvernement américain. Dedans, donc, on va mettre Jenny Sparks, et ensuite, elle, un peu, un peu fatiguée par la façon dont le gouvernement et, ben, et Bendix mènent leur, leur croisade vengeresse, décide de fonder une autre équipe, qui va s'appeler The Authority, et dont elle va en fait décider de devenir l'une des membres les plus importantes. C'est un peu elle qui va contrôler l'action des super-héros. Jenny Sparks, en fait, c'est l'esprit du XXe siècle. Puisque dans les, les, les comics de Wall il y a vachement cette, cette perspective de réinventer le super-héros dans la compréhension même qu'on peut avoir des super-pouvoirs, de la symbolique, de l'allégorique, et, etc. Elle, en l'occurrence, elle est née le 1er janvier 1900, à minuit. Donc elle est née au début du siècle dernier. Et donc elle incarne euh, la, la transition, en fait, pour l'humanité présente cette période-là. Donc, elle est immortelle, en fin de cas, on peut pas la tuer. Euh, elle contrôle l'électricité parce que le XXe siècle a été euh, le, la période où l'électricité est apparue dans la société humaine, et donc tous les changements que ça implique. Elle peut devenir électricité, etc., etc. Et elle a toujours été présente au moment important euh, du XXe siècle. Elle était là quand quand, quand Hitler a renoncé à la peinture pour devenir politicien. Elle était là quand euh, la, la France s'est effondrée. Elle était là en fait à tous les grands moments. Voilà, je veux dire quand la France a été envahie. Euh, elle était là tous les moments qui ont été marquants. C'est une Watcher, quoi. C'est une Watcher, c'est une une Forrest Gump, c'est une Watcher euh, qui ne vieillit pas, elle est, elle est éternellement bloquée à l'âge de 19 ans. Euh... Tu sais que j'ai toujours pas vu Forrest Gump Sérieux Ah ouais <laughs> Par contre, là, c'est grave quand même. C'est super grave, Arno, hein, Quand même. Ah oui, bon. Rends-toi ce service. En plus, c'est ultra feel good comme film. Euh, donc, elle décide finalement, en fait, en enfin, comprenant qu'elle a fait des choix qui n'étaient pas les bons, justement, en n'intervenant pas pendant les guerres. De, euh, participer à une équipe de super-héros, donc qui est Stormwatch. Et lorsqu'elle déraille, en fait, c'est un truc qui est aussi pourri que le reste, elle va finalement monter The Authority. The Authority qui finit par prendre le contrôle des États-Unis, hein, dans la continuité Wildstorm. Et, euh, bah, elle continue d'accompagner l'équipe. Et là, spoiler, att attention. Technique. Je suis obligé de le dire, hein, Techniquement, Jenny Sparks n'existe plus. Dans la continuité où, euh, elle est plus compatible avec le concept même de son personnage. Puisque si Jenny Sparks, c'est l'esprit du 20 e siècle, vous avez dû remarquer, nous ne sommes plus au 20 e siècle. Donc, Jenny Sparks, évidemment, meurt le 31 décembre euh, 2000. Enfin, euh, oui, 2000, techniquement, ça impliquerait que 2000 ou 99, on va dire. Parce que, bah voilà, le XXe siècle se termine, il est temps pour une nouvelle Jenny de prendre sa suite. Et donc, ce qui va arriver avec Jenny Sparks, ou Jenny Quantum, qui est donc, en fait, elle représente le XXIe siècle et l'apparition de la technologie atomique, voire nucléaire, et de ce qu'elle va avoir euh, de, 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 de crucial pour les générations à venir. Donc voilà, en fait, on pourrait revenir en arrière et dire qu'il y a eu une Jenny pour chaque génération. Quoi. Donc là, ce que veut faire Tom King, c'est imaginer au contraire que Jenny Sparks, donc la première, n'est pas morte, qu'elle a transitionné vers la, 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 la période moderne et qu'elle va en fait rencontrer euh, les super héros du présent. Donc les super héros du 21e siècle, les super héros de la modernité, ce qui est forcément un peu un peu, un peu, curieux, un peu curieux dans le concept parce que euh, c'est pas forcément compatible avec le personnage en lui-même. Ça a pas vraiment de sens dans dans les perspectives où, où Wellstorm n'existe plus vraiment, enfin ou plus sous cette forme-là dans le canon des ses comics. Mais euh, voilà, c'est un c'est un truc que King a envie de faire pour euh, formuler un affrontement idéologique entre les héros des années 90 ou les héros idéaux des années 90 et les héros euh, contemporains. Alors je sais pas trop où est-ce qu'il va nous emmener avec ça, mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle dans le sens où lui il présente vraiment comme la suite spirituelle de tout ce qu'il a déjà engagé sur Strange Adventures, sur euh, euh, Mister Miracle, sur euh, Mister Miracle ou Mister Miracle et euh, Human Target, c'est-à-dire que prendre des personnages qui sont un peu au second plan, se les réapproprier, en faire des vedettes, dans des comics assez personnels qui parlent de lui, qui parlent de la philosophie qu'il entretient vis-à-vis -vis de son travail d'auteur. Euh, et en l'occurrence, les projets qu'on a cite enfin que je viens de citer, sont plutôt bons, tu vois, l'ensemble. Alors ça pose aussi la question, justement, de qu'est-ce qui va rester à King une fois qu'il aura couvert un peu toutes les décennies, parce que si on fait la liste, bah, Strange Adventures, c'est un peu les 60s. Ou les 70s, mmh, même. Ouais. C'est-à-dire que c'est les comics cosmiques un peu à l'ancienne, et il y a toujours ce dialogue entre passé et présent, tu vois. Euh, Human Target, c'est plutôt les années 50. Tu vois, c'est euh, ce héros, plutôt beau mec, euh, qui évoque le cinéma, la télévision de cette période-là. Il y a un comics très, très joli, très ambiance, euh, tarte aux pommes et tout. Après, il y a les années 90 avec Jenny Sparks. Et entre les deux, on a, les, on a eu les années 80 déjà avec Mister Miracle, qui était justement ce côté un peu Alan Mourien de prendre un héros poussiéreux et de le réinventer dans un truc super grave et super noir et super, super ténébreux. Donc euh, voilà, en fait, à force, on sent aussi une routine qui s'installe. D'ailleurs, DC Comics, je suis content, ils, ils écoutent First Print quelque part, parce que tu sais, je m'étais plein de la façon dont Tom King met des gros mots avec la même séquence de caractère, euh, mmh, avec ouais, le ouais. hat et tout. Et en fait, dans le dans le communiqué de presse, ils disent que Jenny Sparks fera bien sûr des euh, des gros mots avec ce truc-là. Okay. <laughs> Donc voilà, c'est c'est des gimmicks qui commencent à, à s'installer. Moi, je le prends quand même bien parce que bah, déjà l'artiste est, est talentueux, le scénariste reste quand même compétent. On aurait peut-être peur que cette logique en fait du projet Tom King Black Label sur un personnage obscur qui va toujours un peu raconter quand même un peu la même chose, euh, ça pourrait finir par user. Je trouve par exemple que Danger Street a trouvé sa limite. Et ouais. en plus, dans Danger Street, il y avait vraiment un numéro qui était très particulier avec les deux tueurs qui, qui parlent pendant tout le numéro, comme une sorte de duel psychologique qui trouve aucune résolution. C'est assez particulier comme, comme écriture. On sait que King est un grand fan de philosophie. <laughs> enfin, tu sais, il, il a le j'aime la philo. <laughs> et c'est le, le, le symbole de la philo, là, le. Le comme ça. Mmh. Enfin, Le phi. Est-ce qu'on a forcément envie d'avoir ce dialogue entre Superman et Jenny Sparks Je ne sais pas. Au niveau de l'intrigue, elle va à cavaler, enfin c'est un peu une sorte de police des polices, elle qui le cavale après les super-héros qui, euh, qui ont mal tourné, euh, parce qu'elle est trop forte et qu'elle leur pète la gueule. Moi, dans tous les cas, ça ramène The Authority en avant, ça fait plaisir, on est content quand même. On espère être un peu plus surpris que pour Danger Street, qui n'était pas vous ouais et qui ouais. arrivera plus tard euh, cette année d'ailleurs en, en VF chez Urban Comics et je dis que ce sera l'occasion euh, de refaire un point euh, là-dessus mais en même temps quand t'as un auteur qui est aussi prolifique c'est compliqué forcément de ouais. d'être toujours au top quoi euh, surtout quand t'as surtout vrai. quand t'as démarré très fort en fait oui c'est bah, un peu le problème en fait c'est qu'il a fait sa meilleure BD euh, c'est ce que tu euh, quasiment au début hein. après ça carrière déterminé donc il il, il pourra faire peut-être oui, sa oui, meilleure BD plus, Human plus tard Target, génial, euh, ouais. Le Target c'était génial le Ray c'est extraordinaire et puis, même là, tu vois, dans Danger Street, je râle, mais c'est par rapport au niveau dont Tom King est capable, tu vois. Ouais. Euh, ça reste quand même une très bonne BD, hein. Si vous êtes fan de Fargo, si vous êtes fan, encore une fois, de Moore, ça se lit très bien, c'est très agréable, il n'y a pas de souci. Très bien. C'est un peu le Watchmen des héros, pareil, 70s, DC. Mm. Tu vois. Comme s'il avait pris, en fait, des, le catalogue DC de tous ces héros poussiéreux qui existent que dans le Silver Age, 60s même. Euh, et qu'il s'était dit, eh, vas-y, on les réinvente, ce sont plus sérieux, plus polar et tout. Ça marche très bien. Mais c'est trop long et c'est un peu chiant. Mmh. Très bien. Corata, merci beaucoup. De rien. Donc ça arrivera cet été chez DC Comics. Autre nouvelle chez DC le retour de Jeff Lemire. Une nouvelle fois, oui. Excuse moi, je vais te demander ils ont édité euh, To The Authority chez Urban Non, ils avaient fait, euh, ils avaient fait les, le premier volume et celui de Mark Millar aussi. Enfin peut-être que ouais, c'est tout du coup. Ça, oui, ça déjà je crois qu'ils ouais. ont fait les bah, ils ont fait l'essentiel. C'était en trois trois gros gros euh, par dessin. À un... trois euh... gros par contre ça me paraît. Enfin bref on vérifiera mais je j'espère je, que du coup ça amènera aussi Urban à republier ou à publier dans son intégralité les grandes séries de cette période là. Il y a Planetary par contre. Planetary ils l'ont fait en entier. Ouais Planetary ils l'ont fait en entier. Ouais. Ça c'est trop bien aussi. Euh, c'est deux gros albums, euh, un, 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 un pavé de, euh, le tome 1, c'est Warren Ellis et euh, Brian Hitch. Et sur le deuxième, t'as aussi euh, Mark Miller qui se rajoute avec euh, Frank Oakley et tout ça. Ok, très bien. Donc, euh, je sais pas si ça, ça couvre l'intégralité de non, la ouais, série. Je pense pas, personnellement, parce que c'est quand même plutôt, c'est quand même plus de 10 ans de travail, hein, Authority. 13 à 29 pour le deuxième tome. Ah oui, non, bah non, il y a bien, ça va beaucoup plus loin. Ok, ouais, très bien. Ben euh, bah écoute je crois que le reste euh, n'a pas été publié alors euh, si euh, si j'en crois ce que me dit euh, le, site, le site le site d'urban quoi euh, peut-être que ça n'a pas trouvé malgré tout son public hein, même si effectivement c'était euh, c'était quelque chose qui était attendu euh, c'est vrai qu'ils avaient, avaient fait planétaire puis ils avaient fait The authority hein. euh, je, je, je m'en rappelle à l'époque on en parlait sur DC planète euh, c'était c'est vrai euh, il y a longtemps <laughs> aussi euh, mine de rien je sais pas si ça ça pourrait profiter tu vois d'une petite réédition en urban Nomad aussi à la limite euh, l'année l'année prochaine peut-être pour euh, pour de remettre l'attention là-dessus. Authority Ouais. Peut-être, mais euh, pour euh, si. insulter personne, les fans d'Authority, c'est un peu des vieux cons aussi. Oh. Euh, non, mais je, je m'inscris dans la liste des vieux cons en question. Ouais. Mais tu vois, c'est comme si on faisait un, un, un du mini-spawn, est-ce que ça parlerait aux fans de Spawn tu vois, Les fans des années 90, ça dit, ils, veulent, ils veulent aussi des, 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 des belles femmes de temps en temps. Quoi. Mais c'était prévu parce que vrai, je, je me faisais la réflexion, mais en fait, c'est vrai que Planetary a été annoncé en, Urma, en Urban Nomad, donc peut-être que c'est en anticipation. Mmh. Alors, ouais, de... euh, peut-être, peut-être. Euh, ouais. Après, ce serait une bonne manière de contourner le problème, mais euh, Nomad, c'est quand même plutôt une gamme grand public. Non enfin, parce que C'est assez violent, Z-Authority, hein, pour ceux qui ne voient pas. Il bah, y a deux tout. Et dans a pas dans, pas dans mal, Nomad, ce n'est et... pas une question de, de public, c'est une question juste d'accessibilité par l'offre tarifaire. Ouais, par donc, euh, ils, ont, ils, ont, ils mettent de tout là-dedans. Moi, hein. tout ce qui met du, du Wallstorm dans les mains des gens. Pour rappel, hein, Ex Machina, c'est pas un comics de Vertigo, c'est un comics de Wallstorm. Il y a des tonnes de grandes créations originales. Le Midnighter de Garcenis, ou le Kev de Garcenis c'est extraordinaire franchement enfin, c'était une, une merveilleuse période des comics de super héros voilà simplement il faut le dire eh bien tu l'as dit Corentin voilà. on, passe, oui, mais... on passe à la suite je disais donc Jeff Lemire qui est de retour chez DC avec trois projets annoncé, ah on n'en sait rien, mais c'est juste pour le dire, il revient mmh, chez DC, mmh, mmh. il a fait une longue euh, newsletter euh, sur son Substack euh, un nouvel, enfin un nouveau euh, numéro de sa newsletter pour dire notamment bah, que effectivement son projet d'ongoing mystère euh, chez Boom se sera annoncé au San Diego Comic Con, donc ça c'est plutôt cool et qui vise vraiment les 40 numéros et quelques, hein, donc vraiment euh, la longue ongoing façon sweet tooth et tout, donc ça je suis vraiment très excité. Trois parce que c'est un, un auteur qui, qui a abandonné le concept de sommeil il y a, il y a bien longtemps maintenant, euh, bah, il a trois projets chez DC. Je suis à peu près certain, parce que tout semble vraiment se confirmer maintenant avec ce projet de de univers ultimate à l'ADC de all In ouais, enfin ouais. voilà de de grands revamps éditoriaux pour le mois d'octobre c'est à peu près sûr puisque là tout euh, toutes les séries commencent à s'arrêter enfin tous les runs des artistes euh, enfin des auteurs et tout ça commencent à s'arrêter au mois de septembre il y a plein de choses comme ça qui font que tout s'arrête en septembre et clairement ça va laisser la place à des euh, à des alors, pas forcément des relaunchs euh, sur, surtout, tout. Ouais, je suis pas sûr. Mais par contre, c'est sûr qu'il y aura des nouveaux projets annoncés ouais. et en tout cas des nouvelles équipes créatives aussi mises en place. Ça bah, toute façon, l'industrie répond à l'industrie. Il y a Hickman qui a lancé les Ultimates. Mais euh, bah, par contre, voilà, ce sera pas, à mon avis, ce sera pas un reboot euh, dans le sens. Ah non, non, pas du tout. tout. Je veux dire, il y a Nightwing 150 qui est à l'orée du bois. Ils vont continuer pour les groupes Oui, oui et d'ailleurs, et, 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 et parmi les choses qui sont sûrement très attendues, Chips ne, ne va sûrement pas quitter Batman. C'est dommage. Par contre, on aura un Batman 1 par un autre auteur ça, je, on peut parier là-dessus. Hein. Ouais, mais alors du coup, ça s'appellera euh, Absolue Batman, Absolute Linne, Batman hein. ou les trucs comme ça. Tu sais, vu qu'ils disent que c'est Absolute le nom, ce hein, sera peut-être Absolute Batman. C'est pour hein. être en tête de liste des, des, des trucs de commandes. T'as le A Absolute. Absolute Après, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire que, que DC ne s'embarrasse pas d'avoir plusieurs titres Batman à chaque mois, donc euh, voilà. Oui, oui, non, mais de toute façon, il y, y a toujours une alternative. Hein. Mm. Mais le détective comics c'est très bien. Oui, c'est ça. Mais justement, Ram V ça s'arrête en septembre, son run. Euh, on savait déjà ah que non, ça. Bah, si, si, mais on savait depuis longtemps que ça allait s'arrêter. Euh, que ça, ça durerait 30 numéros en tout. Il fait 5 arcs en gros, et puis voilà. quoi. Ouais. Mais aussi du coup, en On fond. a bien mangé. Bon. Mais oui, oui, voilà, c'est ça, c'est que c'est excellent D'ailleurs, le 3 ou le 4ème tome, maintenant, je crois, est sorti en VF, et on vous le recommande, c'est vraiment de, de très, très bonnes factures. Mais voilà, donc euh, ça arrive chez DC. Il dit aussi qu'il met en pause le bon Orchard Mythos, après, là, la sortie de Star en octobre. Euh, il dit qu'il est un peu burn-out du registre de l'horreur, et que Andrea Sorrentino euh, a besoin aussi, veut explorer d'autres euh, choses. Euh, Ouais, on a envie un peu. Par... Ouais, je me demande ce qu'il a envie d'explorer. Ouais, ouais bah on a envie de rigoler un petit peu doucement, parce qu'effectivement, sur n'a toujours pas répondu euh, publiquement, en fait, de bah des des, des, mmh. des ouais, Il est occupé à explorer autre chose. Ce de ce qu'on lui a reproché, sachant que sur Tenement, bah il y a aussi pas mal de cases, en fait, qui ont été incriminées pour avoir été vraisemblablement été faites paria, euh, malgré euh, 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 enfin c'est Rose Villa quoi. C'est pas c'est pas juste nous. Et là, c'est pas un random tweetos, quoi. C'est Rose Villa qui si vous le suivez sur les réseaux sociaux, c'est exprimé plusieurs fois sur le Cas Sorrentino et donc lui n'en démord pas quoi. Et le problème bah, c'est que Sorrentino euh, continue de faire le l'autruche. Euh, l'autruche voilà et ne, ne s'exprime pas mm -hmm. là-dessus. Donc bon, euh, c'est dommage parce que moi j'aime bien en tout cas ce que j'ai lu du Bon Orchard Mythosop pour le moment, je trouve que c'est un projet qui est intéressant donc ouais. à, à voir s'ils y reviennent pour le une peut-être un peu plus bon les bon, 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 bon. C'est pas c est, c est, c est, justement, c je ne je l'ai pas encore je okay. pas encore abordé bah, est, Il est plus dépouillé graphiquement. Je suis, je le suis en VF pour le c'est okay. pour ça quoi. Euh, mais donc voilà, c'est plutôt euh, sympa. Donc on, on va reparler de Jeff Lemire forcément euh, dans les mois à venir. De euh, bah, toute façon, je pense que lui, euh, en plus, vu son âge, on n'a vraiment pas fini de le oh bien C'est un quoi. mec qui est tellement euh, un boulimique de travail que, de toute façon, après, ça peut être bien ou pas bien. Je veux dire, là, je crois que Son Angel est sorti il n'y a pas longtemps en, en, VF. en VF. ouais. Voilà, ça, c'est un truc. En fait, il produit tellement de machins qu'il y a forcément une partie qui est dispensable. Moi, j euh, pour la, juste pour réagir, j'y crois pas trop au côté, je suis burnout de l'horreur. Mec, il a fait quand même quoi, euh, 7 ans, 8 ans sur Black Hammer. Il n'a pas été burn out de sa propre série au bout d'un moment. Là, il c est a différent. C'est il fait ce qu'il veut, tu vois. Enfin. Oui, oui, mais après, c'est peut-être différent. Et dans l'occurrence, t'as quand même, bah, t as, t as, ça fait 5, 5 titres développés différemment, en graphic novel, en mini série, en série voilà, longue il vois, Ils ont fait beaucoup de trucs. Tu en... vois, y a, je pense que tu as peut-être et vu que c'est dans un univers partagé, il y a quand même des motifs communs qui doivent revenir et tout ça. Je pense que je peux comprendre qu'il ait eu envie de changer parce que c'est peut-être moins permissif justement qu'un Black Hammer où là, mmh. avais tout l'historique littéralement de, de la la de super héros. Et Phantom Road c'est un peu de l'horreur aussi. Et... C'est vrai. Et Phantom Moi, Road qui prend, prend aussi une pause. vraiment euh, d'essayer d'annoncer sur une série d'horreur. Tu mmh. vois genre en mode euh, bon salut Andrea. Ouais. Pour rappel juste pour ceux qui n'ont pas suivi euh, donc euh, Andrea Santino a été accusé d'avoir fait des trucs avec de l'IA en fait des pages avec de l'IA. Moi très franchement je vois pas comment c'est possible de faire autrement. Je, je, je vois ces planches maintenant. Je... On nous a assuré que c'était pas le cas. Je n'y crois plus vraiment du tout et j'aimerais j'adorerais me tromper mais à un moment donné il euh, faut commencer à voir les faits et pareil DC n'a toujours pas communiqué sur le sujet mmh. alors qu'ils ont dit qu'ils allaient ouvrir une enquête enfin une enquête ouais en ouais mais après, bah peut-être qu'ils l'ont fait en interne euh, hein, mais... bah oui mais si, 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 si ça passe comme une lettre à la poste et qu'il n'y a pas un précédent qui est établi et en plus ils sont positionnés récemment il y a des covers qui ont été oui. accusés d'être de l'IA alors a priori c'est même pas le cas en plus. Si 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 parce que justement ouais. Rosé <laughs> en, en fait non mais en fait le truc qui se passe euh, c'est vrai qu'il faudrait faudrait en parler avec des euh, peut-être des artistes experts dans, dans le numérique ou même avec Rosé Villarubia qu'on a vu dans le podcast il y a quelques années mais euh, en, en fait ils disent vraiment que euh, la façon euh, dont après ils montrent euh, qu'ils ont vraiment travaillé c'est effectivement ce non, que c'est ça c'est du rétro c'est en fait tu crées à rebours euh, une fausse enfin une vidéo qui euh, fait le tracé crayonné euh, de, de ton illustration finale sauf que euh, en fait il y a plein de trucs qui vont pas et notamment c'est des artistes qui qui disent que en fait la composition la façon dont c'est travaillé en fait tu le bosses pas comme ça en fait euh, par rapport euh, en fait quand tu fais un dessin t'as pas forcément euh, la euh, c'est pas juste euh, vraiment retracer en arrêt en fait ouais. c'est parce que bah quand tu quand tu dessines et que tu fais ton posing et tout ça il y a forcément des choses qui vont changer il y, y a et ils, ils disent en fait ça, ça se voit que c'est juste en fait juste euh, on prend l'image de fin et on part du principe que dès le départ en crayonné elle était pareil euh, okay. voilà et mais du coup dans tous les cas ils se sont positionnés puisque après les accusations qui ont frappé cet artiste chinois dont j'ai oublié le nom euh, ils ont décidé de remplacer ses couvertures par ouais. d'autres couvertures donc DC a officiellement pris position contre l'IA contre l'IA générative de dessin euh, donc ça veut dire quand même qu'il ne devrait pas s'interdire de sanctionner Sorrentino le cas échéant. Oui, ou juste lui rappeler à l'ordre qu'il qu qu dise « bah en fait, euh, tu recommences plus, quoi, enfin, sinon... » J'ai que lui de même juste communiquer dessus. Ouais, et en plus, euh, c'est pas juste dire « ok, si c'est le cas, de dire « bah ok, j'ai merdé, et puis ça tu vois, c'est ouais. juste, euh, et recommence plus, en fait, c'est tout, c'est juste ça, c'est juste, c'est une question de... » En fait, d'éthique par rapport à tes collègues, en fait, et par rapport à l'ensemble de, des dessinateurs qui, qui travaillent correctement, en fait, qui, euh, et qui ne pompent pas dans des bases de données. Ouais, je pense euh... qu'ils ont peur parce que le, le, la communauté des fans de comics est globalement opposée euh, aux IA. Enfin, moi, moi j'ai vu personne vraiment sur les, les, les groupes de les Reddit, les groupes les message boards des compagnies dire Ouais, trop bien, l'IA va nous ouvrir de nouvelles per perspectives. Personne ne dit non, ça. Non, et puis je, ouais, de toute façon, dès que j'ai vu un truc, que ce soit un tentative, tu sais, il y avait un, un trailer d'un film en IA qui, qui, qui dit Non, mais c'était vrai. Avec les moutons à trois pattes, là. Non, mais tu sais, avec l'histoire d'amour, là, tu sais, avec un plan dans le train comme ça. Ah, mais ça, c'est de la merde. Mais à chaque fois, le truc, c'est qu'à chaque fois, depuis des mois, à chaque fois que je vois passer un truc qui est généré par IA, moi, je me marre <laughs> et je me fais, mais vraiment, mais qui a peur de ça, quoi? Parce que vraiment, c'est bah, tellement euh, nul. Electronic Arts a annoncé qu'ils ouvraient un département consacré à la génération d'assets avec de l'IA. Ouais, mais c'est différent euh, parce que c'est dans le concept. Ouais, mais c'est parce que c'est dans le concept artiste, parce qu'on est à chaque fois sur des trucs figés, tu vois. Et du coup, mais dès qu'il y a du mouvement, en fait, Dès qu'il faut mettre du mouvement, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Mais après, oui, non, mais par contre, il y a qui doit se faire foutre, quoi, en fait. Simplement. Il aussi des youtubeurs qui font des youtubeurs, des connards qui font des fausses BD. Il y a Run qui avait partagé une BD Batman, vous voyez pas, mais je mets des guillemets, qui a été fait entièrement par IA. Alors tu regardes le truc, le mec, il a vraiment fait, genre, 40 dessins Batman. Oui, je me rappelle Il les a alignés, mais le découpage, il est horrible. Et il a rajouté des dialogues qui veulent rien dire du tout. C'est Batman Terminator, je crois. Euh, ça trouve ça, ah ça, oui, c'est tellement moche. Mais oui, mais ça aussi, tu vois, à chaque fois, je fais. C'est moche. Et ça se voit que, ce que, 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 ce, que enfin, ce que, ça plagie, on peut le remarquer à l'œil nu, quoi. C'est, c'est éthiquement et artistiquement un cauchemar. Mais de toute façon, de... et à partir du de... de toute façon, les gens n'ont pas compris que la <laughs> bande dessinée, c'était pas juste aligner des cases une par une. Et... <laughs> c'est clair. Il y a un truc, c'est, <laughs> <Le c 'est, rire> la narration <rire> séquentielle, <laughs> c'est pas, c'est pas une chimère, quoi, en fait. Tu peux pas faire juste deux dessins et, ouais, euh... oui. et dire, ouais, regardez, ça raconte une histoire. Non, mais non, c'est, c'est comme le truc avec, ouais, enfin, bref, c'est, c'est de la merde, arrêtez. Est, de toute façon, et, et vraiment en je sais que moi je suis beaucoup plus optimiste que Corentin là-dessus, mais pour moi vraiment c'est comme les NFT, ça va se viander terriblement. Alors les NFT ça perdure aujourd'hui, mais parce que les technologies ont changé, qu'a priori maintenant d'un point de vue écologique, bah c'est pas plus, euh, euh, ça coûte pas plus à la planète que. Euh, que nous, quand on upload nos, nos podcasts sur Rocha, on va dire, tu vois, euh, ça reste toujours un truc qui est, voilà, qui, qui, qui s'est effondré. Ça intéresse maintenant qu'une certaine niche de passionnés, bah, écoute, ils font ce qu'ils veulent de leur, de leur, de leur argent. Euh, voilà, quoi. Euh, par, et par contre, les, et pour, pour moi, les IA, ça va être pareil. C'est que là, il y a tout le monde qui essaie de se ruer en disant c'est l'avenir. En pélo, c'est pas l'avenir, c'est de la merde, ça pue la merde, vraiment. Il n'y a, a, a pas un truc euh, éthique, joli, propre. Il n'y a rien qui va. En plus, euh, et, et par contre, clairement, les menaces, elles sont réelles. Euh, et en plus, il enfin, n'y a pas... Enfin vraiment, mais je demande qu'on me prouve le contraire. Mais je te jure que de tout ce que j'ai vu fait par des IA, le meilleur truc que j'ai vu fait par des IA, c'est les gars qui font faire reprendre des génériques d'animés par les politiques et par Roff, quoi. Et c'est du shit post, littéralement. C'est du shit post, quoi. Oui, bien sûr. Pour le shitpost, c'est idéal. Voilà. Non, mais pour shit post, c'est trop, quoi. C'est des mecs qui Mais dès que quelqu'un qui lui mettent la gueule de Macron, c'est très rigolo, tu vois. Mais dès que quelqu'un essaie de faire vraiment un truc légit en disant ouais j'ai écrit quelque chose, non mec, c'est de la merde. Est-ce que t'as forcément vu on va a les mecs qui créent de fausses influenceuses. Oh, mais quel et enfer! Et qui font des tutoriels en mode, ah oui, c'est vous même des femmes virtuelles qui, donc, généralement sont très belles, enfin, sont fausses, mais très belles. Euh, vous créez-leur une page Instagram. Oui, enfin, ça dépend des critères, quoi. Mais elles ouais. peuvent faire des photos, elles peuvent faire des reels. Et en fait, après, bah, les marques, les contacts, pour faire des partenaires. Dès que tu as plus de, de 20 cas d'abonnés, c'est facile de te faire repérer par une marque qui veut faire un placement de produit. Et du coup, ils te disent, voilà, je gagne 20 000 euros par mois grâce à mes influenceuses virtuelles. <laughs> Mais, mais déjà de toute façon cette phrase moi elle me elle me fout mais le des frissons dans le à partir du de où, de toute façon le milieu de l'influence et même le concept même d'influence est quand même très vérolé hein je veux dire il y a des mais en plus c'est pareil enfin les, les femmes virtuelles elles ont été créées avec des bases de données qui ont oui de vrais, de vrais, en vrais fait gens, volé les photographies de vrais êtres humains et après on fait une créature de Frankenstein où on va assembler euh, les gros nichons les pommettes machin etc pour que le fantasme ultime du, du mec qui tombe sur cette page il se dit ouais les belles gosses et tout mais c'est horrible, c'est de la prostitution virtuelle. Oui, enfin, c'est une forme de proxénétisme. On, euh, on est assez à ça, des sex dolls là, ça y est, est, on y arrive lentement mais sûrement. Et j'ai été que des mecs fassent des tutos YouTube pour expliquer aux gens comment faire ça. Tu te rends compte du délire incroyable du truc. Enfin, évidemment, c'est pas des mecs qui vont faire. Hein. Tu vois, en plus, comme par hasard, c'est pas genre j'ai créé un bodybuilder euh, idéal et tout. Enfin, je trouve ça moi, euh, taré, Il faut, il faut raser Internet. On fera nos podcasts en radio, voilà, avec des ondes vertes. Et, et non, alors, en, en radio euh, associative, là, tu sais. Exactement, voilà. Comme sur euh, <laughs> François Pérus. Ouais, c'est ce que c'est, c'est ça. Les deux du peuple, vous êtes sur Radio Oui Oui. <laughs> et on bon, allez, reçoit, reçoit aujourd'hui le groupe Vieille voiture sale. Salut les gars. Salut. <laughs> <laughs> bon, voilà, tu vas en retard à ton truc. Là. Ouais, ouais. Allez, donc, euh, du côté de Marvel, euh, grosse, grosse annonce. Alors, j'avais mis le, le titre solo Dazzler, c'est pas en soi très intéressant. Mais je trouve ça juste marrant qu'ils annoncent un titre Dazzler alors que ça fait des mois qu'il y a des rumeurs qu'en quoi Dazzler serait présent dans le film Deadpool Wolverine et qu'en plus il serait incarné par euh, Taylor Swift. Euh, ça me faisait juste ah mar... Ouais, pas... ouais C'est plus... une rumeur persistante hein, depuis vraiment de très très nombreux mois. Euh, en vrai... Oh, ça va être lourdingue s'ils font ça. Alors ce sera lourdingue de toute façon, le, le, le cameo porn de ce film en allié va être va faire partie des trucs lourdingues, euh, même si je pense que dans l'ensemble le film devrait être sympathique euh, j'espère je... ouais, enfin, on espère tous ouais, hein. on espère tous hein, c'est sûr euh, mais en tout cas je pense que quel, quel que soit l'interprète oui je pense que Dazzler fera une apparition dans Deadpool évoluer parce que je vois pas sinon pourquoi elle aurait droit parce qu'ils ont, ils ont ressuscité la série télé Dazzler et Tiger. voilà de quoi tu te souviens pas il y a quelques années quand Hulu voulait faire un groupe de série ah télé oui Dazzler et avait... ah oui, oui c'est vrai il y avait Dazzler et euh, Tiger, ouais. Kevin Feige a dit non c'est de la merde vous manipulez ça par contre on va mettre Swift en Dazzler dans de poulet Wolverine parce que son on a déjà pas assez abusé de la confiance des fans avec Howard the Duck mais euh, ouais très bien super moi j'aime bien Dazzler il y a eu un omnibus d'ailleurs je crois je sais pas nini, tout à mais... fait non pas un omnibus c'est l'intégrale ah oui, euh, les, ouais, les, les intégrales Marvel Classic. classiques effectivement ouais. qui était qui était demandé parce ouais, que c'est ouais. quand même un personnage culte cool, qui a eu draft sa série justement bah, c'est le personnage des années 80 quoi personnage disco personnage le connaît, voilà elle se très pop star en fait euh, là et là la nouvelle série c'est vraiment en plus c'est vraiment pensé comme elle part en tournée mondiale donc elle aura des soucis dessus mais elle part en tournée mondiale c'est enfin, vraiment c'était c'est le Black Canary quoi non mais c'est Taylor Swift aussi qui fait en ce moment son Eras Tour, qui est vraiment sa méga tournée mondiale et tout ça as... et l'auteur même le scénariste même a dit euh, j'ai écrit des, des paroles de chansons pour chaque numéro et je me suis inspiré de Taylor de Dua Lipa, de, de la chanteuse de Paramore de Hayley là. Euh, donc vraiment il y a un côté c'est tellement Hayley euh... Williams ouais, ouais. Toi, toi toi, qui es un Swiftier non je ne suis pas un Swiftie. Swift non, je ne suis pas un Swiftie. Arnaud, t'es un Swiftie. Je suis un Grandi. Je suis un Dojacati. Je sais pas comment <laughs> on dit ça. <laughs> euh, Fais gaffe, c'est chaud, Dojacati en ce moment. Mais bah, euh... je sais pas, je vais l'avoir en concert le mois prochain. Ah, mais t'avais pas suivi le... Bon, c'est pas grave. Bon, ah, la défaut, mais enfin. Fait... Oui, oui, non, mais c'est pas grave. enfin, euh, après, voilà. Bref. Euh, déjà, si on écoute des rappeurs, on est, on a tous forcément au moins un, un soupçon de, 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 de culpabilité, en général. Mais, euh, toi qui es un Swiftie, du coup. Ouais. Un bon gros Swiftie, ah oui, bah oui. un énorme Swiftie. Tu veux là. voir, j'ai mes bracelets à la vois Il anime le compte Twitter de Taylor Swift France. Regarde, j'ai mes petits bracelets, voilà, de, les bracelets de friendship là. <laughs> ouais, C'est qu'il a été voix hein, Taylor Swift. Ouais. Euh, voilà, il, il, il a pogoté. Tout à fait. Devant, euh, je connais pas ses morceaux, donc je ne comprends pas. pas Sur Shake It Off, off bah j'ai shaken mon boule, hein, ça. Est-ce que t'es peut... es content de voir l'influence culturelle de ce, ce mouvement? parce que c'est un vrai mouvement maintenant les Swifties euh, sur la bande dessinée américaine et le cinéma <laughs> est-ce que tu vas écrire un article <laughs> sur l'influence de Taylor Swift sur le monde des comics non mais non parce que <laughs> en l'occurrence déjà je, je, je sais pas s'il y a des Swifties qui nous écoutent aussi euh, mais oui, les... mais si si mais attends mais Manu est un Swiftier mais mais de ce que je pense <laughs> mon avis sur Taylor Swift c'est que elle a pas enfin le dernier album est chiant à mourir mais heureusement en live ça passait mieux euh, c'est que moi il y a il y, y en a deux que j'aime beaucoup vraiment euh et j'aurais même pas les nommer tu vois c'est tellement je suis pas un vrai fan euh non le Taylor's Version là Non non, c'est pas ça. Non non, c'est c'est l'album c'est l'album euh avec euh, je crois que c'est Reputation, Reputation c'est l'album où il y a justement euh, Are You Ready for It qui est incroyable et celui d'avant il me semble aussi où il y avait Shakitov quoi c'est vraiment c'est la période okay. 2017-2019 en fait où là j'étais vraiment fan euh, avant quand c'était de la country et tout ça j'aime pas du tout euh, la... et après euh, j'aime un peu moins et tout ça mais bref on s'en branle de toute façon mais <laughs> mes goûts musicaux euh, voilà Bref, euh, respect et amour à nos amis les Swifties. Tout à fait. Donc non, l'influence, je vois pas d'influence plus que ça. une vanne. D'accord, c'est une vanne, ouais, effectivement. <laughs> Mais je trouve que ça fait ça me fait mal, parce que Dazzler, Dazzler est clairement une série peut-être, enfin de façon trop bizarre, qui serait marketée pour les Swifties, en fait. Tu vois, qui, euh, je sais bah, pas. Ce c'est pas normal, en vrai. Euh, encore une fois, les Mary jane ils avaient déjà essayé de nous faire un peu le coup de la jeune rockeuse et tout. Enfin, je dire Gwen Stacy, Spider Gwen plutôt même. Euh, parce que dès que t'as un peu d'influence musicale, ils vont chercher un public qui consomme. Tu vois ce que je veux dire? Encore mais une fois, Black Canary, même ils avaient fait un Yes, mais j'allais venir trois singles et qui était bien, qui était très bien, ouais. qui était très très chouette très rock. Et euh, je me dis, euh, ok, tu vas écrire des paroles de chansons, mais en, dans, dans ce cas-là, en faites. Euh, en vrai, tu vois, ils auraient quand écris des paroles comme Taylor Swift, c'est compliqué. J'ai vu les extraits là, de son dernier album, euh, c'est n'importe quoi, c'est ultra anarchique. Ah, euh, j'ai pas suivi les paroles, mais oui, mais même dans les premiers albums, quand elle parle juste de ces décès, tu sais, parfois c'est juste. Euh Enfin, il y, y, y a, je sais plus quelle qu 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 parole, mais en gros, c'est, c'est vraiment genre, euh, euh, elle porte des, euh, elle porte des talons aiguilles, mais moi, je porte des converses, euh, et tu vois, des trucs comme ça. C'est vraiment, <laughs> vraiment, si tu traduis, si tu, si tu traduis littéralement, c'est vraiment ce, ce niveau-là. Et en même temps, bah, ça passe parce que c'est, catchy et tout ça. Donc, euh, mais tu peux, donc, tu peux très bien écrire juste des, euh, hier soir, j'étais avec Corentin, euh, il m'a commandé une bière, hein, tu vois, je n'ai pas tu, tu as fait <laughs> une, fait né, genre, coup, une hein. histoire, une histoire de romance. Euh, <laughs> comme ça, tu vois, mais. Ce que je veux dire, c'est que, non, mais ce que je veux dire, c'est vraiment, ils auraient les couilles. Ils auraient les, les, les tripes. Un partenariat avec Tai Tai, justement. Elle fait un album, euh, Dazzler, The Dazzler Tour, tu elle, ouais, pareil, elle ouais, fait elle fait un EP sûr. avec trois titres comme ça, ouais. mais comme ils avaient fait pour Black Canary. Et ça ça coûte 50 millions à, ah, à bah ça... pour signer ce partenariat. Mais, non, mais, mais Tyler un... Swift, elle a déjà largement assez de thunes, donc elle peut le faire elle le ferait pour... Assez de elle le ferait pour la C'est Le principe de la thune. Là, je pense quand même qu'elle a assez de thunes. Hein. Non, non, mais ouais. mais je... enfin, Est-ce qu'elle est, est, qu est fan elle de ce genre de conneries Je donc, sais pas. Si elle est vraiment dans le film, ça veut dire... Elle ferait sûrement un single si elle est dans le film. Bah ben, peut-être, ouais. probablement, non on ne sait pas. Bref, sur le tournage, tu sais, avec Ryan qui danse à côté. Ouais, c'est ça. Euh, allez, Logan qui danse comme ça. On ouais. passe aux autres annonces euh, comics ouais. de, de Marvel. Quand même, la grosse annonce, c'est Jonathan Hickman et Grec Capullo sur Wolverine Revenge. C'est ouf. What the hell? What the hell, bro? Euh, alors, oui. donc déjà, petit message au Tom Brady. Voilà, what... Il est temps... non, non, non non. Je vais contextualiser, mais en oui. fait, en fait, c'est nous qui nous sommes un peu emballés. Enfin, c'est Bleeding Cool, surtout qui a mal formulé les choses. C'est que moi, quand j'ai repris l'article de Bleeding Cool, donc où ils annoncent que euh, Tom Brevoort a communiqué sur le fait que Capullo n'allait pas être l'artiste de la série Wolverine, de la série régulière, enfin, voilà. la série régulière. Et quelques paragraphes plus loin, il cite donc le moment où Tom Brevoort explique qu'il euh, ne se retrouve plus dans les sites d'actualité euh, comics modernes, qu'il aimerait qu'il y ait un site qui soit fiable, fédérateur, qui fasse pas de clickbait, euh, qui vérifie ses infos, etc., etc. Et en fait, quand tu vas sur son substack, c'est deux trucs différents. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un QA, donc il répond aux gens. Quelqu'un lui demande, Et eh, qu'est-ce que il, il fait chez Marvel? Est-ce qu'il fait Wolverine? Oui, c'est vrai qu'il fait souvent ces QA comme il ça. Il répond, ouais. je ne peux pas annoncer quoi que ce soit pour l'instant, mais je peux déjà vous promettre qu'il ne sera pas sur la série régulière Wolverine. Et quelques questions plus loin, mais ça reste connexe quand même, tu vois, c'est là qu'il a une, une petite entourloupe. Quelqu'un lui dit, ah, mais j'avais même pas entendu parler de la nouvelle série Wolverine. Euh, Est-ce que vous avez, monsieur Brevort, vous, un site web que je pourrais suivre? Pour me documenter un peu sur l'actualité des comics pour savoir ce qui sort en ce moment. Et c'est là qu'il fait son petit rant de euh, c'est des clickbaiters, c'est des gens foutres, euh, euh, ça ça a changé, c'était mieux avant, etc. Au lieu de citer d'ailleurs les sites partenaires de chez Marvel dont ils se servent pour faire leur communication à la con. Donc si on peut euh, tu vas mélanger un peu ces deux actualités, évidemment ça reste quand même dans la même dans la même sphère. Le fait est que Tom Brevoort, voilà. S'il a voulu mettre dans la sauce les, les nombreux sites, quasiment tous les sites qui ont fait la news, euh, de Greg Capullo prépare une nouvelle série Wolverine, ce qui a été notre cas, et qu'il bah, a dit, euh, c'est tous des clickbaiters, Tom Revort devient donc, je ne peux pas insulter Tom Revort parce que c'est l'un des patrons de Marvel et que ça ne serait pas professionnel, mais Tom Revort, j'ai un avis sur lui, on va dire, qui n'est pas un avis positif. Parce que voilà mon gars, tu as, entre guillemets, un peu enterré la vérité. En vrai, évidemment que... Quand Capullo il a posté son dessin de Wolverine en disant Wolverine c'était le <laughs> c'était le contenu de ce post Instagram il avait évi évi évidemment annoncé lui-même une série Wolverine donc déjà avant de traiter les artistes enfin les, les sites web de clickbait euh, contrôle un peu tes dessinateurs si tu veux pas que ça fuite ça fait quand même depuis janvier que euh, Greg Capullo publie des dessins de ce projet Wolverine Revenge au point qu'on sait déjà quasiment tous les caméos qui sont prévus devant euh, que du coup je vais pas vous spoiler là parce que enfin on que c'est dans l'article. Mais bon dans, dans le doute, il y aura quasiment, enfin il y aura plein de vilains de l'univers Wolverine, un passage au Savage Land avec les Zebra People, donc beaucoup de dinosaures, euh, un comics qui est aussi présenté comme beaucoup plus libre que les projets classiques de chez Marvel et qui profite donc d'une version red band, euh, donc une version qui sera non censurée et plus généreuse en hémoglobine, puisque Hickman lui dit que ils ont eu carte blanche, que Marvel a desserré la laisse, c'est l'image qu'il utilise. Euh, et que bah ils ont voilà pu se faire plaisir, puis rendre un, un vrai hommage euh, à, à Logan pour ses 40 ans parce c'est euh, 50 ans pardon parce que c'est évidemment voilà ça, ça tombe pile à l'heure pour euh, le film Deadpool et Wolverine et pour l'année anniversaire du Griffu on l'a déjà dit il y a eu beaucoup de projets qui ont été annoncés euh, à son sujet, Life of Wolverine, Wolverine Deep Cut avec Chris Claremont, <coughs> la nouvelle série Wolverine de Saladin et Martin Coccolo et euh, un autre truc bah, le Wolverine euh, the Duck c'est euh, c'est euh, non c'est Donald Duck qui en fait aura fusionné avec Wolverine euh, voilà parce que ça existe aussi chez Marvel c'est comme ça qu'on rend hommage au grand grand super héros mais on ne va pas gâcher l'ambiance donc mini série en cinq en cinq numéros euh, avec euh, donc une générosité sur le sang Greg Capullo qui enfin commence son contrat chez Marvel et on imagine que s'il a commencé à dessiner en janvier les numéros sont prêts donc on n'aura pas de, de, de délai particulier ça fait plaisir c'est beau, en plus que voilà. Comme c'est Capullo, évidemment, il y a des dinosaures. Est-ce que s'il a pas besoin de créer un bat de dinosaures pour se justifier de dessiner des dinosaures ou de suivre Snyder dans ses conneries de Batman de Batman Metal pour dessiner des dinosaures Donc c'est voilà, c'est plutôt chouette. Euh, Hickman quand même qui est un peu partout en ce moment parce qu'il fait euh, il fait son univers Ultimate qui est, qui est génial. Il fait bon, il fait Gods. J'ai l'impression que c'est un peu en train de enfin, tout le monde s'en fout de Gods de toute façon. Et à côté de ça, il fait évidemment, bah, le Avengers vs uh, Aliens, enfin, Aliens versus Avengers, qui est vraiment un produit qui fait, j'imagine, pour la thune ou pour le, pour le kiff de, d'écrire des aliens. Et aussi à côté, Wolverine Revenge. On voit qu'il est vraiment, voilà, qu'il est, qu est bien installé chez Marvel. Il a sa carrière d'auteur et il fait des petits, des petits produits à la commande pour se faire plaisir, pour travailler avec les artistes dont il a, dont, dont il aime le travail, comme S.A. comme Greg Capullo. Euh, et en plus, c'est vrai que c'est aussi un peu symboliquement le retour quelque part de Hickman sur Wolverine, parce que, il a écrit Cracoa Kra pendant trois ans. Il était parti. On croyait qu'il avait fini avec les X-Men. Alors là, évidemment, faut pas en attendre une, une poursuite de la logique Cracoa ou, ou un titre canonique. Ce sera hors série, ce sera hors continuité. La preuve, il y a le Nick Fury blanc. Enfin, le Nick Fury, le classique euh, David Asseloff, James Steranko, etc. Donc, euh, voilà. Euh, c'est c'est la kiffance. Comme dirait Naps. Je suis, je suis là pour ce projet et T'as fini ta news là, c'est bon ou... Non non, euh, j'ai <laughs> pas, pas de news, mais moi je suis d'accord avec toi sur sur l'ensemble de ce que tu as dit, euh, ce qui me fait. Tu le pourrais plus... tout répéter ce que je viens de dire Non, par... je pas je vais pas répéter, mais oui, à l'envers. Il a sa carrière d'auteur, il fait des trucs. <laughs> Mais avant ça. Le seul truc qui me dérange un peu c'est peut juste le côté Red Blood de nouveau quoi, en fait. Parce que moi je pensais qu'avec Blood, le... pardon ouais ah, parce que je pensais que l'annonce du, euh, du Werewolf by Night en fait Red Blood, ça allait juste devenir un format en tant que tel. Ouais on en avait parlé la dernière fois. Et ouais. sauf que là en fait bah ils refont le gimmick de. Et... C'était sûr mec et ça va ça va devenir ouais ça qui... et ça et ça, et ça m'emmerde parce que je pensais que c'était juste un, un coup d'essai pour voir s'il y avait de l'intérêt et là le truc c'est que bah oui sur sur un, sur grec euh, là-dessus moi j'ai envie de de lire le truc red band en fait vraiment pour moi là pour le coup on est peut-être sur un sur un projet où ça le mérite plus pas parce que son scénariste T'avoue que si c'était que Len et Greg Capolo, je m'en foutrais, tu vois. Je dirais, bon, bah, ok, fait, fait, faites vos délires. Là, c'est plus, forcément, t'as l'attrait de l'équipe ouais, ouais, artistique, sûr. quoi. Et, euh, ouais, pour le coup, ça m'emmerde un peu de, ben ouais, moi, ce de voir juste que c'est pas euh, une forme de black label, ouais, quoi, en fait. Moi, ce qui m'emmerde, c'est plus pour le trade parce que on, on ne sait pas encore comment vont être collectés les, les numéros euh, qui seront concernés par cette espèce de, de logique Red Band. Est-ce qu'ils feront un trade normal et un trade Red Band? Parce que tu peux pas mettre un trade breadband sous blister comme tu peux mettre un trade, enfin, un single breadband sous blister, tu vois. Donc, j'avoue, je comprends pas trop la logique, vraiment. Enfin, si je la comprends d'un point de vue économique, évidemment, mais, euh, encore une fois, voilà, ce que je vous parlais tout à l'heure des numéros à 30 balles, c'est aussi un truc qui pousse à la spéculation. Marvel, encore une fois, ils savent très bien ce qu'ils font avec ces machins-là. Est-ce euh, qu'on aura des éditions augmentées, entre guillemets, où il y aura deux versions de la même histoire en album? Faut, honnêtement, je trouve que c'est vraiment casser les couilles pour pas grand-chose, quoi sortez directement la version Red Band. C'est un comics pour adultes, vous avez une classification pour adultes, le rated M, vous le sortez directement en version Red Band, vous ne faites pas une version atténuée, une version non atténuée, ça, bah ça, ça contribue à capitaliser sur un projet qui est attendu par très nombreux fans et qui, du coup, bah, vont devoir se poser la question de payer un dollar de plus s'ils si veulent la vraie version que Capullo avait vraiment envie de dessiner. Dans le communiqué de presse, ils insistent beaucoup sur la violence. Hein. Ils disent le griffu, il est vénère. Euh, il découpe du tyrannosaure et tout. Bah oui, évidemment que t'as envie de la lire, mais du coup, pourquoi est-ce qu'il existe une version grand public et une version euh, euh, Red Band? Tu vois, de base, Hickman Capullo, ça parle plutôt aux adultes, hein, en tout cas, je pense. Euh, ils ont quand même un, un certain âge, tous les deux. Est-ce que vraiment ça valait, ah, tu m'écoutes, Arnaud? Est-ce que vraiment ça valait le coup de sortir une version atténuée, quoi? Tu vois, enfin, pour les comics d'auteur comme ça, est-ce que c'est ça l'avenir la, de chez Marvel, du coup? Tous les, toutes les BD d'auteurs auront une version, euh, une version rouge et une version blanche? Moi, je trouve ça vraiment, euh, ouais. Ça m'énerve. Ah, je suis d'accord avec toi. Très bien. Ça me fait, ouais, ça, ça, ça m'interroge quoi. C'est, c'est con parce que ça, ouais, je sais pas. C'est moi, ça m'appelle forcément le côté, ouais, c'est plus sanglant, c'est plus mature et tout ça. Euh, donc à voir, à, à, à voir. Et surtout, bah la question qui va se poser aussi, c'est après, c'est comment Pagny fera pour la VF. quoi. Est-ce qu'ils vont faire aussi euh... J'espère, j'espère vraiment qui vont pas faire deux versions quoi aussi, franchement. Bah oui, oui, Juste qu'ils qu propose, ouais. qu proposent qui propose la red band euh, directement. Bah, quoi. Je pense que c'est Marvel qui va leur imposer. Ouais ouais je pense aussi. Je pense j'en ai un petit peu peur aussi quoi. Et ça, ça, ça ouais, c'est un peu pourri quoi comme, comme truc quoi. Mm -hmm. <laughs> enfin bref, euh, autre grosse annonce quand même, c'est le baroud d'honneur de R de Rob Liefeld sur son Deadpool. C'est l'ultime. Il avait dit en début d'année qu'il allait prendre sa retraite de Deadpool, et donc c'est euh, bah, son dernier titre sera un Deadpool team up. Donc voilà, il va être euh, en association avec plein de, euh, de personnages et euh, bah, pour le coup euh, plein plein de personnages. Euh, qu Qu'est-ce qu que, <laughs> qu que, qu que, qu que je veux dire <laughs> Il y a beaucoup de personnages avec Deadpool. C'est un team up. Avec bah il y aura Wolverine, forcément il y aura Wolverine. Mais après il, il choisit quand même des euh, des personnages plus ou moins plus ou moins typiques. Alors ce qui me fait mal c'est qu'il reprend son Major X euh, qui était sa sa création de il, ouais, ouais. il y a quelques années justement quand il y avait eu Deadpool 2 qui était euh, qui était sorti. Euh... Ouais, il y aura Hulk, Spider-Gwen, Star et bah c'est déjà bien. Christa, envie de dire. Ils sont ouais. tous, ils sont tous sur la couverture de toute façon. C'est ça ouais. euh, Chris j'avoue, je connais pas du tout ce personnage par contre. On t'a on sur moi mais en tout cas je le reconnais pas la façon dont il le dessine. Euh, c'est rigolo, sans, sans Spider-Gwen aussi, elle a des yeux trop bizarres. Euh, ouais, donc voilà, il l'avait annoncé, Dora Blighfell prend sa retraite, entre guillemets, puisqu'il arrête les comics Deadpool après celui-là. C'est d'ailleurs assez amusant de se dire que dans une année 2024, qui a un film Deadpool et Wolverine, en fait, on parle quasiment que de Wolverine. Que c'est l'argument marketing du film. Ils ont plus incité sur Logan dans le film que sur, que sur Wade. Euh, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu une profusion de titres qui ont été annoncés, alors que Deadpool, quelque part, Bon bah non, on a assez tiré sur la corde. On a un peu fait tous les versus du monde, donc c'est plus vraiment trop la peine. Et quelque part, voilà, la vraie star du film, ça va probablement être Wolverine. À tel point que l'éditorial, du coup, là, a, l'a très bien compris. Alors, ce comics-là, moi, d'être personnellement, Deadpool Team Up, encore 5 numéros. Hein, est-ce est que je suis, est-ce que je suis froidement honnête et je dis que je m'en moque, quitte à vexer les fans de Rob Liefeld. Il faut peut-être arrêter de se mentir. Voilà, moi, je suis pas un fan de Liefeld. Son Deadpool m'intéresse quand il est pas écrit, enfin, scénarisé par lui. La couverture, voilà, c'est le plan classique. Deadpool, il est de face. Euh, il s'est fait ce petit kiff quand même de lui dessiner les pieds. Donc voilà, c'est un truc aussi. C'est un running gag dans la carrière de l'AFL, c'est qu'il aime bien, des fois, dessiner des pieds pour dire, mais si, je sais dessiner des pieds. Très bien, tu vois, ça, c'est cool. Moi, ça me fait plus trop rêver, je le cache pas. Je trouve c'est un dessin qui trouve très vite ses limites. Quand on regarde la couverture qu'il a faite, enfin, euh, la variante qu'il a faite, son Wolverine avec la mâchoire et la, et la bouche ouverte, bah, il est pas, il est pas très jojo, quoi, tu vois. Même, j'ai l'impression qu'il commence à prendre de nouveaux, de nouvelles mauvaises habitudes en vieillissant. Tu vois, par exemple, ils ont tous la même expression euh, quand ils ouvrent la bouche, maintenant, ce personnage. Tu vois, là, le, le Wolverine, là en bas, mm. tu vois, il a une drôle de gueule, quand même. Et il a un ouais. peu la, la même bouche que le, le, que le, le Hulk qui est juste au-dessus de lui. Donc voilà, moi, c'est pas en 2024 que je vais devenir fan de Rob Liefeld, évidemment. Euh, Marvel le ramène parce que c'est le père fondateur, c'est tout, tout à fait logique. Ils l'ont fait à chaque film, à chaque euh, Deadpool au, au cinéma. Il y avait un comics ou une variante de l'Éiffel. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs je pense que c'est pas fini en fait, que sa retraite, euh, pour l'instant on va dire elle est sincère. Je pense qu'il le pense vraiment quand il lui dit, quand il dit euh, je prends ma retraite. Mais le jour où ils feront un Deadpool dans Secret Wars ou, ou le jour où ils feront une série animée Deadpool, enfin, la marque ne va pas s'éteindre. A priori le film sera un succès. Enfin on peut parier dessus, en tout cas, il est quand même assez attendu. Euh, L'année ne manque pas de Buckbuster, mais c'est vrai qu'elle manque un peu de Marvel au niveau au cinéma. Donc, quand, quand Marvel studio finira par réexploiter la marque, je les vois mal euh, ne pas faire appel à ce nom-là, qui en plus est assez vendeur aux états unis il a encore beaucoup de fans. C'est une rockstar des comics, en plus. Hein. Alors, il est contesté, il est forcément pas apprécié de tous, mais Rob Liefeld, il est, il est connu, tu vois, comme Jim Lee est connu. Enfin, peut-être pas comme Jim Lee est connu. Mais il est connu au niveau de Jim Lee ou de McFarlane. Donc euh, voilà, à mon avis, on aura d'autres Deadpool euh, de gré ou de force de Sherob euh, Leifel d'ici les prochaines années. Mais si on a envie de croire à cette espèce d'adieu, bah voilà, ça sort en août euh, pour accompagner le film. Très bien. Ouais, mais je pense que je pense qu'il est honnête. De toute façon, bah, ici, il doit sortir ses mémoires aussi. Je pense qu'il va euh, prendre réellement sa retraite aussi. Euh, en vrai. Je pense que là, c'est son dernier one one for them, un peu, si on, si on, si on peut dire, quoi. Ouais, je, je te dis, moi, j'y crois pas. Je pense que Marvel arrivera avec un chèque et, et il se dira, bon... Allez. Mais tu sais, enfin... Euh, son... Ne serait-ce que pour une histoire courte, tu vois, quand il y aura les... Oh, les, pff... les C'est quelle année, Deadpool 92 91 Non, je suis que déjà chez... Image, à ce moment-là, c'est 88, 89 Tu ne mets pas du tout, en aucun J'essaie de me rappeler, mais... Euh... Donc, du coup, genre, dans, dans quelques années, il y aura les 30 ans de Deadpool. Tu vois, mécaniquement, ou euh, les 40 ans de Deadpool, il, il va forcément faire une, au moins une histoire courte. Parce que les 30 ans de Deadpool, c'est déjà passé. Ouais, euh... Il fera au moins une histoire courte pour les 40 ans de Deadpool. Enfin, je les vois pas. Je sais pas. enfin Il y a pas 40 mecs que tu peux mettre sur Deadpool, à part Joe Kelly et, et quelques autres gars comme ça, que tu peux me ramener en mode eh, c'est le performateur qui revient et tout. Voilà. C'est mon analyse euh, pertinente. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Euh, non, je sais juste autre chose. il a Il a 56 ans. Euh, Rob Leifel bon ça va c'est vrai qu'il n'a pas encore 60 piges donc c'est pas non plus ultra Parce il, il veut juste... a commencé hyper jeune hein, il a commencé il a non pour, pour l'instant c'est sûr mais non dire, est, est ce que j'essaie de me dire c'est est-ce qu'il veut poursuivre en, en indé de toute façon à faire d'autres trucs ou est-ce qu'il en a marre et est... enfin, tu peux comprendre aussi que justement vu qu'il a commencé très jeune qu'il en est réellement marre aussi de dessiner et qu'il euh, puisse vouloir jouir de ses 20 ou 30 prochaines années en fait oui, à, à juste fait, kiffer ouais. en fait oui oui, oui non, mais, non mais je te dis que c'est pour ça que je dis que mon avis il est sincère mais je mmh. pense que si Marvel arrive avec un gros chèque il se dira bon ouais. ça, ça met du beurre dans, euh, dans le barbecue quoi ouais c'est sûr le <laughs> beurre dans le barbecue <laughs> parce que je trouve pas qu'ils mange des épinards euh, en mais... Oh, Regarde-moi <laughs> ces préjugés que, que tu peux avoir que rendu, sur, 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 <laughs> sur les, les gens. gens. <laughs> j'ai été trop méchant. Non, en plus, il y a un fan dans le fait qu'il nous écoute et je te salue. Et tes arguments sont tout à fait censés louables. Euh, c'est juste moi, je n'accroche pas à son dessin et j'ai des reproches à lui faire sur un plan plus personnel. Mais encore une fois, je le dis à chaque fois euh, le marché des comics serait bien ennuyeux si... quand il ne sera plus là. Ouais, ça c'est clair. Euh, Corentin on passe maintenant à la partie écran euh, une première nouvelle c'est que euh, Sci-Fi euh, remplit sur une adaptation de comics en série télé avec euh, Revival de Tim Sillay euh, chose peut-être curieuse vu que bah, récemment ils euh, débranchaient quand même ils avaient débranché euh, alors maintenant j'aurais plus le nom de, de, de la série que c'était Resident Alien merci Resident Alien euh, mais à croire que peut-être que ce, ce registre là ça les, ça, l intéresse, ça les intéresse plus ou que c'est peut-être euh, plus simple à faire en termes de budget de budget bah, je me pose la question parce que en fait c'est des propositions qui sont assez euh, assez similaires. Euh, Resident Alien donc de de Steve Parkhouse au départ comme comme vous le savez peut-être c'est l'histoire d'un extraterrestre qui s'est creusé sur Terre et qui se fait passer pour un humain auprès d'une petite communauté euh, <coughs> pardon du Midwest dans une ville à la Twin Peaks euh, qui est entre deux montagnes et voilà il, il joue le médecin euh, il va faire des enquêtes et tout donc c'est déjà très série télé compatible euh, et ben bah, Revival, Vol c'est un peu la même chose dans le sens où enfin non, mais genre, c'est très série télé. Série putain, je pas aujourd'hui, moi. C'est très série télé compatible, euh, dans le sens où c'est en fait un truc qu'on a même déjà vu plusieurs fois à la télé. C'est une petite ville, encore une fois, neigeuse, un peu paumée, où les morts sortent de terre, euh, réapparaissent, pas en mode zombie, mais avec, euh, avec leur corps en bon état et tout. Un peu comme les revenants, quoi. Un peu comme les revenants, un peu comme le, The 100, euh, un peu comme toutes ces séries télé. Explique... J'ai fait des recherches pour. Euh, pour retrouver un peu des exemples. Et en fait, c'est quasiment un trope. Quoi. Il y a eu des ouais. séries françaises, des séries américaines qui ont fait ce, ce truc-là. Alors, l'originalité, c'est que... En fait, un peu comme dans Stillwater, personne ne peut mourir dans la ville. Euh, si tu plantes un mec, euh, hop, t'enlèves le couteau, son, sa chair, c'est recréé. Alors, donc, ça paraît moins cher à faire. Il te faut une ville, des acteurs, point. Et éventuellement, un maquilleur à la, à la Nicotero pour faire euh, un mec qui plante un couteau. Ouais, c'est tout. Derrière le concept. Ouais, et même pour ça, t'as pas besoin de quelqu'un comme Nicotero. Quoi. Oui, non, mais je veux dire, un, enfin, mm. un, un mec qui aurait le poste, hein, le boulot, tu vois, euh, que c'est maquilleur et fait spécial, je crois que ça s'appelle. Ouais. Donc, euh, voilà, alors le concept, c'est que dans cette petite ville, donc, où la mort n'existe plus, euh, où les, les revenants sont, sont revenus. Euh... <laughs> c'est pas mal ça. Alors, je dis, j'ai vraiment très peu dormi. Hein. Donc, euh, voilà. On, on se demande pourquoi, en fait, on va interroger un peu le, ce principe, ce concept-là. C'est un truc un peu à la de Love. C'est pas trop mal, c'est plutôt bien écrit, ça dure quand même sur assez longtemps. C'était l'époque où, justement, chez Image, on faisait des vrais ongoing très régulièrement, mm. même pour les petits projets. Et là, en l'occurrence, c'était quand même, pardon, mais c'était quand même un petit projet à l'échelle des séries Image. Euh, je vous spoil la fin tout de suite, non, je rigole. <laughs> mais euh, voilà, c'est plutôt une BD, entre guillemets, anodine, quoi. Il y a, y a plein d'auteurs qui ont déjà fait un peu des essais dans ce genre-là. Pourquoi ça arrive en série télé Probablement parce que, justement, c'est pas cher, que c'est un concept qui est facile à faire. Et que bah, Sci-Fi préfère aller là-dedans maintenant qu'ils sont un peu en réduction de budget. On l'avait dit peut-être la dernière fois, mais euh, voilà, le, le, la télévision câblée, donc qui marche par abonnement, perd chaque année des parts de marché parce que le streaming est devenu en fait la norme de consommation globale, comme la télévision traduit, hein, tu me diras. Euh, sauf que bah, le câble, en dehors des abonnements, ils vendent aussi des espaces publicitaires. Et donc, comme bah, il y a moins de spectateurs, déjà il y a moins d'abonnés. Et en plus, il y a moins de euh, spectateurs, enfin de. De gens pour voir les pubs, donc ils, 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 ils les vendent moins cher. Oui, les annonceurs, ça, ça les intéresse moins. Voilà, c'est comme euh, sur, sur TV Braze, la, une, la, la même publicité ne, ne coûte pas le même prix que sur TF1. Euh, oui. Voilà. Je peux. Mais salutations, ma breton, Kenavo. Euh, qui veut dire au revoir ou bonjour, je ne sais plus, je me confonds à chaque fois. Euh, Dites-moi dans les commentaires. Donc voilà, ils ont décidé, alors on ne s'est pas, pas dit encore hein, d'annuler Resident Alien, mais ils veulent quand même la sauvegarder parce qu'elle est très appréciée, cette, cette série télé. Elle est bien notée sur, sur métacritique enfin sur Rotten Tomatoes, euh, le groupe Universal a envie de la garder sous clé parce qu'apparemment quand elle sort sur Netflix au début d'année, elle est numéro un pendant une semaine de sa catégorie. Donc est-ce qu'ils vont la garder sur, 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 sur Sci-Fi et garder l'argent de Netflix comme la fille de Bellu a fait pendant un, un moment On ne sait pas. Hein, très honnêtement, les deux pourraient coexister. Et c'est très différent puisque Horizon Alien, c'est plutôt, plutôt une comédie dans la mmh. version de série télé. D'ailleurs, il faut qu'on en parle un jour, Arnaud, toi qui as vu les, les, la série. Oui. Tu voulais pas qu'on fasse un podcast dessus Si, si. À terme, ce serait un rétro voyer. podcast. Ouais, 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 ouais. Euh, donc voilà. Enfin, revival arrive. La bonne nouvelle, c'est que ça fera de l'argent pour Team Silly, qui pourra embaucher Zoé Touregood pour faire euh, un deuxième volume de Hack voilà, qui rendra hommage à Shadows of the Damned. <laughs> ça va rendre hommage à tous les jeux de Super 51. Voilà, c'est la fin de ce monologue. Très bien, très je, bien. Je, ma foi fort passionnant Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est voilà, la, la partie écran est toujours un petit peu moins, moins, moins développée. De toute façon, voilà, c'est pour lister aussi des projets qui, qui sont qui sont en attente. Euh, du coup, de, chez Amazon, ça bouge euh, du côté euh, Spider, puisque Amazon a, a un contrat avec euh, Sony Pictures pour développer un ensemble de séries télé euh, autour de l'univers de, de Spider-Man. Donc, mais moins Spider-less verse quand même que ce qui se fait au cinéma, puisque là il y a vraiment des personnages de type Spiders qui se qui sont prévus. Mais autant alors ils ont validé le projet de série Spider-Man Noir dont on avait déjà entendu parler quelques fois avec Steve Lightfoot, notamment le, le showrunner de Punisher qui sera aux commandes, avec Nicolas Cage qui est confirmé pour reprendre le rôle qu'il a déjà incarné dans Spider-Verse. Alors ce sera une version différente, puisque Nicolas Cage incarnera un Peter Parker qui a déjà été en activité et qui ça a l'air d'être un peu old man façon. Ou, oui, ouais. ou Dark Knight Returns, façon, ou Spider-Man Reign tant, tant qu'on est là-dedans, façon euh, le, le héros qui a bourlingué, qui était le héros de la ville à l'époque ouais, ouais. et qui reprend du service, donc dans un, dans un contexte bien sûr d'ambiance euh, film noir, polar et tout ça. Et en parallèle, ben, ils disent euh, non, finalement, Silk Spider-City, on va pas la faire, et Sony qui veut quand même développer ce projet, essaie a priori de refourguer le projet euh, à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, euh, bah, c'est pas chez Amazon qui aura forcément un univers partagé en tant que tel puisque déjà bah, deux projets en gestation, mais bah, il y en a un qui va pas être sous la même enseigne. Mais si s'il trouve preneur parce que s'ils il trouve preneur. Faut c'est la série d'Angela Kang en l'occurrence qui euh, qui a un nom d'ailleurs très comics. Euh, qui... Bah, alors, <laughs> <c> est... <laughs> Elle est là pour conquérir la télé. Ça m'avait fait rire, c'était l'une des scénaristes, je crois, de Captain Marvel 2 qui s'appelait Morgan Le Fauve. C'était ah. rigolo parce que dans la scène post-générique, hein, enfin, voilà, ça ah, m'a ouais. fait, fait rigoler. Euh, donc là, en l'occurrence, alors moi, Silk, j'avoue, j'ai du mal à y croire. On, on sait grosso modo pourquoi le projet a été annulé chez Prime. Hein, C'est, euh, Rappelez-vous, pendant la grève, en fait, après la grève surtout, en fait, ils ont pas voulu euh, relancer la production. Ce qui fait que les scénaristes de la série ont été virés, ouais. Voilà, surtout étaient, pendant un temps, immobilisés. Sans pouvoir travailler, donc ils n'étaient pas payés. Et comme ils avaient un, co un contrat exclusif, ils pouvaient pas aller trouver du travail ailleurs. Et donc là, le syndicat des acteurs américains a menacé de faire un procès à Amazon, qui a donc dit, OK, bah on annule. Voilà. Euh, donc c'est vraiment un, un coup de force assez, assez sadique, quand même, je trouve, de la part de Prime. Euh, qui, au demeurant, voilà, pour produire de bonnes adaptations de comics, hein, c'est pas la question, mais ça reste, entre, entre guillemets, la tactique Amazon, qui, voilà c'est c'est pas un studio historique et ils ont encore des méthodes un peu un peu brusques on va dire on peut aussi se demander si c'était pas une question de budget parce que <coughs> faire l'araignée qui virevolte entre les buildings en série télé ça coûte du pognon et on est en train de revoir un peu cette logique qui a été de créer des blockbusters du petit écran généralement chaque plateforme en a au moins un voire deux voire trois pour les très fortunés euh, mais tu vois voilà genre les Netflix qui voulait faire une sorte d'univers The Witcher avec un premier spin-off ils sont revenus en arrière Free Body Problem, là, leur nouvelle série, euh, qui est un peu le nouveau truc à gros budget par les créateurs des Game of Thrones et tout, bah, ils se posent la question de faire une saison 2 parce qu'en en fait, ça a été signé... Pour... Ah, elle a été, elle a été signée, hein, je crois, là, oui, officialisée quand même. Mais il y avait un article qui était sorti là-dessus où les mecs expliquaient un petit peu la problématique et ils disaient, mais en fait, oui, comme pour Sandman, oui, il y a un gros succès, mais on n'a pas les moyens, en fait, de... Parce que Netflix, ça reste du, euh, du contenu on-demand, c'est-à-dire qu'en fait, ils sortent toute une saison en une fois. Donc ça veut dire que pour alimenter leurs spectateurs, il faut que régulièrement.. De nouveaux trucs arrivent. S'ils font cinq séries qui coûtent 100 millions la saison. Bah du coup, ils ont OK, ils ont cinq saisons donc ils ont cinq lancements. Ils ont cinq mois où ils peuvent dire voilà, la grosse série du moment. Mais qu'est-ce que tu fais pendant les 7 mois qui restent Et eux, en fait quand ils se disent ben bah, on renouvelle la série, ils se disent pas on a gagné les spectateurs avec la série qui coûte 100 millions. Ils se disent on, a, on aurait pu avoir 10 séries qui coûtaient 10 millions et du coup bah en fait on a perdu des de possibilités de faire du lancement, de faire de l'occupation de terrain. Et ça c'est un vrai problème parce que justement on est encore une fois à une période où bah, l'argent disparaît d'Hollywood en fait on sait pas où il passe mais plus personne n'a de pognon donc euh, pourquoi on parle de ça oui voilà donc faire une série avec une araignée qui vole entre les buildings ça coûte de l'argent ça coûte des effets spéciaux en plus il y a un historique qui a été posé par, par le cinéma je veux dire le Spider-Man qui vole entre les buildings de Sam Raimi le Spider-Man de Mark Webb un peu moins solidement de Marvel studios j'ai l'impression qu'on retient pas forcément les FX de ces films là la raison à mon sens euh, mais voilà en tout cas ça, ça, ça va demander quand même une enveloppe qui n'est pas celle d'une un, série télé où Nicolas Cage va grosso modo être un détective privé euh, qui va juste au lieu de tirer des coups de feu tirer des étoiles quoi parce que c'est ça en fait il est vieux aussi à dessein c'est parce que ben, ça nous donne une excuse pour pas le faire trop euh, cabriolet ça fait une excuse pour pas le faire trop euh, en mode course poursuite euh, en, entre les bâtiments de New York euh, dans les années 30 ça fait une excuse surtout pour voilà avoir un truc qui sera plus enquête plus polar plus le vieux héros qui a encore un peu de bouteille et voilà. Enfin, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Euh, je pense sincèrement que Prime a déjà The Boys de toute façon. Ils ne possèdent pas la franchise Spider-Man. Ils ont aucun intérêt eux à mettre des ronds dans un truc qui va faire la, la promotion d'un personnage tiers, en fait. Euh, oui. Mmh. Voilà. Donc euh, bon, pour ce que je me demande donc si ça va être fait pour Spider-Man Noir. Écoute-moi, voir Nick Cage qui met un imper, un chapeau et et qui va euh, coincer des petits loupards à New York, euh, qu'on enlevé la fille du maire, ou je sais pas quoi. Peut, voilà, ça m'intéresserait même s'il y aurait pas le truc Spider-Man. Il oui, faudra voir quand même dans quelle mesure... En fait, il y aura le Spider vraiment. Est-ce que bah après, en plus vu que c'est dans un contexte assez réaliste, hein, faut savoir que les comics à, à la base euh, sont quand même on une approche aussi plus terre à terre. Euh, donc de, de c'était euh, David Hine, Fabrice Apolski et Carmen Adine John euh C'est une approche très terre à terre, euh, très réaliste où il n'y a pas forcément de, 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 de super vilains. Il euh... oh, y a des monstres. Oui, c'est vrai qu'il y a des qu monstres quand même. Euh, mais c'est pas aussi exubérant on va dire que du Spider-Man normal parce que on essaie de rester dans cet ancrage de de polar quoi et de de films noirs donc j'imagine qu'il y aura peut-être il y aura pas forcément le le lézard tu vois euh encore c'est un mauvais exemple, mais il y aura pas forcément le rhinocéros en, en méca géant tu vois, ce serait plutôt... Euh, J'imagine plus, tu vois, que le lézard, limite, serait qu il serait quelqu'un, mais qui aurait une maladie de la peau, tu vois, d'avoir ce côté un petit peu très... Euh, non, moi je pense qu'il y aura les loups-bars, quoi. Enfin, ouais, ouais, aura bringues, euh... Et tu auras Kingpin, forcément, tu auras aura ce genre de choses-là. Est-ce qu'il qu y aura Kingpin on peut, on peut se poser la question. Kingpin en image réelle, ils ont pas le contraire. Hein. Kingpin en image réelle, c'est Marvel Studios, c'est pas l'univers Spider-Man. Mm. Ah ben non, sinon Sony serait producteur de la série Echo, tu vois. Ah oui, ça ouais. ah, une version alternative. C'est bon. C'est un Peter bien. Parker techniquement. Ben, donc je, euh... Moi, je pense, que ça n'aura rien à voir avec les comics. Comme le d'ailleurs le personnage de Spider-Man euh, mm. oui, Spider dans Spider-Verse n'a rien à voir avec les comics. Techniquement, c'est pas oui, le même vrai. costume. Oui, euh, oui, oui c'est pas... pas le même Peter. D'ailleurs, ils ont adapté ce Spider-Man-là après en comics dans la série de Juan Ferrera et Margaret Stoll, je crois c'est vrai qu'en plus que Fabrice Sabowski était revenu plusieurs fois euh, publiquement pour dire mais en fait le Spider-Man de Spider-Verse n'a rien à voir ah avec oui. ce qu'on a imaginé ce qui est techniquement vrai voilà, je pense que cette version n'aura rien à voir avec aucun des deux ça ouais, ouais, moi, ah ouais, ça il être. aura la voix de Nick Cage mais ce sera une série probablement plus sérieuse et effectivement oui il, faut, il va juste euh, mener des enquêtes et une fois par épisode sortir par la fenêtre faire un fuit et voilà il va se déplacer comme ça éventuellement mais je pense pas qu'il faille en attendre euh, ce qu'on aurait pu en attendre à l'époque où, justement, il y avait ces rumeurs d'un film Spider-Man noir, tu vois. Enfin, d'un film animé Spider-Man noir. À mon avis, non, c est, c est... mais c'est pas grave, hein. moi, ça me va très bien. Comme tu dis, au niveau des vilains, oui, ils feront peut-être une, une variation ou deux. Sur... Ils ont tellement de personnages à caser, de toute façon, tu me diras, ils ont 900 persos. Hein. Donc, euh... Partant de là, ils, trou ils trouvent un vilain pourri de Spider-Man il... qui a fait un peu mafieux, euh... peut-être The Rose, tu vois, voilà. Non, parce que Rose il va aussi être dans euh, dans euh, Born Again euh, ouais. Bon, on verra. Ouais, on verra. Euh, T'es content quand même, toi. Ouais, sur le bah, sur le principe, moi je grand fan de Nicolas Cage. Surtout, Man, je trouve ces ouais. dernières années, il enchaîne des projets trop cool. Ils sont pas forcément bien, tu vois, mais euh, mais il se fait tellement plaisir et il donne. Il prend que... des projets risqués, quoi. Ouais, ouais, il fait, il fait des trucs qui ont là les, le prochain la Langlex qui arrive. Je suis ultra impatient euh, de de voir ce que ça va donner. Mais voilà, il, il a fait il a fait. Euh... Ah, ce truc avec les gamins là qui. Euh, oui, oui, euh... merde. C'était cool. Voilà. Le mauvais parenting, quoi. Mais ouais, non, ouais. il a fait plein, plein de choses. La couleur tombée et, du Mandy ciel aussi. et tout ça. Mandy, ouais. Mandy était bien. Donc voilà, il y, y a plein de choses intéressantes qu'il fait. Donc, euh... Et c'est un gros fan de comics. Il ouais. avait acheté un Action Comics 1 pour des millions. Et, fils, il il Kale, Kale, et, 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 et il a appelé son fils Cage Il s'appelle Nicolas Cage et pas Nicolas Coppola parce qu'il est fan de Luke Cage. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'il a, il a un lien de. Euh... Ouais, c'est la, la famille, c'est une famille de. de c'est le népotisme fait ouais, famille. Absolument, ouais. <laughs> euh, Bref, euh, et autre nouvelle pour la télévision, c'est qu'on a enfin une date de sortie pour Agatha All Along qui a donc son vrai titre qui en fait montre que euh, à mon sens Corentin je crois pas, pas forcément d'accord avec moi mais à mon sens c'était voulu en fait les changements de titre à répétition c'était clairement un gimmick qui a été orchestré et pour le coup qui était assez malin par rapport au fait que dans euh, WandaVision Agatha manipulait la réalité euh, sur les cinq premiers épisodes euh, voilà on s'en rendait compte que c'était la méchante et avec la chanson It was Agatha all along donc là, pour le coup, ils font un peu la même chose avec la série, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de titres, euh, Agatha House of Arkness, Coven of Chaos, et même à la fin, c'était The Great Witch avec la garde-robe euh, folle, je ne sais plus quoi là. Et en fait, voilà, le titre c'était, eh ben non, c'était Agatha qui, s'est méta, euh, vous a manipulé vous aussi, le public, en fait, avec Darkhold sa... Diaries, ouais, Darkhold Diaries. ouais. Euh, à voir donc dans, dans quel aspect... Euh, cette dimension méta sera abordée pour, pour la série parce qu'on n'en sait foutrement rien en fait, de ce que ça va raconter euh, et on a aussi une fenêtre de sortie pour euh, début 2025 euh, pour Daredevil Born Again et ce qui permet d'aborder surtout que euh, Marvel Studios revoit sa politique marketing en remettant vraiment un logo Marvel Télévision. Il y aura aussi un, un, mm -hmm. un nouveau un, un logo Marvel Animation pour les projets en animation et, et Marvel et, Spotlight pour les... et Marvel Spotlight aussi. Euh, Donc du coup, on ne sait même pas trop pourquoi il existe encore. Il multiplie bah, Marvel Spotlight. Ce sera pour le Marvel Télévision spécial. Qui est déconnecté. Ils avaient déjà Marvel Studios, the Special Presentation pour les moyens métrages en plus. Vois, ouais, mais ça, ouais, ça c'était ça, ça, par rapport au format. Mais Spotlight, c'est pour, euh, on va dire, la ligne édito du projet. Mm. C'est-à-dire la ligne. En fait, c'est Street, quoi. C'est Marvel Street, si tu veux. Du coup, Daredevil bornigan sera un Spotlight, techniquement. que ça non, parce que ça Marvel le télévision. Après, je pense qu'en vrai, il n'y a que les nerds de notre genre que ça intéresse. Et le, les, les, les trois quarts du public, en fait, ils s'en foutront parce qu'ils sont pas là pour le logo Marvel oui, quelque non, chose sûr, ils sont là pour le, le nom du héros en dessous donc ouais. les gens ils vont voir que c'est Daredevil je pense que Spotlight ça va être un peu tout ce qui est sûr de ne pas revenir ensuite comme Echo justement ah, on est... Bah Echo elle va faire son, son retour dans Daredevil techniquement ouais. bah, elle va à New York donc euh... est-ce qu'on parierait de l'argent là-dessus Est-ce qu'on peut parier un kebab dessus ouais Tu sais moi depuis que je suis végétarien les kebabs ça me fait plus vraiment rêver Ouais hein. mais bon j'y peux rien ça c'était choisi. choix de vie hein. on peut parier un, un asiate Enfin, resto asiatique, je suis un peu parier un C'est pas forcément quoi. végétarien, resto asiatique. Oh, il y a plus d'offres. Bon, un Falafel. Affle. Par Parie-moi un Falafel. Voilà. Je te parie un Falafel que euh, que elle sera dedans. Mmh, partie 1 ou partie 2 ah, euh, Non, bah attends, elle sera non, non, dedans. C'est deux saisons. Hein. Elle sera dedans. Bah, la deuxième saison n'a pas été validée pour l'instant, officiellement. Oui, si, je, elle sera dedans. Elle ne sera pas dans la partie 1. Elle ne sera pas dans les 9 prochains. Si, 9 si, elle sera, elle sera dans okay, les 9 Vas-y, vas vas-y, vas-y. Allez. Attends, on appelle ça n'importe comment, là. Voilà. Je, je, ah, oh, je putain, pense que ouais. ça s'est entendu euh, dans le micro. Donc, <laughs> euh, pourquoi on parlait de ça? Oui, alors j'ai écrit un article assez, assez long, je sais pas, sur Comics Blog sur euh, ce que ça veut dire, tout ça. Donc, pour vous faire un résumé rapide, parce qu'on n'a pas trop le temps. Donc, Marvel Television, au départ, on se rappelle, c'est un truc qui a été fondé par euh, Ike Perlmutter avec l'accord de Bob Iger au moment où Kevin Feige était pas encore le grand, grand patron du groupe Marvel. Donc, Kevin Faggy qui a été euh, Formé par aviarad euh, quand ils ont fondé en fait. Il lui apportait le café à l'époque. Oui hein. bien sûr c'est tout à fait d'ailleurs quelque part. C'est un ça, peu je... son origin story de vilain quoi. C'est pour ça qu'on sent aussi qu'il y, y a un peu de, de haine dans les discussions entre Marvel et Sony à l'époque c'est tu sais, où ils faisaient vraiment une sorte de petite guerre ouverte et tout. Euh, je pense que ça vient aussi de là hein. c'est quelque part voilà c'est le, le, le fils devenu papa etc et le vieux papa qui est un peu bien hein. c'est quand même moi le patron et tout. Euh, donc Aviarad forme Marvel studio Kevin Feige le rejoint, Kevin Feige devient le patron de Marvel Studios, Avi de se casse pour prendre la tête de, de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais d'une partie de Sony Pictures. Euh, tac, 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 où est-ce que je veux avec ça Voilà. Et Agupermutter, qui est donc le mec qui a racheté Marvel dans les années 90, pendant la banqueroute, qui est le patron de Toy Biz, qui est un soutien affirmé de Donald Trump, qui a essayé de faire virer récemment Bobby Iger de chez Disney, et qui s'est ma magnifiquement vautré la gueule. J'ai même pas voulu couvrir de ce dossier-là sur... CB parce que très honnêtement, c'était couru d'avance. Et c'est même un truc que le Hollywood Reporter a dit euh, c'est quand même comment est-ce que les, les boursiers ont pu, pendant un instant, croire que le malade mental qui voulait mettre à la place de Bobby Girl avait la moindre chance. Mais c'est un autre dossier. Donc, Palmeateur qui voulait un peu s'amuser avec les héros Marvel et aussi bah, euh, voilà faire du clout avec la télévision, c'est pas, euh, pas non plus idiot, tu vois. Il y, avait, il y avait un intérêt à faire des séries télé Marvel. Donc, il a dit à Bobby Girl laisse-moi euh, développer un truc Marvel qui ne soit pas juste pour le cinéma. Igor a dit, effectivement, c'est pas con, euh, Isaac. Euh, voilà, merci, ça, ça ça, sert d'avoir des potes débiles. Donc, ils fondent Marvel Television, qu'ils confient à Jeff Loeb, et on se met en place l'idée que Marvel Television va coexister avec l'univers partagé des films de Marvel Studios. Donc, ça commence par Agents of Shield, qui d'ailleurs a été vraiment pensé pour ça. Agents of Shield s'est fait pour être le prolongement du Shield de Marvel Studios. Et il y, des, des, y a eu des échanges de personnel, on va dire. Il y a eu des acteurs du de cinéma qui sont venus euh, faire un caméo ou même faire un épisode et tout. Ensuite, il y a eu Agent Carter, la seule série qui a été validée par Kevin Feige, par amitié pour euh, Elliot Well. Et parce que, bah a priori, ça les emmerdait pas plus que ça, ça c'est tellement lointain. Là, pour le coup, ça reprend vraiment quasiment tous les acteurs. Enfin, tous les acteurs, non. Ça reprend euh, Elliot Well et euh, Dominique euh, Cooper. Euh, mais ensuite, d'ailleurs, c'est la seule série qui a eu le droit à une, à une canonisation dans l'univers Marvel aussi. C'est vrai, ouais avec James Darcy qui reprenait le rôle de Jarvis dans Avengers Endgame pour un petit caméo. Mais donc voilà, à part ces deux séries-là qui donc ont vraiment été faites pour suivre, on va dire, la, la queue de comète des films, euh, Jeff Lob, il a dit, on va faire plutôt aussi un truc qui n'existe pas encore au cinéma, c'est les séries Street, avec Daredevil, Iron Fist, Cage, Jessica Jones, Defenders, Punisher, et éventuellement on a parlé d'une série Moon Knight à un moment donné et tout, et donc, ce truc-là, en fait, Kevin Fagin n'en voulait pas, parce qu'il disait, moi, j'ai pas validé ce truc-là. Je ne voulais pas qu'une partie de ces télévisions, j'ai mon plan. Moi, des Desposito, on a écrit un plan sur 10 ans, qui finit avec Thanos qui, qui se fait tuer. Et voilà, c'était toujours le projet. Vous me faites chier avec vos séries, je peux pas les intégrer. Je ne peux pas et je ne veux pas les mettre. Mais qu'est-ce que Daredevil, il va, il va venir foutre sur un champ de bataille contre les Chitori, quoi. Donc, du coup, bah, il était pas d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a eu, en fait, au bout d'un moment, une séparation même canonique, puisqu'en fait, tous les événements du cinéma ne sont plus, en fait, évoqués après Avengers 1, dans les Avengers 2, pardon dans les séries Netflix. Il voilà, n'y a plus en fait, de ouais, machin, il a détruit la terre et tout. Donc voilà, et ça a marché très bien comme ça, juste au moment où, évidemment, il y a moteur qui est quand même pas le mec le plus fréquentable du monde. Il donne des millions à Trump, il est ouvertement raciste, il est sexiste, il s'est opposé à Black Panther, il s'est opposé à Captain Marvel, il ne voulait pas de femmes, il ne voulait pas de personnes de couleur et tout. Bon, Igor, qui était plutôt un peu un mec qui a pris conscience que le monde ne tournait pas vraiment rond avec. Les mouvements Black Lives Matter et les mouvements Me etc. C'est dit bon, par contre là, tu nous fais chier. Euh, nous, on a envie de se greffer un peu à ces causes-là. Donc, je suis désolé, mais tu vas, tu vas te casser en fait. Donc euh, voilà, ils ont poussé euh, le moteur vers la porte et ils ont bombardé Kevin Feige, président du groupe Marvel. Kevin Feige, du coup, a pu faire son petit caprice et dire Ah, <laughs> enfin, je vais pouvoir tout annuler. Et donc il a tout, il a, tout, tout, tout a été annulé. Voilà, il a annulé toutes les séries. Il a dit euh, ça, 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 ça a terminé. C'est pas renouvelé. C'est pas renouvelé. C'est pas renouvelé. Et je vais même faire mieux. Je vais foutre à la porte Jeff Lom et je vais intégrer Marvel television dans mon consortium à moi. Et comme ça, bah du coup, il n'y aura plus aucune indépendance créative. Tout passera par moi. Tout passera par ma casquette. Euh, et voilà. Évidemment, ça n'a pas pu marcher parce que Kevin Feige n'est qu'un homme. Et même s'il a Louis, Louis D'Esposito pour le, le seconder, même s'il a le producteur. Euh, Nate, quelque chose euh, qui a travaillé sur Black Panther et euh, que voilà un mec qui commence aussi à prendre un peu de poids, il, voilà c'est trop gros en fait pour juste une compagnie et donc quand ils ont lancé les séries Disney Plus avec l'optique en fait de dire voilà c'est les premières vraies séries Marvel, c'est les premières séries qui sont ouais. canoniques, il avait dit ça c'était un truc le doigt d'honneur comme à tous les mecs qui ont travaillé là-bas et tout, bah en fait ça a duré ça a été bien pendant euh, trois mois quoi grosso modo parce qu'il y a eu euh, WandaVision Vision et Loki et après bah, c'était la dégringolade quoi parce que Kevin Feige ne pouvait pas être partout, il, il sortait quand même 3-4 films par an, il fallait euh, un peu faire le damage control de la phase 4 en plus qui n'était pas la phase qui était la plus facile à assumer et puis les retours sur Chiol qui ont été catastrophiques à cause des sexistes il y a, enfin, bon, en partie, hein, moi je ne suis pas fan de la série non plus euh, Moon Knight ça a été une cata enfin à titre personnel encore une fois <laughs> il y a des gens qui ont bien aimé euh, voilà il y a eu What If, il y a eu plein de trucs comme ça, que ça n'a pas marché en fait, ils se sont, ils sont réalisés ils se sont aperçus que ça ne marchait pas et donc à un moment donné, bah ils ont commencé à dire, ok, euh, la phase 4 ne prend pas. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver qui soit vendeur Et donc là, bah Sony en fait leur a tendu la perche la plus euh, la plus idéale. Enfin déjà il y avait Hawkeye où on a ramené le Kingpin, mais bon il s'est il s'est tiré dans la gueule à la fin, donc on pourrait se dire que c'était juste pour un petit un petit clin d'œil. Et là Sony arrive et leur dit mais les gars, mais vous êtes cons, faites comme nous. Nous on a trois Spider-Man, on les met dans le même film. Et bah vous savez ce qu'on va faire, on va mettre aussi. D'Ardeville dans ce film-là. Et là, du coup, ça y est, tout est canonique, toutes les séries Netflix peuvent, vont revenir, etc. etc. Je ne enfin, sais pas si c'est forcément le but. Quoi. Et dans l'idée, euh, si c'est la même continuité, euh, tout est censé être canonique. Après, je ne sais pas s'ils vont tout ramener. Enfin, je, pense, je pense même qu'ils ne vont pas tout ramener. Mais en tout cas, voilà, c'était déjà. Ils une... vont pas ramener Iron Fist. C'est déjà un énorme progrès après des années de. Euh, oui, de, <laughs> de snob. De snob, voilà, ouais. de genre, mais je vous emmerde, moi j'ai déjà flop, j'emmerde, etc. Il ne fallait pas dire ça, <laughs> c'était un peu l'esprit. Et donc, voilà, on arrive après, euh, on va un peu accélérer. On arrive après une période où, du coup, Marvel se ré réalise, en fait, qu'ils ne peuvent pas être partout, que l'animation, c'est un métier, que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, que tu peux pas juste aller sur le plateau et engueuler les acteurs. Ça marche pas, en fait. C'est de l'animation. Il faut vraiment un travail de suivi et de gestion qui est énorme. Et donc, ils ont embauché un mec qui s'appelle Brad Winderbaum. Et lui, en fait, bah, c'est le nouveau patron de, du département streaming, en fait. Donc, il gère les séries télé et l'animation. Et, en fait, j'ai eu pas mal d'interviews de ce mec-là. Il est pas con du tout. Euh, il a l'air d'être plutôt autonome, en tout cas, dans ce qu'il propose. La première série qu'il a vraiment supervisé chapotée, c'est X-Men 97. Le résultat, il est là, quoi. Je veux dire, est-ce que Marvel Studios aurait sorti une série comme ça il y a, il y a encore 5 ans Je ne suis pas sûr, hein, tu vois. C'est politique, c'est frontal, il y, a, il y a des morts, des morts définitives en plus, enfin, dans comics, évidemment. Euh, c'est vraiment la suite de la série des années 90, et ça ne te prend pas du tout par la main. Enfin, si, c'est perméable, mais je veux dire, il si y a vraiment des éléments que tu as besoin de connaître par rapport à Xavier et tout. Enfin, Xavier, comme ils disent. Euh, voilà, c'est super bien. C'est lui qui te dit, bon, bah, effectivement, euh, le, le Marvel Studios, ça pouvait plus beaucoup fonctionner comme, comme ça, parce que la logique, c'était il faut que vous regardiez telle série pour avoir vu tel film, pour avoir vu ma chance. Tu as tous des vidéos pour, par rapport à, à The Marvels, où ils disaient, ah, il avoir vu ça, puis ça, puis ça, mmh, puis ça, mmh, puis ça. Et effectivement, à la fin, en fait, le public s'est désintéressé de la formule. Donc lui, il te dit, Marvel Télévision on le ramène, parce que <coughs> Ça nous permet de dire, euh, vous pouvez juste regarder cette série télé et vous ne serez pas perdu. Voilà. C'est faux dans une moindre mesure puisque si Daredevil, Born est bien la suite de Daredevil saison 3, il faudra quand même de préférence avoir vu Daredevil saison 1, 2, 3. Oui, mais ce qui est pratique maintenant puisque tout est sur euh, sur Disney+. Plus. et ça pas sur Netflix, c'est plus sur Netflix. Tout à fait. Et accessoirement, euh, contrairement à X-Men 92 d'ailleurs, euh, contrairement euh, à. De quoi putain tu fait Qu'est-ce que tu dis sur x men 92 et Display sur 10 juste, Ils ont rajouté en plus les 5 saisons depuis. Ah, depuis ah, ouais okay, ils ont rajouté depuis. Super ouais. parce que justement on vous laisse les remater on ne les voyait pas. Euh, donc, <coughs> et en plus d'Ardeville du coup de base était permis puisqu'en fait as pas besoin d'avoir vu les films dans le studio pour voir Ardevil. Donc voilà enfin c'est une façon polie d'habiller une réalité qui est que en fait depuis le départ c'était une connerie de tu m'avais ma télévision. Si tu veux faire des séries télé il faut des gens qui savent faire des séries télé qui s'occupent précisément de ça. Si tu veux faire des séries télé, il te faut un showrunner, par exemple. Et il te faut un mec qui va aller voir le showrunner et lui dire on réécrit ça, on change ça. Tu, tu finances pas 200 millions d'une série télé comme Secret Invasion, comme un film, pour après la découper en six épisodes et dire mais ah ben ça, c'est un peu chiant, <laughs> il se passe rien, on s'emmerde et tout le monde s'en fout de Nick Fury qui roule un, un palo à un Alien Vert. Donc à un moment donné, voilà. C'est bien, c'est une prise de conscience qui est utile, qui est, qui est saine, je trouve. Et franchement. Le fait que, justement, la déclaration vienne de Windorbo mais pas de Kevin Feige, parce que, non, généralement, les décisions industrielles, c'est toujours Kevin Feige qui vient, qui t'explique, on a fait le spotlight parce que machin et tout. Voilà. Enfin, on sait très bien parce que tu vas nous dire, que Kevin Feige. Euh... Là, justement, il envoie un de ses lieutenants, bah, un de ses capitaines, même, tu vois, qui fait son truc dans son coin et qui dit, ouais, bah, on a pris un nouveau showrunner -show pour X-Men 92 saison 3. Ça, ça arrive, ça, ça arrive, ça, ça arrive. Donc, cette partie-là, elle est, plus, elle est enfin vivante et, euh, bah, c'est un peu dommage d'avoir perdu Jeff Lob euh, en chemin, mais, euh, moi, ça, ça ne que du bon d'avoir enfin une vision un peu, pas contradictoire, mais complémentaire au, au, au navire Marvel studio qui était quand même ultra, euh, euh, du coup, c'est, comme on dit quand c'est pas bicéphale, c'est monocéphale. Enfin, <laughs> avec une seule tête. Cadenassée, quoi. Un voilà, peu... cadenassée. Et, et en plus d'un mec très obstiné qui a jamais voulu revoir sa formule jusqu'à récemment. Parce qu'elle marchait. Et tout ça, quand même, en partie, en tout cas, grâce à Daredevil. Mmh. C'est quand même fou parce que c'est, on sait que Daredevil a aussi permis l'apparition du label Marvel Knights et tout. Euh, voilà, c'est quand même super intéressant de se dire que quand il a vu Born Again dans la première version Marvel studio il a dit Oh 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 en fait il faut qu'on qu vienne à la télévision. Il faut qu'on revienne à Marvel Télévision. Donc merci Dardeville et merci me... Franck Miller. Ouais. Euh, et donc on va terminer à la dernière partie de ce podcast consacré au cinéma avec deux petites annonces enfin deux annonces quand même pas si petites que ça en réalité déjà Edgar Wright qui est en discussion pour réaliser le projet Barbarella de Sidney Sweeney donc qui à la, à la star d'Evangeline ça, ça avance très bien quoi en fait ouais tout à fait euh... ben voilà <laughs> Edgar Wright qui est en fait dans la boucle depuis le départ c'est euh, lui qui je crois aurait aurait contacté Sweeney parce qu'il était vraiment intéressé par le projet. Euh, ça peut très bien coller à son esthétique, un peu fun, un peu loufoque. Il a, du coup, enfin, il s'est intéressé au, au, fait de filmer des personnages féminins, ce qui était quand même relativement rare jusqu'ici. Ces héros étaient plutôt masculins avec le film Last Night in Soho, Donc voilà, avec une taylor Joy qui joue une très bonne furieuse <laughs> je sens qu'un homme m'écoute pas, donc je m'en profitais. Euh, donc voilà, c'est l'occasion un peu de... dit quoi? Non, rien. Si, tu t'as dit, as dit Furiosa, mais t'as oui. dit quoi? J'ai dit que c'était vachement bien, Furiosa. <laughs> tu l'as pas vu encore. Non, mais ça va venir. Euh, homme de peu de foi Donc, euh, voilà. C'est, c'est cool parce que c'est un grand metteur en scène qui a fait donc les Shaun of the Dead, Hot Fuzz, euh, le dernier pop avant, avant la fin du monde. Mais, Baby tu, mais, tu, mais tu la vois vraiment, Barbarella, euh, sur grand écran? Euh... Bah, oui. Ouais, okay. Voilà, c'est ma réponse. En fait, Barbarella, de base, elle ressemble à, à Bardo. Sur son physique est, est plutôt proche du personnage, enfin, de l'actrice Brigitte Bardot ses cheveux aussi euh, un personnage de Jean-Claude Forest c'est une, euh, une exploratrice spatiale on va dire une aventurière de l'espace dans des comics pulp qu'on qu dit érotiques mais qu'en fait que t'es voilà plutôt euh, que es plus sexy et suggéré que vraiment érotique quoi l'orgasme au tronc et tout c'était des, des idées qui étaient un peu faux folles pour l'époque mais en vérité aujourd'hui ça nous ferait plus sourire qu'autre chose euh, elle a été adaptée donc dans le film de Roger Vadim avec Jane Fonda qui est dans le même dans la même veine en fait qui est pas un film érotique du tout qui est un film sexy, spatial, et qui a en fait des super costumes, c'est pour ça qu'il est un peu devenu culte. Oui. Non, je regardais les photos, et effectivement, c'est pas érotique, quoi, mais... Voilà, et donc Sydney Sweeney elle... Euh, voilà, déjà, j'imagine une, une nana qui a pas forcément de de problème à montrer son corps. On l'a déjà vu dans Euphoria. Ou non, et puis elle a, répondu, elle, a, elle, a, elle a répondu ça frontalement à des producteurs qui critiquaient son physique et elle leur a dit bah, « Désolé, gars, d'avoir des méga nichons. » Oui, quoi. voilà. Donc voilà. Elle, 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 elle emmerde bien. Ouais, exactement. Elle a fait une interview justement la même où elle annonce euh, pourquoi elle a fait le film Madame Web. Elle dit c'est pour financer justement... Enfin, c'est pour avoir euh, l'aval de Sony pour financer Barbarella. Donc, on voit quand même que c'est un projet dans lequel elle s'engage. Elle est productrice hein, dessus avec 50-50 mm. Films. Mais elle dit aussi... Euh, bah moi quand j'ai commencé ma carrière j'ai été catalogué comme la bonne meuf et en fait bah comme beaucoup d'actrices j'ai pas envie qu'on m'enferme là dedans j'aurais de me réapproprier mon image euh, que mon corps serve à moi et pas à financer un producteur qui voudra l'exploiter et ce qui est tout à fait logique c'est exactement ce que Margot Robbie a fait avec le Kitchup Entertainment c'est au début elle était cataloguée comme la bonne meuf de service qu'on mettait dans des films où il fallait justement une nana un peu bimbo et tout et finalement elle a dit mais non je suis je suis plus que ça et si je veux bien faire des films sexy mais je veux qu'ils me rapportent du pognon donc du coup je vais faire euh, Aetonia pour casser un peu mon image, me donner un côté un peu plus trashy, etc. Montrer que je sais jouer parce que jusqu'ici à a pas Scorsese, personne vraiment lui donne l'occasion de jouer. Et voilà, bah, c'est un peu la, la même démarche. C'est voilà, un peu la, la Shelley de sa Barbie, on va dire. Euh, <laughs> c'est Shelley la petite sœur je sais plus ou là un autre nom peut-être. Je sais plus. Bref, peu importe. Euh, donc voilà, moi, moi après le film Barbarella de base m'intéressait parce que je suis euh, je suis lecteur de de l'œuvre originale. J'aime bien l'idée qu'on prenne du franco-belge pour en faire un film de blockbuster américain. Maintenant qu'en plus il y a Edgar Wright, euh, et Banco. quoi. Il y a les, les scénaristes aussi ont été euh, ont été nommés récemment. J'aurais du mal à vous dire ce qu'elles ont fait parce que c'est pas du très gros dossier. Dans tous les cas, Wright mettra la main à la pâte pour l'écriture. Euh, voilà. Et puis du coup, bah, c'est bien parce que entre guillemets, le, le côté un peu euh, bikini de l'espace, euh, ça va attirer entre guillemets les gros peurs. Mais dans le même temps, bah, ça, fera, ça fera sûrement un très bon film. Qu'est-ce qu'il y a bah, bah, Arnaud, enfin que ouais, tu t'en visais quand je dis ça d'ailleurs. Bah je suis juste carrière. un peur, laisse mon poids en dehors de ah tout non, ça, vrai, quoi. Ça. ça va attirer les peurs de, de toute corpulence. Et un <laughs> jour du coup ça fera un bon film, tu vois, c'est un peu le côté, bah, Encore une fois, comme Etonia, tu vois un peu pas m'empoisonner. On vous vend un film qui va être sexy, mais en fait qui aura d'autres choses à défendre, qui sera un tournant dans la carrière d'une vedette, parce que maintenant ça, ça peut être une quand bonne. Quand même, une ça sera bien. Vedette. Je le verrais bien en comédie de SF comme ça, d'action, oui, d'action SF. De bah, euh... toute façon, Edgar Wright il fait quasiment. À part et même Baby Driver avait des penchants comiques. Euh, je sais qu'il est pas très apprécié bizarrement ce là je beaucoup mais euh, ouais, la Satinso c'était tu l'as vu ouais j'avais pas ouais, boy, toi et toi en plus en fan en fin de films d'horreur euh... non il était, il était sympa c'était pas renversant bah ouais. c'était pas renversant mais bah il y avait ouais. pas il y avait pas mal d'idées j'ai pas passé un mauvais moment mais c'est vrai que je, je sais pas c'est pas bah je trouve il y a des scènes celles avec les miroirs tu sais, qui, mmh. qui sont vraiment très très bien faites mais la résolution du film oui oui d'ambition ouais. du coup là tu vois c'est bien il va retrouver un peu un esprit plus plus libre plus fou plus euh... Plus coloré, même, parce que c'est vrai que ces films sont quand même relativement colorés. Euh, non, pour moi, c'est franchement la meilleure nouvelle qui pouvait arriver au projet. Ouais, non, non, en tout cas, c'est cool de voir euh, autant de gens ambitieux euh, s'atteler sur le projet. Et... Ouais, ça il y a, y a des bonnes étoiles qui s'alignent pour le moment si tu regardes ouais. juste sur, sur le papier les, les CV mmh, des différentes mmh. personnes. Quoi. Ça a été réédité, euh, Barbarella, je crois. J'en en ai absolument je aucune. Je crois que j'avais fait une news là-dessus, peut-être aux États-Unis. Parce qu'il y a eu, eu d'autres séries, Barbarella chez Dynamite Entertainment, et d'ailleurs, c'est des coniques qui avait traduit la version française pour Dynamite lors de la réédition. Euh, en bicromie, je crois que c'était du, du noir-blanc-bleu noir ou noir-blanc-rose, je ne sais plus. Mais euh, ce serait bien que ça, si ça sortait. C'est très cool, là, là. Par contre, ne lisez pas les versions américaines elles ont vraiment très peu d'intérêt. Comme c'est Dynamite, bah, ce n'est pas très joli. C'est triste à dire. Mais Et voilà. Alors, euh, le terrain Si, Si, pardon, avec... n'importe quoi. Lisez Barbarella, déjà Tauris, de Lea Williams avec euh, je crois que c'était German Peralta euh, qui est super cool très bonne petite histoire euh, qui d'ailleurs pourrait probablement inspirer le film parce que enfin c'est déjà Taurus hein, évidemment mais qui parce que c'est un peu l'esprit justement de Wright euh, comédie, dialogue, rythmé euh, c'est vraiment pas mal ouais. je peux plus meubler là j'ai plus de, de cartouche là ouais ouais j'entends bien j'entends bien mais parce qu'en fait elle les humanoïdes associés qui ont fait des, des réintégrales euh, des, pardon une, une, des, des éditions intégrales euh, la dernière elle date de 2021 a priori donc la série originale de de Forrest quoi. Ouais. Bon ça va, ça doit être encore trop. Mais bien. bah je regarde, attends je clique juste sur un petit lien pour savoir si je pourrais la si je pourrais la commander à tout hasard euh, et ça me dit ajouter au panier en stock effectivement. Bah voilà. A priori. Après euh... attention si vous vous engagez là-dedans comprenez ce que vous lisez c'est quand même du comic strip entre guillemets, euh, pulp, à l'ancienne hein. c'est pas. C'est pas très trépidant non plus, hein. c'est bien, mais c'est pas trépidant non plus. Ouais, Barbarella, suivi de Les colères du mange-minute euh, chez Aux Humanoïdes Associés, 24,95. Très bonne nouvelle. Pour 152 pages. Très, très bonne nouvelle. C'est ce, ce que je vois en tout cas, c'est une fiche d'album que, que je vois. Quoi. Euh, donc, euh, bah écoute, euh, peut-être que j'irai même tester. Ah ouais. si, je vais entendre un, un, un autre truc pour me meubler, c'est euh, que ce coup-ci, peut-être que Edgar Wright fera vraiment un film de mmh. comics. Référence <laughs> à Ant-Man. Ah. Ouais, c'est vrai. On l'a encore là. <laughs> on, a, on, on en a gros de, de, cette, de ce projet euh, à avorter. Ouais, surtout, pas, surtout parce qu'il ouais, ouais, est devenu autre Oui, Oui, c'est sûr, euh, clairement. Euh, ensuite, Corentin, bah, la dernière annonce, et c'est la plus grosse, il euh, y a enfin un scénariste pour les X-Men. Suite au succès justement d'X-Men 97, euh, c'est vraiment la propriété qui, à mon avis, va être décisive, enfin, qui sera parmi les, les grandes décisives, hein, mais avec les, en fait, c'est les propriétés de la Fox, hein, les Fantastic force ça va être hein, très décisif, je pense. Les X-Men aussi. Euh, on savait qu'il y aurait un reboot qui finirait pas voir le jour. Cette fois-ci, bah, le premier, euh, la, pre la première pièce dans la machine a été mise puisque euh, le scénariste a été trouvé. Euh, c'est tout simplement euh, Leslie Michael Leslie. Euh, donc qui a fait qui a signé le scénar du dernier Hunger Games là le, le préquel euh, The Ballad of euh, Songbirds et euh, McQueen hein. ouais. C'est <laughs> pas, pas non plus une très bonne nouvelle du coup, non, non mais il a fait le Macbeth. Il a fait ah tu sais, oui, le avec Macbeth euh... avec Michael Fassbender qui était euh, qui ah, était qui sûr. était vachement chouette, qui était très 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 beau film, euh, mais il a aussi avec fait Michael Fassbender euh, oui ça date de quand ça 2016 un truc ah comme ouais. ça c'est relativement parce que je vois celui avec Denzel Washington je vois celui avec Florence Pugh mais putain ils font, ils font beaucoup de Macbeth comme ça c'est une franchise qui marche tu vois Macbeth d'ailleurs tout Shakespeare marche en faudrait faire le c'est un best-seller euh, <laughs> le Macbeth le euh, oui, Macbeth le crossover euh, No Way Home <laughs> c'était 2015 le, le Macbeth okay, avec Sam je l'ai super raté ton euh, Macbeth c'était très bien c'était très quoi. sombre euh, très très bien filmé c'était fait par Justin Kurtzel Ok, très bien. Et Ouais, ouais, super. Bah, donc, ce cas-là, c'est une semi-bonne nouvelle. Mais après, ils sont. Oui, par contre, c'est. Voilà, ce que je veux dire, c'est que les deux, donc, Kurtzell et Leslie, ont fait ensemble après l'adaptation de Assassin's Creed. Donc, voilà, ils sont pas. Il est pas aussi mauvais que tout le monde le. C'est de la chiasse. C'est pas de la chiasse. C'est de la méga chiasse. Non, mais c'est pas, en fait, ce que. Enfin, le problème, c'est que c'est une sorte de remake d'Assassin's Creed 1. Euh, au lieu justement de capitaliser sur l'idée qu'on pourrait en fait simplement adapter l'histoire de les diorites euh, et puis c'est mal filmé c'est pas d'ailleurs, c'est encore Michael Fassbender oui, oui. Euh, c'est la même c'est la même team en fait la, la team Macbeth s'est réunie après pour Assassin's Creed et euh, grand mal leur Moi, a grand C'est un gros gâchis quoi ce film. ouais, ouais. ouais. mais ça, en tout cas voilà bien. il a il a écrit ça euh, la franchise il, Creed il est au scénario du euh, Now You See Me 3 euh, qui doit sortir oh non mais sérieux mais attends il bouffe à tous les râteliers. c'est de la merde cette franchise moi, Et... moi je trouve ça va. non. Bah, le premier ça allait, le deux je l'ai pas oh vu. Mais le, le premier il est honteux. Mais non. Le twist du premier il a aucun sens. Je sais pas, je l'ai vu. Mais remate-le euh, ouais, avec ça, ça, le... ça, ça, ça. pas bourré. Et tu... <laughs> Franchement oh, c'est une merde. Non non attends à le... euh, la fin du premier je vais pas vous cacher okay, le truc mais vraiment j'ai moi Ah final, bah du coup il est fait il est... est... écrit non, aussi. c'est pas possible, t'as donné ton plan au au héros, enfin t'es con. Bref. Il, il écrit aussi une adaptation de Hamlet pour le coup. <laughs> <laughs> donc il fait, il fait vraiment le Shakespeare, Shakespeare Universe, Universe <laughs> ouais, il fait le tout Mais voilà, donc Ouah, il, a, ouais, il ouais. a des bons trucs et il a des trucs moins bien. Après, de toute façon, ce sera qu'un traitement, puisque euh, rappelez-vous de, de Blade, euh, les réécritures, même euh, moins de Marvel Studios, sont monnaie courante. Encore une fois, avant James Gunn, il y avait cet autre scénariste, je vais pas revenir son nom, qui avait fait une préparation du film qui a été abandonnée. Si juge que c'est pas à la hauteur, et je pense que pour X-Men, comme tu l'as dit, ils se une grosse pression. Justement, c'est pour ça, en fait, parce qu'ils disent dans le développement que en fait, ça fait depuis la fin de la grève l'an dernier qu'ils étaient à la recherche mmh, d'un scénariste ouais. et ils ont fait passer des têtes, ils ont pris leur temps et Faggy, justement, leur a dit... Euh, hey, les gars, il n'y a pas de... Il a dit aux actionnaires, hein, il a fait... Salut, les gars ouais, Alors, je sais que vous voulez... Kevin vous, Faggy euh, je, je sais que vous voulez beaucoup de pognon parce que le ex money c'est euh, très, très Pourquoi l'accent arrive en cours du truc mais Parce que... <laughs> au début de la phrase, il avait un accent français impeccable et après, il s'est rappelé qu bah, 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 oui, qu'il <laughs> donc ouais, donc là, hey, il faut qu'elle rapporte beaucoup de pognon. Et donc, nous, on va prendre notre <laughs> temps, c'est de l'investissement. C'est vrai, nous, on veut faire vraiment sur le temps long. Et plus on met de Exactement, temps, Kevin. plus tu auras de l'argent. Merci, Kevin. Dorian, ça me fait plaisir. Salut, Corentin. <laughs> J'ai vu que tu as dit des trucs. C'est pas... excellent à la fin. Salut, Corentin. Ah, T'as dit des trucs pas très sympas chez moi avant avec ma <laughs> télévision, mais bon, c'est pas grave. mais qu'est-ce que tu fais? <laughs> <laughs> C'est l'accent de maman dans les guignols, ça, qu qu'est-ce qu que tu fais Ah bah écoute... Non mais si tu vas trop loin à chaque fois, tu vois, il faut que je t'arrête. Le, le polytalent, quoi. En fait, je t'arrête pas parce que je me dis qu'il faut que tu t'épuises, et je t'arrête jamais au moment où... Bah non, mais je peux pas, je, je pas m'épuiser. Je peux te faire Kevin Feige avec trois accents différents <laughs> pendant plus, une heure. Le truc, le mec, il commence avec un accent, <laughs> il finit avec un accent qui a juste rien à voir, et entre les deux, il est passé par l'autre accent. Donc... Euh... Mais du coup, tu m'as Ouais, par contre, ce, ou ce que je disais c'est qu'il a demandé vraiment. Oui, on voilà, ils ont fait des auditions. Ouais, ouais, qu e fait. Et que justement, ça prenne le temps, ils n'ont pas voulu rusher, mais parce que pour le coup, je pense qu'ils ont, même après bah, le 2023, les retours critiques sur leurs films et sur leurs scénarios et tout ça, j'imagine que ils ont eu un peu de gulotte et se sont dit, merde, bon, celui-là, ça va être. Mmh, Autant les fantastiques mmh, Force, mmh. ça va être attendu peut-être. Mais les Fantastic Four c'est pas les X-Men tu vois ça n'a pas, ça pas porté <laughs> <Déjà, rire> hey, c'est pas c'est pas, pas Godzilla non plus <laughs> mais ce que je veux dire c'est qu'il y a eu il euh, y a eu deux films Fantastic Four puis une tentative de reboot qui s'est foirée ouais, alors que X Men c'est plusieurs sagas et qui ont fonctionné alors euh, de moins bah en moins même sur une, sur la même fin les grandes sagas en sur fait, la fin si on... ouais, ouais c'est vrai tu vois. mais voilà mais dans le sens c'est quand même des films qui ont eu beaucoup plus de succès et les personnages de toute façon bah les X Men oui. c'était le hein. les méga vendeurs euh, voilà. des années 90 si ils communiquent autant sur Wolverine oui. c'est qu'ils savent très 80. bien que euh, voilà c'est c'est et en plus c'est une saga qui est respectée et qui a déjà entre guillemets couvert une bonne partie de ce qu'on pouvait faire en comics X Men alors euh, ils peuvent refaire Apocalypse moi ça me pose pas de problème hein dans la mesure où c'était de la merde c'est vrai qu'il vont... ouais, y, y a du matos qui a déjà ouais. été beaucoup utilisé le relationnel entre Xavier et euh, Xavier et euh, Magneto euh, je déteste cette version américaine entre eux, Charles Xavier le professeur X et Magnus Magneto Eric Lentroyer euh, c'est bon on l'a déjà eu et tu pourras difficilement faire mieux que Patrick Stewart et, euh, ça, sûr. et euh, Ian McKellen Donc, et pareil pour Wolverine genre, on a eu euh, l'armée X hein, déjà on a eu enfin tu vois c'est enfin, il, il a pas le casque mais... Ouais mais c'était pas c'était pas bien quoi. Ah tu penses non, non je pense pas au film, je pensais à X-Men 2 quand il y a les flashbacks. Ah oui oui, euh, okay, ouais. où ils vont à la base en hein, oh. Alaska. Donc bref, euh, voilà, je pense qu'ils ont conscience évidemment que et en plus Marvel en général quand ils vont sur une Un truc qui a déjà été fait ils ne veulent surtout pas reproduire. Tu vois, c'est pour ça qu'on n'a pas eu de vilain qu'on avait déjà vu dans les films de Sam Raimi ou de Mark Webb dans les nouveaux Spider-Man. Attends, je réfléchis là. Si. À part Home euh, le vilain du 1, c'était... Euh, le vautour. tour, bah, il n'était pas dans les films précédents. Et le 2, c'était euh, Mysterio. Ouais. Pas dans le précédent non plus. Ouais, ouais. Donc tu vois, il y a ce côté, un petit peu, on veut essayer de ne pas tomber dans le piège de la comparaison. Mais ça va être beaucoup plus dur ça va être avec beaucoup, les X-Men. beaucoup plus ouais. compliqué. Et effectivement, comme tu l'as dit, en plus, si le nouveau film va théoriquement lancer le nouvel univers Marvel. Après Secret Wars, en tout cas, c'est ce que tout le monde croit ou espère. On ne sait pas doute. quand ce film n'a pas de date, donc on ne sait pas quand ça sort. Et puis Secret Wars... Euh encore une fois, hein, je, je reste persuadé que euh, c'est peut-être pas si Wars qui, ça s'appellera peut-être pas comme ça au final. Enfin, et ce projet, il va peut-être voir le jour dans beaucoup plus de temps que non, 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 ce qui est annoncé. On est reboot. toujours, on est toujours pas d'accord là-dessus, non Mais tu peux Enfin, comment tu fais apparaître les X-Men sur une Terre qui a déjà tant vécu et que les mecs se sont jamais bougés euh, le, le fion quoi. Bah comme avec les Fantastic forces, sur une autre Terre. bah voilà, mais dans, 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 dans un sens ou un autre, il euh, y, y a un renouveau dans ce cas-là. Parce qu'ils vont pas faire toute la saga des X-Men sur une autre terre. Euh, ils vont devoir les mélanger à un moment donné pour les crossovers et tout. Bah, à voir. Non. Ah, je sais. Pas. But, ah, je euh... sais pas. Non, 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 mais oui, bien sûr, bien événement. sûr que le but c'est de faire X-Men versus voilà, Avengers à la fin. Doigt, allez hop, New 52 version Marvel. On va à un All New Marvel. Ils vont appeler ça All New Marvel Studio Now. Euh, et voilà, après on aura une partie des héros d'avant. Une autre partie, on dira, bon, ouais, c'est bon, c'est plus là, quoi. Ou alors une fusion de réalité, j'en sais rien. Je ouais, sais une fusion, en fait, tu ferais, tu pourrais, non, tu pourrais faire une Terre, une Terre Fox, en fait, où les Fantastic Four et les X-Men existent et qui se mélangeraient à, à la Terre MCU après, quoi. Bah déjà, Deadpool et Wolverine, c'est ça, en fait. Enfin, on t'explique, la continuité est en train de disparaître. Oui, et puis, tu ce façon. du trailer, il passe dans oui, un puis portail, puis les deux, en, Oui, voilà, et puis en vrai, voilà, en fait, tu fais des portails et puis c'est bon, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Hmm. Bref. J'imagine. <laughs> après moi ça m'intéresserait il y a un, un grand portail qui s'ouvre qui fait ouais, barrez-vous mais moi ça m'intéresserait à la limite de voir la naissance des X-Men dans, dans le MCU tel qu'il est en fait oh non. Et, de voir, et de voir comment le bah, ça, ça pourrait Rising Star tu veux dire genre une comète qui passe ouais hein. bah non pas voir oh, ouais, bah pff... ouais, ouais. oui et non mais, mais... Si Magneto il a pas connu les les, les... non, ouais, non, non c'est vrai qu'il qu a ça Mais y commence à être vieux ceci dit non remarque il aura 80 balais ouais bon, ça va et puis, bon. mais quelque part ça permettrait euh, de de rechanger je euh, veux dire après Magnéto. Il y a eu un très long là. Non, je veux dire que si tu partais d'un un, un, un processus de naissance, je veux dire qu'il y a d'autres événements traumatisants qui ont eu lieu dans les 20-30 dernières années qui pourraient justifier d'avoir un magnéto moderne qui n'a pas forcément euh, vécu. Euh... Compliqué, est quand même. Hein. Magnéto, c'est vraiment associé à l'allégorie de l'Holocauste. Hein. Oui, mais il y a eu d'autres génocides hein, entre temps. Oui, mais celui-là, il est très important. Oui, c'est oui, euh, vrai. C'est vrai que des, dans les créatifs, hein. Juifs aussi. Euh... Oui, non, c'est vrai que tu peux euh, pas, tu peux pas changer ça. Tu non. vois, c'est, c'est, c'est pas comme, c'est comme dire, pour le coup, si Black Panther, en fait, il était pas africain, tu vois, c'est compliqué, quand même. Hmm. Donc là, tu vois, je sais pas, en fait, c'est ça mon problème, c'est, euh, peut-être qu'on peut imaginer qu'Eric Lencher était, euh, en vacances pendant 80 balais, mais, quand, quand même Thanos attaque la Terre à plusieurs reprises, oui, non, ça non, c'est euh, que ça se pointer. Il aurait pu quand même se pointer en mode bon, les gars, je vais filer un coup de main, vous connaissez pas, mais ou, ou alors tu fais une, une... ouais, bah alors là, là aussi, je vais faire hurler encore plus de gens de dire que tu ferais un truc très radical qui serait de faire des X-Men mais sans Xavier et sans Magneto quoi. Pour ne pas avoir. Que dis-tu Ouais, t'as vu. Mais c'est iconoclaste. Hein. C'est Wolverine aussi. Wolverine, il est censé être là depuis un petit paquet de temps. C'est vrai aussi, ouais. Bon, là, tu, ouais, mais tu Là, là, là c'est juste que commercialement, ça ouais, marche plus. Ça. Wolverine, Xavier, Cyclope. On va mettre, on Jubilé et Ouais, Non, mais tu pourrais faire juste avec Cyclope, par exemple, tu vois. Ou, euh, ce, ce ah, mais il est pas assez populaire, hein, Cyclope. Parce que là, oh, là, là voilà, ça, c'est un truc à changer. La précédente, enfin, les précédentes sagas, elles ont piétiné Cyclope, euh, qui quand même, on rappelle au départ, c'est juste le héros des X-Men c'est le héros de la série X-Men Zyklop. c'est le personnage principal c'est le Ryu de cet univers et dans les films bah en fait non c'est introduit et c'est Wolverine qui a <laughs> le rôle principal ce qui est logique Wolverine Zyklop a pas été pas ça aussi mais... été introduit à, à certaines certaines périodes quand même. Oui, oui mais justement il a une évolution super intéressante mmh. il a un vrai caractère quand il reprend après Xavier que ça te dit bon en fait moi on va tout on va faire son mode dictateur voilà. ouais, ça. Euh, tu vois ce serait intéressant de le voir au cinéma mais moi je te dis enfin ma théorie qui vaut ce qu'elle vaut c'est qu'il y aura une il y aura une nouvelle continuité qui va être posée on va garder Miss Marvel on va garder y de bishop on va garder les trucs qui ont fonctionné en fait enfin, c'est exactement ça on va garder les trucs qui ont fonctionné que les gens aiment bien et tout le reste on va parce que tu peux pas genre dire encore une fois que quand est-ce qu'on revient à un truc qui est séquentiel tu vois euh, la saga des infinity stones elle était séquentielle il y avait l'idée de ah, un début un une fin là maintenant c'est un peu fou tu vois enfin c'est ouais, bon leur problème c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas le il y a un filet rouge qui est posé par un Secret Wars dont on ne sait pas quels seront les tenants et les aboutissants alors que War, War, savait que enfin on savait que Thanos serait le point culminant de, 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 de tout. Bah, parce ça, là, c'est à cause de Jonathan Majors hein. enfin, Aussi oui oui aussi ouais. l'idée c'était hey, on met Kang dans Pan trois comme ça genre, Ils sont obligés d'aller le voir encore une fois Foiré. Euh, et après bah, on va le mettre un peu partout, on va avoir un Kang dans Loki et puis on va te dire en fait que bah du coup, si vous voulez voir le baston final contre ce mec-là et en fait, les gens ils se sont dit mais non attends mais il se fait chlass par des fourmis et con sa gonze. <laughs> enfin, désolé mais je m'intéresse m'en fous moi de voir comment le cinéma. du coup bah moi ma piste c'est toujours la même, c'est le Docteur Doom quelque part avant euh, Secret Wars. Et voilà, ça, en fait ma, ma piste elle est toute conne, c'est lisez les BD <laughs> et faites un truc qui ressemble à des BD et vous, vous voilà vous aurez aucun problème. Mmh mais il y a juste des facteurs de temporalité et d'envergure de, et de tout ça qui font que c'est plus compliqué quoi mais en tout cas voilà la première pierre est euh, posée pour le euh, projet X-Men et donc forcément bah, on suivra ça avec euh, forte attention et c'est la fin de ce podcast beaucoup trop long on s'excuse d'avoir duré aussi longtemps euh, 2h25 hein, quand ah. même ah oui je, pas dire, je suis pressé, j'ai rendez-vous après. Oui, bah, je, là, je verrai pas à peine avoir le temps de manger puis il faut, faut que je file. Euh, mais en tout cas, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on vous rappelle que euh, il faut simplement le faire savoir, euh, propager la bonne humeur et euh, le fruit de notre travail, s'il vous plaît, mettez-le en valeur si euh, vous vous trouvez que ça le mérite on vous en sera gré parce que c'est comme ça qu'on peut Voilà, il faut qu'on continue d'exister et ça peut pas se faire naturellement non plus hein. on ben sait oui. que vous êtes acquis si vous nous, vous nous écoutez mais on a besoin de grandir autant que faire se peut simplement c'est juste de, de signifier notre présence un peu partout en ligne donc merci à tous ceux qui partageront cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite de, zone, de nos émissions salut salut